Sponsor découverte, il y a le hashtag publicité évidemment qui est envoyé sur les réseaux sociaux, qui était envoyé ici. C'est une sponsor, hein, c'est marqué là les gars, c'est publicité. Je peux pas faire plus clair. Donc ouais, on va découvrir Waven, c'est une OP qui nous a été proposée en deux parties aujourd'hui et la prochaine aura lieu en décembre parce que c'est de l'early access. Le jeu d'ailleurs était téléchargeable qu'à partir de 17h, donc voilà, je me suis créé un compte en Kama. Normalement j'ai fait ce qu'il y avait à faire. On va faire normalement le petit tuto ensemble, tranquillement, dans la joie et la bonne humeur, et ensuite on se rejoint en vocal avec le Xav et on va découvrir ça. D'ailleurs, s'il y a des aficionados dans le chat de l'univers en Kama en général, j'avoue que moi je suis assez étranger à tout ça. J'avais joué à Dofus quand j'étais gamin. Une semaine, les gars. Une semaine, et j'ai très très vite compris que ça allait aspirer mon âme. Et j'avais dit, attends, on va essayer de finir ma scolarité avant. Bien sûr. Donc voilà, hop, je me suis noté des petits trucs à côté, j'ai les petites guidelines, j'ai tout ce qu'il faut. Bien sûr, d'ailleurs, quand je disais les guidelines, et ça, je savais pas, je sais que parmi vous, la dernière fois qu'on a fait des petits blind tests d'animé et tout ça, il y avait de la petite musique de Wakfu et les gens avaient pété leur crâne. Eh bien, le saviez-vous? Le saviez-vous? Je ne le savais pas. Waven, ça se passe après les événements des trois premières saisons de Wakfu, si j'ai bien compris. Donc en vrai, en termes de lore, s'il y a des fanas de lore, eh bien ça peut se mettre très très bien aussi. Donc à ce qui paraît, on va retrouver des persos et tout dedans, donc plutôt cool pour les gens qui aiment ça. De la saison 3 à la saison 4, attends, tu me mets le doute, 4 premières saisons, c'est peut-être 4 premières saisons. Attends, je revérifie. Se déroule quelques décennies après ceux de la série Wakfu, dont une quatrième saison est en production. Les joueurs de Waven rencontreront donc des personnages issus de la série durant leur aventure. Donc c'est la quatrième saison qui est en production. Bon bref, vous avez compris. Les quatre premières saisons du coup, effectivement. Quatre. Ouais, je vois qu'il y a des connaisseurs dans le chat. Ok, pas d'embrouille. Normalement, CDL. Moi j'ai prévu 17h, j'ai envoyé ça. Il est où le Gamesair? Voilà, jouer. Eh ben c'est parti, on va se la régaler. Sinon ça va vous avant de lancer, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez la belle forme. Moi les gars ça va, il fait chaud dans mon bureau, j'en peux plus, il fait une chaleur à crever. C'est insupportable, c'est vraiment insupportable. Justement ils ont pas fait les quêtes sur le jeu Waven pour pas spoil la quatrième saison de Wakfu. Non mais gros ils sont trop forts. Bah heureusement en vrai, t'imagines, tu lances le jeu et tu te fais baiser, tout spoil, toute ta saison, perdu, terminé. Donc voilà. Tu rejoins le Xav après du coup, bah, il m'a envoyé un message, le Xav, il m'a dit écoute, est-ce qu'on se rejoint en vocal après le tuto? Donc en vrai ouais, comme ça, bah je fais le tuto, il fait le tuto, je pense qu'il a dû le faire. Je lui ai dit que moi je venais de lancer le games, le stream plutôt, et puis on est bon, hein. Comme ça on sera à jour et on va jouer en équipe aujourd'hui. On a 2 heures de live ensemble sur le jeu avec le Xav. Alors attendez, possédez-vous un compte en Kama? Oui, je fais mon petit truc. Nom de compte, bah c'est ça, c'est complètement ça. Je sais pas si je dois mettre les hashtags et tout là ou pas. Bizarre. Associer mon compte, est-ce qu'il va me demander de mettre des petits ouais, je pense qu'il va me demander de mettre des petits hashtagesques là. Hop, je vais vérifier ça. Alors, c'était quoi mon nom de compte en Kama? Ok, il est où le hashtag? Hashtag, non, c'est celui-là, AltGR. Ok, ça doit être ça. Est-ce que ça marche ou pas? Non, alors le nom de compte, c'est pas avec ça. Peut-être que c'est avec l'adresse mail alors. Je vérifie. Ok, associer mon compte. Ouais, c'était avec l'adresse mail. Ok, pas d'embrouille, c'était avec l'adresse mail. Hop, je reçois le code de sécurité en Kama. Ouais, mon pote. Et je le rentre et on n'en parle plus. Let's gong, j'accepte. Eh ben voilà, c'est bon. It's good. It's gully good. Voilà, on voit ça là. Alors vous me direz, le son est peut-être un peu fort. Le son est peut-être un peu fort. Effectivement, vous me dites le chat. Vous me dites. Je me laisse embarquer dans l'univers. Pas assez fort. Je m'en tape pas. Non mais moi je vais baisser un peu parce qu'en vrai en vrai c'est légèrement trop fort pour mon cerveau. Alors Waven, en vrai sans troller, dites moi si c'est trop fort ou pas. Montant je suis là. Bonjour Thomas, je vais mettre à 5. Voilà. On est parti.
connecté en tant que Jiraya TV, hashtag 5264. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai toutes les guidelines, les gars, à côté. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des aficionados de l'univers d'Ofus? Parce que je vois quelqu'un qui m'a fait un petit le petit sub. Là, ici, je suis un grand fan d'Ankama Game, mais je suis devenu papa. C'est vrai que ça te freine un peu. Yves papa, alors freined. J'ai l'impression. C'est un peu le classico-classique, hein, les gars. OMG ? OMG ? J'ai eu super peur. Waouh ! Waouh ! En mille. Je laisse tout, hein, je laisse tout, les gars, je profite, hein. On a eu peur. C'est joli en tout cas, par contre. J'adore leur animation, par contre, hein, Ankama. C'est vrai qu'ils sont très très forts. Un héros sans cheveux. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ok, les amis. Oh putain, on va se la régaler. Ok, alors avant qu'on commence. Putain, mais le son est hyper fort. Je suis désolé, je sais pas chez vous, mais moi, le son est dans mes oreilles. Il m'explose le crâne, hein, vraiment. Ok. On va mettre à 2, c'est déjà pas mal. Ah, sinon je vais canner. Merci pour les subs et les resubs, mesdames et messieurs. Écoutez, je me suis mis les guidelines à côté, c'est-à-dire les questions-réponses, nani nana, si vous avez des questions par rapport au jeu. Et moi, je vais pas vous faire le gars qui a tout appris par cœur, qui connaît parfaitement. Je vais pas faire le menteur, les gars. Je suis là en full découverte. Donc, on va voir déjà sur quel héros on va partir. Mais du coup, je voulais quand même citer ce qui est marqué à côté de moi, que Waven ne remplace pas Dofus, mais le complète. Et oui les gars, n'ayez pas peur, pas d'embrousse, pardon. Dofus, on doit dire Dofus, mais je suis désolé les gars, j'aime pas, voilà, je préfère dire Dofus comme un bon vieux français. Dofus, MMORPG, Waven c'est RPG tactique, qui va prendre certains aspects MMO, effectivement, puisque bah, déjà on va pouvoir jouer à plusieurs, et ça c'est plutôt cool, et rencontrer d'autres personnages, se regrouper, les donjons, nananinananana. Ah mais personne dit Dofus, non mais je me souviens que, notamment quand je parlais avec Zulu, qui est un fan, évidemment, d'Ankama, il me dit non mais en vrai ça se dit Dofus et tout, faut vraiment dire Dofus. J'étais là, bah ouais mais je vais dire Dofus. Parce que vraiment, je sais pas, j'aime pas Dofus, ça sonne mal, voilà, je le dis. Donc voilà, si vous aimez les jeux tactiques, c'est fait pour vous. Je rajouterai quand même que le jeu est en Early Access, vous pouvez le télécharger là sur Steam, ou directement, je crois qu'il y a un launcher sur Ankama, sur le site d'Ankama. Le jeu est gratuit. Le jeu est entièrement gratuit, 100% free-to-play, et d'ailleurs c'est bien indiqué qu'ils mettent la max pour que tout ce qui est contenu payant, ce soit du cosmétique. Voilà, donc free-to-play friendly, on va le découvrir tout de suite. Bon, les gars, c'est quoi notre gameplay, les gars? Moi, vous me connaissez, je suis un archer, mais par contre je suis un mec, évidemment. Archer, guerrier, je check un peu le flow. Ça, c'est pas, ça ressemble un peu à... Je suis pas trop familier des classes, des races et tout ça de Dofus, mais c'était pas genre Yop, mais qui sort des blazes un peu au hasard, pas sûr. Assassin de la police et mage. C'était Yop, let's go. Moi, vous savez ce que j'avais à l'époque, je vous dis, sur Dofus, et qu'à flip, je faisais que bluff, et après ça a été nerf. Arrêtez. J'étais un abuseur et caflip, les gars, joueur de bluff, je vois qu'il y a des mêmes, ouais c'est vrai, à l'ancienne. On va regarder un petit peu ce qu'il y a, sans faire le gars. L'archer, donc personnage spécialisé dans la gestion à distance, il excelle les enchaînements de sorts pour infliger des dégâts continus. L'archer est généralement choisi par les joueurs qui préfèrent ne pas foncer dans la mêlée sans raison. Je vous le dis, 100% Xari n'a pas un gameplay archer, donc je pense pas que Xari ait pris archer. Moi c'est mon gameplay archer, donc je pense que Xav, en vrai de vrai, je pré-shot, mais je pense que Xav il a dû prendre assassin, non? Genre un truc comme ça. Xari c'est plutôt un joueur assassin, sournois, ou peut-être un mage. C'est clairement pas un healer. On n'a pas envie de jouer healer. Qui a envie de jouer healer ici? Personne, non? Soignant un personnage qui brille dans le soutien des alliés. Mais moi je veux pas soutenir mes alliés, moi je veux me battre en fait. Donc ouais, Xari est fourbe, bien sûr. Donc on est d'accord. Check le bouton en bas des cases. Comment ça les boutons en bas des cases? Qu'est-ce que... Version joueur confirmé, c'est quoi ça? C'est de ça que tu parlais? Création de personnage.
Ah. Oh, attends, mais attends. Version simplifiée. Ça, c'est la version simplifiée? No way. Les healers sont énervés. Ah ouais, parce qu'en en termes de flow, si on note le flow, je suis un peu déçu parce que je pense que l'archer, c'est pas celui qui a le meilleur flow. En tout cas, c'est pas celui qui a le flow qui me fait le plus rêver. Et puis, il commence déjà à avoir les golfs dégarnis. Bref, c'est vraiment le gameplay total. Gros flow en guerrier, on va pas se mentir. Soigneur, flow ahurissant. Il y a une vibes Shaman King Faust. Qui a la ref? J'aime trop, j'aime beaucoup. Assassin, flow gargantuesque évidemment. Et mage, flow gargantuesque. Ça me fait chier parce que moi je suis un joueur archer. Et du coup, c'est peut-être celui qui a le moins, tu vois. Donc on va peut-être aller sur joueur confirmé, c'est ça? Rêve de zinzin, les gars, rêve de zinzin. Tu auras toutes les armes. Ok. Donc ça, c'est quoi? C'est plus archer hors pair. Les cras ont plus d'une corde à leur arc pour nettoyer le champ de bataille. Peu importe la cible, leur puissante flèche font toujours mouche. Ok, mec. Inestimable soigneur. D'accord. En fait, ça, c'est juste, au final, c'est les races, c'est ça, entre guillemets. Il y a 5 héros par classe, d'accord. Yop. SRAM. Exelor. Donc du coup, c'est pour ça que je pense que quand tu vas en version simplifiée, ça te met directement les classes, race, je sais pas comment. Pour moi, ça c'est plus une classe. Et après, bah, leur type, c'est plus la race. Non, c'est pas ça. T'as une sous-classe à choisir en version améliorée. Là, je pense qu'il prend le truc le simplifié, c'est-à-dire que cette race-là, c'est celle qui excelle en tant qu'archer. Et du coup, bah, ils prennent ça, quoi. C'est même les persos le plus simple à jouer les classes, ouais, on est d'accord. On dit les deux, t'inquiète, ok, mais je suis pas d'embrouille, les gars, pas d'embrouille avec les professionnels ici, ok. Donc voilà. Le jeu officiellement, je sais pas si on a une date officielle, pour être honnête, je l'avais pas checké pour le coup. Par contre, là, il est disponible, donc j'ai dit sur PC, pour l'Early Access, mais ce qui m'a fait plaisir en lisant le brief, c'est que c'est cross-platform, et à la sortie officielle, ça sort sur iOS et Android. Donc pour le coup, ça c'est vraiment cool, en tant que joueur mobile, ça me la régale. Donc on peut jouer aussi sur mobile pour le coup, mais à la sortie officielle, ok. Donc voilà, bon j'ai toutes les infos à côté, et si jamais je checkerai un petit peu tout ça. Et modèle économique c'est free to play avec achat in-game, mais notamment pour du cosmétique. Donc là c'est l'early access tout simplement et c'est sorti à 17h, messieurs dames. On va pas non plus perdre toute la night, les gars je vais partir sur un archer, Attends. Mais c'est trop stylé. Mais attends, mais il y a trop de trucs. Attendez, mais c'est quoi la différence avec ce qu'il y a là? Je comprends pas. Si là, je prends archer. Ah, là, en fait, ça le crée directement. Si je prends, par exemple, elle, je mets mon nom et basta, le perso, il est fait, tu vois. Ah, d'accord. Ok. Ok, c'est la même chose. D'accord, très bien. Merci, les gars. J'étais pas sûr. Du coup, Kra, il faudrait que je prenne Kra techniquement pour... Ok. Si je veux faire un archer... Ah bah, mais attends, mais c'est une zinzinulerie. Par contre, je suis désolé, mais les Kra, c'est vraiment... C'est des saltimbanques. Ça se voit, les Kra, ils vivent à Montpellier, frère. Regarde-le, il est sur la place de la comédie. Non, c'est trop. C'est pas ceux qui ont le meilleur flow, hein. C'est pas ceux qui ont le meilleur flow. Alors, attends, ils ont quoi? Ils ont arc... Pivin, difficulté 1, 2. Ok. En fait, il y a tellement plus de choses. Non, les gars, on va prendre au flow, hein, je pense. C'est pas les cracks qui me font le plus kiffer. Eux, ils ont une vraie gueule, hein, par contre. Eux, ils ont un vrai flow. Pinceau Kokoro, scalpel de la peau, lame Voracius. Ouais. Ouais, ça a l'air... Moi, plus tu montes, plus ça a l'air difficile. Par contre, les flots de zinzin qu'il y a. Alors, les amis, je vous dis, moi, mon gameplay, c'est jouer à distance. Qu'est-ce que vous me conseillez? Parce que archer, j'ai l'impression que c'est que de l'autre côté. Est-ce qu'il y a vraiment une classe distance sans être forcément magique? Vous pouvez... Franchement, celui-là, je kiffe trop, hein, le flot de malade qu'il y a. J'aime des phasantes, là. Vraiment stylé, quoi. Xelor? Ok, les gars, je vais chercher Xelor, alors. Ok, je vous fais confiance. Waouh. Xelor, ça a tout, hein. J'ai l'impression que ça a le flow, ça a la totale. Hein. Crac, Xelor, ok. Oh. Synchronisateur, taco, ça fait quoi? Passif du haut, fin du tour, ajoute vos points d'action non consommés en réserve. C'est pas mal, non? Les points d'action sont les ressources nécessaires, d'accord? Réserve, Mais il fait quoi? C'est juste le passif qu'on change ici. Lorsque votre héros se tait... Oh, la dinguerie que c'est! Oh. Par contre, big W au...
à leur direction artistique et leurs dessinateurs. Hein. Oh, leurs artistes, je trouve que c'est magnifique, hein. Vraiment. Lorsque votre héros se téléporte, inflige 30% de son attaque à l'adversaire. Téléportation. Ouais, c'est très très stylé. Hein. Ça, c'est plus. J'ai l'impression que c'est plus un genre de mage, non, cette classe-là. Régulant Gurpapa. Fin du tour, inflige 50% de son attaque aux adversaires autour de chacun de vos sinistros. Votre force brusque, plus vous l'améliorez, plus vous taperez fort. Ok. Ouais, c'est plus des mages là, j'ai l'impression. Et vous voyez ça, ou. Ou cra quoi, du coup. Vas-y, les gars, pour le lore, pour le lore. Lorsque vous effectuez un combo, une aura mire. Donc, ça, c'est fou. On est d'accord que toutes ces classes-là, c'est de la distance physique. Il est très stylé, hein, lui aussi. L'expingole. L'archer. Bune lame. Il y a un crack corps à corps, attention, ok. Je pense que celui-là est pas mal en vrai. Ouais, oui c'est vrai que c'est les noms à l'envers, vous avez raison. Ça, ça a l'air d'être... C'est plus corps à corps, il a un flow de zinzin lui par contre, mais j'ai l'impression que c'est plus du corps à corps, non ça. Téléportation. Ouais. Non, c'est différent, hein, cette fois-ci, c'est pas comme Dofus, hein, vraiment, vous allez voir. C'est pas exactement la même chose, quoi. Je suis désolé, je prends du temps, mais j'ai pas envie de faire nimp, j'ai pas envie de me tromper. Lui, là, lui, il est pas mal aussi. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Non, Mienda, je pense que tu couvres avec quelqu'un d'autre, absolument pas, jamais. Pas du tout. Shirushaden est trop fort, je le dis. Shirushaden, c'était quoi? Shirushaden, c'est pas mal. Après, il y a des skins. Les gars, je vais rester sur mon premier truc, Shirushaden. Je pars sur Shirushaden. Allez, parce qu'on va pas y passer la night. Hein. Je peux pas mettre en majuscule. Bon, je m'appelle Jujiria, quoi. Shirushaden, les gars, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, j'y vais à l'instinct. J'y vais à l'instinct. On va aller faire le tuto. Le jeu est en early access, vous pouvez le télécharger là sur Steam. Et c'est entièrement gratuit, évidemment. Oh la voix! Ça doit faire un moment que tu manges du crabe. Mais c'est Bruno Choël! C'est Bruno Choël, mais le lore est énorme! J'ai justement ce qu'il faut. Ils ont pris Bruno Choël, la voix officielle de Johnny Depp, pour en faire un pirate, c'est du jamais vu! Mais il devrait tenir jusqu'à l'île d'Astrub, un peu au nord. Ça marche! Je pense qu'on pourra personnaliser nos persos plus tard, non? Écoute, Mallory, je pense, a priori, s'il y a des skins, etc., je pense que c'est possible. Alors, naviguer, clique sur ton bateau pour ouvrir la carte du monde. Ça marche. On y va. Ok, carte du monde. Clique sur l'île pour t'y rendre. Vas-y, ma gueule, on y va directement. J'entre. Donc, je fais juste le tuto et je rejoins le Xav, hein, bien sûr, en vocal. On va jouer ensemble avec le Xavios. Normalement, on a 2 heures d'OP, mais je pense qu'on va sûrement dépasser. Hein, parce que vu le temps que j'ai pris là, et puis juste envie de me battre. OMG! J'aurais vu t'attendre un peu plus et cette horreur prenait le contrôle de ton corps. Ah ouais? Je suis Gul'tar. C'est Gul'tar, les amis. C'est le Gul'tar. Reste un peu avec moi. Je vais t'apprendre à te défendre. Ok, bro. Ok, Gul'tar, je dois faire quoi? Jouer. Ok, c'est du tactical, hein, les amis. Faut avoir un Vaucer. Hein. C'est pas mon cas, mais on va s'en sortir. Ok, c'est notre tour. Alors, remporter le combat. Pour gagner, tu dois vaincre tous les adversaires sur le terrain, infligeant des dégâts jusqu'à que leur point de vie tombe à 0. Ça marche. Oh. Il va falloir frapper plus fort. Attends, il a 1999. C'est une zinzinulerie. Attends, il se TP et tout. Inspecter l'adversaire. L'adversaire a perdu des points de vie. Maintiens ton clic sur lui pour l'inspecter et voir ses caractéristiques. Ok. Bon, là, il est à 1 HP. Il a 100 d'attaque. Ouais, ok, bah c'est courage. Bon. Il est affreux, mais plutôt inoffensif. Ça marche. Chaque adversaire peut se déplacer une seule fois par tour du nombre de cases indiquées par ses points de mouvement. Ils sont où mes points de mouvement, moi? Maintiens ton clic sur ton personnage et glisse vers la case libre pour le déplacer. Ok. Mais où c'est que je vois mes points de mouvement? Mes points de mouvement? J'ai pas d'infos, les gars. Je vais là-bas. Fin du tour. Une fois qu'un personnage s'est déplacé, il ne peut plus attaquer. Ah, c'est soit t'attaques, soit tu te déplaces. Quand tu n'as plus d'action à réaliser, fin de tour, et saute-toi à l'adversaire. Ok, let's go.
Quoi? Mais attends, mais ça va pas? L'adversaire t'a attaqué et tu as perdu des points de vie. Attention, car si tes points de vie tombent à zéro, tu perds le combat. Ok, j'ai pas envie de perdre. On dirait qu'on l'a énervé. Ça marche. Je vais lui défoncer la gueule, là. Je vous le dis tout de suite. C'est mon tour. Chaque personnage peut attaquer une fois par tour. Maintiens ton clic sur un personnage et glisse sur l'adversaire pour attaquer. Ça marche. Je fais comme ça. Et là, j'attaque. Je one shot. Trop fort. Je suis juste monstrueux sur le jeu. Oh, MG, tout ce qu'on a gagné. Flèche agressive. Tu devrais j'ai chaud, hein. Les sorts que tu viens d'avoir. Ok. Attends, mais c'est un RPG de zinzin. Alors, clique sur l'épée pour ouvrir l'édition de deck et équiper tes sorts. D'accord. Voilà tes sorts. Pour l'instant, tu n'en as que 9. Mais tu en auras d'autres par la suite pour te constituer un deck valide. Ouah, c'est du deck building. Oh, la zinzinulerie. Tu dois équiper 9 sorts au minimum. D'accord. Les sorts des effets, un élément, il en existe 5. Feu, air, terre, eau et éther. Passe ta souris sur un effet pour voir ses effets. D'accord. Bah, ça, c'est flèche mordante. Waouh. Alors, attends. Téléporte votre héros sur une des cases du bord du terrain les plus proches. Éphémère, ne déclenche pas les effets liés au lancement d'un sort, se détruit s'il n'est pas joué avant la fin du tour. Ok. Donc celui-là, je le mets. Je le mets là-bas. Vas-y, bon, je fais ça tout de suite. Hop, je le mets ici. Tac. Le jeu sort sur mobile, sur la version finale. Attendez, je vais voir si j'ai pas la date pour vous donner l'info. Mais sur l'info de la version mobile, voilà, il est disponible que sur PC et Mac lors de l'Early Access. Et Android, iOS ont le lancement officiel, donc c'est entièrement cross-platform. Et d'ailleurs, la progression que vous avez là pendant l'Early Access, vous la conserverez pour le lancement officiel. Par contre, j'avoue, j'ai pas la date ici. Peut-être que je suis aveugle et que je la vois pas, mais j'ai pas la date officielle. De toute façon, je sais que moi, j'y rejoue en décembre, donc à mon avis, la date officielle, elle est en décembre. La réponse, c'est en décembre, ça c'est sûr et certain. Mais la date officielle de sortie... C'est décembre. C'est décembre et j'ai pas le jour exact. Donc voilà. Vous avez l'info. L'Early Access, vous pouvez tous y jouer. Vous pouvez tous y jouer. Les amis, Steam ou sur Ankama Launcher, vous pouvez tous y jouer. C'est absolument gratuit. Pour équiper les sorts glissés. Donc ben, écoutez, on va tout équiper hein, tranquillement. Hop. Voilà. Par contre, est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que j'ai mal compris? Je ne sais pas, mais tu vois, trait du grand large, ok, très bien. Une fois que tu as fini d'éditer ton deck, tu peux quitter. Vas-y, je quitte. Donc là, c'est tout ce que j'ai équipé en spell. Mais j'ai vu, j'imagine qu'il y a des spells en fonction des classes que tu peux certainement plus ou moins utiliser. Tu vas pouvoir tester tes il est trop stylé. J'aime trop les animations, les idoles là sont vraiment très stylées. Ok, nouveau sort, on y va. .999, trop fort. Ok, donc là on est en full duel. Il a 100 HP. Est-ce que si je me déplace, en fait là c'est, je peux me déplacer où je veux à mon tour. Ok, laisse-moi checker un petit peu. Au début d'un combat, tes sorts sont mélangés et tu en pioches 5. Ok, j'imagine qu'il n'y a pas de mulligan. Ok, un sort te coûte des points d'action. Pour être joué, tu as 6 PA par jour, par tour, pardon. Passe ta souris sur le sort pour voir les effets. Ah, mais je peux le faire direct dessus. Infuse 36 dégâts. Ah, note que tous les sorts ne ciblent pas un adversaire. Certains se jouent sur ton personnage, d'autres sur une case. Ouais, donc t'as des pièges, t'as des buffs, t'as des... Ouais, ça, c'est le grand classique, j'ai envie de dire. Facile, non ? Ouais, bah c'est vrai qu'on l'a détruit, quoi. N'oublie pas que tu peux te déplacer une fois par tour. Tu peux aussi inspecter ton adversaire et collecte ses caractéristiques. Donc là, si je reste appuyé dessus. Le Diabola niveau 4, on a les infos là-haut. Recule de 2 cases quand il subit une attaque. Ok. Ok, on connaît l'info. Par contre, moi, j'aimerais savoir combien de points... J'ai 3 points d'action. 3 points de mouvement, quoi, en gros. Est-ce que je suis obligé d'aller là, je pense, pour le tuto. Ok. Ok, mais... Oh non. Non, non, il va sortir des sorts. Je perds 100 HP. Protège derrière un bouclier. Il va falloir ruser pour l'avoir. T'inquiète mon pote, on va voir. Jouer certains sorts pour accomplir certaines actions te permet de gagner des points d'action pour ta réserve. Survole ce sort pour voir ses effets, ok. Qu'est-ce qu'il fait, inflige... Bah attends, j'ai pas le temps de voir son effet, frère. Tu peux voir que quand il est joué, il te donne un point d'action pour ta réserve, joue-le. Bah merci. Ah d'accord, les infos, donc là, inflige des dégâts. Et ici, lui, inflige 26 de dégâts à la cible et 7 dégâts aux adversaires autour, c'est Nao. Et ça me donne un point dans la réserve, ok, vas-y, je le joue, j'ai pas le choix. Comme prévu,
qu'il a annulé les dégâts de ton coup. Ouais. Quand elle est utilisée, la réserve permet de gagner des points d'action pour le tour. En l'utilisant maintenant, tu vas pouvoir relancer un sort. Donc là, si je la réutilise ici, je monte à 2 et je pourrais, j'imagine, utiliser ça pour lui infliger 8 dégâts et ensuite le fusiller. Le tuto est bien fait quand même. Ok, inflige 8 de dégâts. Est-ce que la réserve se stack du coup? C'est ça la question. Bien joué. Et là, on est d'accord. Attends, 0. Remporter le combat. Joue des sorts, utilise ta réserve. Nanana, n'oublie pas d'attaquer avant la fin du tour. Ouais, classique. Mais ça, c'est quoi? Archer éphémère téléporte votre héros sur une des cases du bord du terrain le plus proche. Ok, mais on va vraiment pas utiliser ça. On va juste casser la gueule. Il va reculer. Ah bah la plus proche, donc là je me TP ici tu vois en gros, mais c'est nul. On va vraiment pas l'utiliser non. Là ça a pas de sens, si j'étais au milieu du terrain c'était ok tu vois. Alors joue des sorts, etc. Bah ouais ouais, bah j'attends qu'il finisse son tour frère. Ok. Du coup là... Ah, et à chaque début de tour ça me mélange les cartes ou pas? Parce que là j'en ai que 4 du coup. J'en ai 6, ça fait quoi ça? Inflige 30 dégâts. Inflige 15 dégâts, inflige 36 de dégâts, inflige 26 dégâts et bah vas-y on va reprendre ça. Hein. Avec la réserve. Mais du coup en vrai 5. En fait, il faut savoir. Ouais ça se stack. Est-ce que ça vaut le coup de stacker ou pas tu vois? Ou est-ce que ça vaut plus le coup que je lui fasse un damage? Là c'est le tuto tu vois. C'est juste malade en fait. Est-ce que si je le frappe, ça pète son shield? Ah il recule, ok. Et je prends un truc qui lui fait masse damage, genre 36 de dégâts. Je fais 34, je sais pas pourquoi, mais je suis trop fort. Je suis trop intelligent sur le jeu, les gars. Je suis trop intelligent, c'est dingue comment je suis trop intelligent. Merci pour les 2 ans de sub, comédien. Oh, les 2 ans, maman, toujours un plaisir, mec. Merci à toi. Un plaisir partagé. Si tu n'utilises pas la téléportation, tu vas perdre l'utilité de ton passif qui te permet d'infliger plus de dégâts, si je me souviens bien. J'avoue que je n'ai pas encore eu l'occasion de checker mon passif. Tu as bien raison. Donc, on a le perso. Équiper des compagnons. Tu peux. Oh, on peut équiper des petits compagnons qui te viendront en aide durant la nanana. Il y a les éléments feu, air, terre et eau. Ils coûtent des jauges élémentaires pour être invoqués. Ces jauges sont obtenues en lançant des sorts du même élément. On va pouvoir les invoquer, mais c'est trop bien. Des petits bébous. Donc là, on a quoi? On a un bébé pingouin, d'accord. Tes compagnons. Oh, compagnons! Oh là! Il est venu accompagner. Ok, je vais devoir. Compagnon ne sera pas trop pour en venir à bout. T'as bien raison. Let's go. Je prends le gros. Occupe-toi des petits. Ça marche. Très bizarre cette phrase. Il le def. Notre tour. Alors, comment on invoque le compagnon? Il me faut. Gagner des jauges élémentaires. La plupart des sorts permettent de gagner des points de jauge élémentaire quand ils sont joués. Avec assez de points dans un élément, tu pourras invoquer un compagnon. Donc là, il me faut de l'élément eau, j'imagine. Il faut que j'utilise, d'accord, de l'élément eau. Ici. Donc c'était ça, les petits 1. Donc là, par exemple, ça me donnerait un d'élément de feu. Ça me donnerait un d'élément. Alors je sais pas exactement ce que c'est, du chaos, ou je sais pas trop. Et là, ça donne 2 piles ce qu'il faut. Bizarre. Bizarre. Pile ce qu'il faut pour invoquer mon compagnon. Bien fait ce tuto quand même. Je clique dessus, je l'invoque. Tu as assez de jauge élémentaire pour invoquer ton compagnon. En tout cas, la jauge éther peut remplacer n'importe quel autre élément pratique. Ah, oh, j'avoue, l'élément fort. Je l'invoque ici. Mon compagnon est là. Les compagnons peuvent se déplacer et attaquer une fois par tour, tout comme ton héros. Maintiens ton clic et un. Ok. Et attends, il a combien comme de stats mon compagnon? Attends, est-ce que je peux. Il a 3 points de déplacement. 1, 2. Je peux attaquer directement avec lui? Il est trop fort. Bien joué. Bien joué. Air, terre, feu et eau. Feu et eau, pardon, oui. Xari a pris le tuto. Oui, on va le rejoindre, ne vous inquiétez pas. La fin de tour. Non, pardon. Je vais me déplacer. Alors là, on est d'accord que je suis sur mon perso. 2 secondes. Sur mon perso, regardez en haut. Il y a marqué 3 points de déplacement. Je peux me déplacer de 3 cases maximum. On est d'accord. C'est vraiment ce que je peux faire. C'est bien ce qui s'est passé. Parce que tout à l'heure, j'ai eu l'impression que je me suis déplacé de plus avec le petit bonhomme ici. Quoi? C'est un guet-apens. Attends, mais il invoque des créatures du diable. Les créatures du diable! Ok, j'ai une AO normalement. Ils ont 5 HP. Théma, comme je suis trop intelligent. Hop, on le met là. Ça m'infuse des dégâts moi aussi. Ok, c'est bon. J'avais pas...
J'avais pas toutes les infos. J'avais pas toutes les infos. Mais je suis quand même intelligent. Ok. Il a 2000 HP lui. Est-ce que... Après les points que j'ai pas là, je les perds quoi qu'il arrive. Donc il vaut mieux que j'utilise. Allô. Ah. C'était un petit lag je pense. Par contre, comment je vois mon passif? Lorsque votre héros se téléporte, moins un point d'action au coup de votre prochain sort. Ah. Ouais, effectivement, vous aviez raison. On va faire ça. Et avec lui, il peut pas aller aussi loin. On rappelle que mon compagnon, il se déplace de 3 aussi. 1, 2, 3. Et en termes d'attaque, on va le mettre ici. Il va se déplacer. Fin du tour. Quoi? Non, il peut attaquer là. Ah, non, mais non, ouais, je vais finir. C'est bon. Oh là là, l'erreur. Je sais pas, il y a un truc qui s'affiche là. Bon, il est en train de le dégommer, hein, vraiment. Ok, mon compagnon. Attaque-le directement, grâce à... Pas ouf. Non, pas fou. Je suis un peu déçu. des damages du compagnon là. 30 dégâts. Tac. Donc ça coûte 1 de moins au prochain tour, on avait dit. Donc là, en vrai, je peux me faire un petit délire. 1 sera 4, 1 sera 2. Plus 1 aura mire nébuleuse à votre héros. Combo. Donc combo, c'est ça. Alors si j'ai bien compris, le combo, comme son nom l'indique, je dois d'abord utiliser un autre sort. Et après celui-là. Et là, ça compte comme un combo ou pas du tout? Effectue un effet supplémentaire si ce n'est pas le premier sort. Bah oui, c'est exactement ce que je viens de dire. En fait, c'est marqué à côté, je suis un con. Mire nébuleuse. Repousse la cible d'une case si elle est alignée. Ok, ouais, c'est ça. Celui-là, il fait quoi? Il fait juste 32 dégâts ou il fait autre chose? Parce que lui, il me donne tout son pédigré. Là, j'ai pas plus d'infos. Y a pas plus d'infos sur ça? Ok. Et la mire nébuleuse, ça donne quoi? Libérer lorsque vous jouez un sort sur l'adversaire. Inflige 14 de dégâts. D'accord. Ouais, je vois. Bon, écoutez, hein. On va lui mettre ce qu'il mérite à lui. Ah, putain. C'était que sur le prochain sort, je pensais que c'était sur le prochain tour. Bon, c'est pas grave, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, si je puis me permettre. Et je peux plus me déplacer, évidemment. Mais on a tout fait. Fin du tour. Let's go. Juste des dégâts, ouais. Tu ne le savais pas encore, mais et tu es déjà mort. Effectivement, bien joué, mec. 36 de damage. Bon, en vrai, là, on va juste faire ça. Hop. C'est gagné. Ok, c'est le temps de se familiariser un petit peu avec tout ça. Fouh. Bon, tu connais le principal. Allez, je t'emmène à Astrub. J'ai de bons amis là-bas. Ils auront sûrement du travail pour moi. J'espère bien qu'ils auront du travail pour moi, mon pote. Exploration terminée, la quête, premières armes, nickel. Tac, 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 boum, on repart. On va où? Nation d'Astrub, j'imagine que c'est là. Comme son nom l'indique, j'entre. Oh, compagnon! Voilà. Tu l'as vu? Elle est incroyable! Quelle pagaille aujourd'hui! C'est beau. Hé, hey, Pipoun! Tout le monde a l'air bien agité. Ça, tu peux le dire! Un truc monstrueux est sorti d'une faille cette nuit! On va enquêter là-dessus avec Pain! Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Allons voir la chef. Il est là! Gultard? C'est ça le truc monstrueux? Ils ont repris la VF de la série, en plus trop cool. C'est vraiment VF de qualité, les gars. Ils nous ont régalé. Hein. Apparaître et n'a agressé personne, mais j'entends une voix. Ah. Je m'en occupe, Gultard. Je t'appelle si j'ai besoin d'aide. Ok, patronne. Je te laisse avec Evangeline. Elle aura sûrement des missions pour toi. Ça marche. Passe me voir sur mon île si tu veux t'entraîner. Pas trop fort, Goutin.
OMG. Donc là, il y a 1000 personnes. On est où? On est là. Ok, ok. J'ai l'impression que je suis seul. Non, il y a quelqu'un qui a fait cette classe aussi, comme moi. On est bien. Nation d'Astrub, du coup, faut aller lui parler, j'imagine. Tu verras, Astrub est une île où il fait bon vivre. Si tu veux te rendre utile, tu peux rassurer les villageois. Ça marche. Depuis l'apparition de cette entité, ils sont un peu perturbés. Pas d'embrouille. Ok, les amis, c'est bon. Bah, je crois que c'était le tuto. On va aller rejoindre le Xav, non? Je vais aller voir mon ami Xav. Je sais pas s'il est sur un Discord particulier. Javier Bardem, comme on l'appelle dans le milieu, Xari. Ou je vais juste l'appeler en fait, hein, je vais juste l'appeler direct. Hop, Xari. Xari. Je vais lui demander s'il est dispo tout de suite. Yo, salut à tous. C'est pas un MMO pour le coup. C'est un RPG, mais ça a des éléments de MMO. Par contre, la musique est banger. Ah ouais, ils ont géré hein, tout ce qui est bande audio. Allez, tous ensemble au chat. On danse un petit peu. Oui, c'est la musique du jeu. Ah, oh, ça augmente le son si on zoome. Ils sont régalés, hein. C'est incroyable. Et si tu recules, un peu moins de son. Et si tu te remets là, plus de son. C'est fabuleux. C'est énorme. Ouais, c'est fabuleux. Alors attendez, j'attends de savoir si Xav est... Je vais lui envoyer un message sur WhatsApp pour qu'on se prenne en dans le respect qui nous est dû, en vocal. Tac, 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 tac. Alors, le Xav, dispo. Je lui demande. Et après, on y va. On va monter en équipe. Xav. Je sais pas, il a l'air d'écho de Discord. Ton tel, c'est une tablette ou bah, c'est un fold, quoi? Parce que là, je vois qu'il y a de la quête. Je me permets de me déplacer un peu dans la ville. J'avance. Je vois qu'il y a de la quête un peu partout. C'est tellement mignon. C'est quelque chose, hein, graphiquement, par contre. Ah vache. Putain, il y a déjà des mecs qui ont des auras et tout. Des horas. Il y a masse quête. Mais j'aimerais monter l'équipe avec le Xav avant. Alors, checkons un petit peu. Battle Pass, ici. Free, hop. Je prends ça directement. Coffre de sort. On a chopé ça, ce qu'il faut. On a du pass premium et du nanana. Grand classique. Grand classique, évidemment, parce qu'on rappelle, le jeu est complètement gratuit. Mais faut bien que, si le jeu est gratuit, il faut bien qu'il y ait un modèle économique. Ne nous montons pas. Qu'est-ce qu'on a ici récupéré? Pack premium, OMG. C'est bon? C'est bon, on l'a récupéré ou pas? C'est là que t'inquiète. En même temps, je pense que tout le monde est parti sur le jeu, évidemment. Attends, où est mon perso? C'est là. Édition deck. Premium, OMG, j'ai mon perso. Ouais, il y a trop de menus là, je m'y perds pour l'instant. Coffre. Le coffre de sort. Nickel. Bah, choisissez deux récompenses. Ah merde, qu'est-ce que je prends les gars? Tir statique, le personnage ne peut plus se déplacer mais peut toujours attaquer. Si elle est boueuse, d'accord. Deux auras, si elle est boueuse. On va mettre un dent si votre héros la cible est huilée. Oh là là, j'ai juste envie de me huiler. Ça, j'aime bien, ça repousse. Ok, 17 de dégâts. 18 plus 7, ceux qui sont alignés sur... Ok. Oh, pas mal ça. Ah mais c'est 7. Ouah, ça coûte cher, non? Vas-y, je le prends quand même. Je prends les deux. Let's gong. Par contre, personnalisation. Ok.
Émote, effet visuel. Oh, allô ? Allô ? Tu peux mettre les hurras, c'est trop fort ça. Acheter, j'en ai 7000 ! C'est bon les gars. Posséder, je peux mettre celui-là, first. Celui-là. Non, les chaînes, c'est trop. Je regarde un petit peu ce qu'il y a en hurras. Ok. En attendant que le Xav débarque. Il m'a dit j'arrive, Xari. Il m'a dit que j'arrive. Il m'appelle, ok. Allô ? Allô ? Ouais, le Xav, comment ça va, mon pote ? Ah, mec. Ça va nickel. Ça va tranquille, je suis en train de faire une petite... J'explose les mecs, quoi. T'exploses des mecs ? Putain, GG, moi, j'ai fait le tuto, je commence à me familiariser un petit peu avec le lore, quoi, c'est la folie, quoi. Ouais, moi aussi, triste pain, tout ça, je connais pas du tout. On apprend. Par contre, je suis en train de m'équiper de Horas, comme dirait un certain Zul. Mais c'est trop bien, le pack, toi aussi t'as envoyé le pack fondateur là ? Ouais, non. Fallait le demander. Bah, je l'ai demandé, mais je l'ai quand même pas dit. Bon, rien de grave. Rien de grave. On va rien dire, mais bref, on n'en pense pas moins, quoi. J'ai attaqué tout le monde. C'est trop stylé, mais attends, je suis en train de personnaliser mon personnage. Moi, je veux juste faire la personnalisation. Hein. Ouais, bah je vois, ouais, MDR. C'est trop stylé, gros, tu verras. Tu seras peut-être le meilleur joueur, mais j'aurai le plus gros flow. Critical. Celui-là il est énorme. Effet de mort. Moi mon perso c'est un... T'as pris quoi du coup ? T'as pris un mage non ? Non, je suis pas du tout un joueur mage. J'ai pris... Moi je suis un joueur distance, tu sais, à la base. Donc, ah ouais, mais c'est pour ça que je me suis dit justement, vu que t'es un distance, je pensais que tu voulais jouer mage. Bah en fait je voulais prendre archer, mais quand j'ai vu le flow des archers, j'étais en mode ah bah non du coup. Et du coup j'ai pris un perso qui a double... c'est quoi les gars ce que j'ai pris ? Je me souviens plus du blaze exact. Mais c'est un cra. Ouais. Et ça double... C'est pas un mage, les gars, c'est pas un mage. Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle très exactement. Voilà, c'est bon. Il est mort, mon petit pingouin. Oh là là, regarde. Oh, le flow de malade qu'on a, les gars. Non, c'est trop. Par contre, c'est vraiment trop. Oh là là, la dinguerie. Xelor, j'ai pris apparemment. Alors Xelor. Et ouais, Xelor. Xelor, c'est un mage, du coup. C'est un mage. Eh ben voilà, j'ai pris un mage. Oh, merde. J'étais pas sûr. Les gars. Oh, y a du... oh non. Alors. Qu'est-ce quand on va jouer, on va jouer à tous les deux. On peut se taper entre nous. Oh non. Je viens d'exploser mon compagnon. Oh compagnon. J'arrive, je finis juste ma petite map. Mais c'est ce que j'ai dit, j'ai un crack. Qu'est-ce que vous me racontez, les gars? Ils disent nimp. Ils disent n'importe quoi. J'ai un crack mais qui est au cac. Avec, tu sais, un peu en mode Ronin. Il a le chapeau de fou là. Et double. C'est pas vraiment des lames, mais comme si c'était des points américains. Je sais plus comment s'appelle le nom de ces armes là. Des chakrams, voilà putain, merci les gars. En plus, ouais. Frère, je devrais connaître chakram, c'est les jumelles les gars, donc c'est quand même catastrophique. Vous avez la ref. Y a quelques petits lags serveurs, mais c'est le jeu, il est tellement plébiscité par les fans. Évidemment, il y a tellement de monde là qui veut jouer. Donc oui, je rappelle que vous pouvez jouer absolument gratuitement. Vous pouvez vous connecter. Mais si vous pouviez jouer, mais genre demain. Genre. Oui, alors attendez que nous on joue. Vous pas faire laguer le serveur. Là, vous pouvez juste regarder le live, les gars. Voilà, vous regardez le live tranquillou. Vous apprenez un peu le jeu. Et puis demain, vous vous téléchargez avec entrain, évidemment. Ah, bien sûr. Offre hebdomadaire, offre quotidienne. Parce qu'on regarde, putain, il y a déjà des skins et tout de Zinzidar. Gnagnagnagna, moi j'ai rien moi. Mais j'ai 7000 gemmes. J'ai 7000 gemmes, frère. Je vais demander tout de suite, il est où le pass fondateur là ? Mais en fait, dans le mail, ils ont dit si vous voulez un pass fondateur, faut nous envoyer votre truc en Kama. Et comme j'ai créé mon compte en Kama, tu sais, c'est Jiraya TV, hashtag. Tu l'as pas envoyé, mec, tu l'as pas envoyé. Bien sûr que si. Ça se voit, tu l'as pas envoyé, ça se voit, tu mens. Mais mon compte, j'ai dit mon compte, c'est machin et tout. Le kit aventure, bon, par contre, tu sais que ça fait deux fois je me fais baiser par le temps parce que vu que en fait quand il y a un lag serveur, bah le temps continue de défiler et du coup le fin du tour et je suis en mode bah j'ai rien pu faire. Oh là là. Bon, j'essaie de finir le combat assez vite. J'attends. Je sais pas si tu peux m'ajouter déjà dans le groupe quand même. En fait je sais pas parce que nous tu joues via Steam ou pas? Ouais. Ouais, bah parfait alors. Normalement je peux t'inviter via Steam chatter. Alors attends, ça va être par où pour les groupes les amis? Édition de deck personnalisation, je vais regarder le deck juste après, journal de bord, carte, ça doit être dans le menu je pense. Option, quitter le jeu, non. Bah je pense qu'il faut qu'on soit peut-être à côté, que je t'invite si t'es à côté de WAM. Je crois que c'est juste avec le pseud, mais vas-y on va faire ça. Ouais, en tout cas je ne vois pas d'infos, je vois le shop. Battle Pass, Kama, les fameux Kama, chatté, émote. Par contre quand ça lag pas c'est un véritable bonheur. Hein. Ouais, bah moi j'avoue j'ai eu très peu de lag hein, pour l'instant, pour le coup. Ah moi j'ai... Ah, Je vais vous baisser un peu la cam. Quelques... Bien sûr. Dans tes lettres en haut à droite, hors combat, il y a moyen qu'il te l'a envoyé. Ah oui, mais là je suis en combat, ouais. Et c'est hors combat, ouais.
Je te jure, je suis en train de le défoncer. Hein. Juste, bon. Moi, j'ai pris un assassin qui met des pièges. Je voulais jouer avec les pièges. J'étais en mode, bah, je suis un génie de la stratégie et tout. Donc, je mets des pièges. Je suis un mec trop fort. Mais... Ah, mais il avance pas le mob en fait. Il a trop peur de moi maintenant. Non, mais ce sort-là, il se sent jamais, j'ai l'impression. J'ai pas. J'ai 7 pour pouvoir faire une AOE. Écoute, j'attends que t'arrives. Je regarde un peu ce que j'ai. J'essaye, je te jure, j'essaye. Dans mon deck building, je regarde un peu ce que j'ai, quoi, putain. De tout mon cœur, j'essaye. Vas-y. T'es quel niveau? Niveau 17? Niveau 4. Déjà, oh, la vache, c'est trop, les gars. J'ai fait une quête, la jardinière, et une quête de chocolat. Moi, je t'ai quoi, attendu, de... j'ai attendu après le tuto. Non, c'est trop, je suis niveau 1. De Paimpol. Bah ouais, mais moi, bah, attends, en gros, moi, j'avais fini le tuto à 17h20. Hein. Ouais, bah excuse-moi, c'est trop rapide. Excuse-moi. Bah non, moi je parlais avec les gens, j'avais un lore, il y avait une histoire, il y avait quelque chose. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas le même. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas le même avec gameplay. Toi, Godfroy de Montmirail, là, je sais plus comment il s'appelle. Coulthard. David Coulthard. David Coulthard, le frérot Coulthard. Effectivement. Donc, ok, donc ça fout l'arbre de compétences. Nombre de points suffisant. Donc, attends. Initialiser, naninana. Ça, j'en ai pas. Maintenir pour acheter. Oh, attendez, mais où sont mes points là? Par contre, ma compétence passive, elle est trop forte. Hein. Genre, enfin, je pense que je la trouve pas mal. C'est à chaque fois que j'attaque, du coup, ça me donne un piège. Allez, boum, prends-toi tout dans la gueule, là. Là, il s'est fait exploser, là. Non ? Il a pas pris tant que ça, hein ? Ah si, quand même. Mais ça, c'est trop fort, ça, archerie, là. C'est bien, ça. Maintenir pour acheter. Je l'ai oublié d'invoquer ça. Mais par contre, où c'est que je vois le nombre, la monnaie, la nombre de machins insuffisant? Je ne vois pas. Je suis aveugle ou quoi, les gars? Ah, mais c'était ça. Putain, laisse tomber. Les gars, je suis aveugle. Oh, je suis aveugle ou que les petits? Effectivement. Oh, skin. Me dis pas qu'on peut avoir des skins de fou. OMG. Mais attends, mais on va acheter un skin tout de suite. L'autre, il est en full skin. Ah, mais moi, j'aime trop. Moi, la personnalisation. Les gars, on achète ça, là. On est d'accord que... Attends. Attends. La one shot. Attendez les gars, l'aura, la huras de Zeus là. J'arrive pas, ce sort là il veut pas se lancer. Il y a un sort qui fait laguer tout le serveur je pense du jeu. Chaque fois que je le mets il se lance pas. Il y a ça. Regardez, ça c'est nous on est. Ah mais l'autre il a full skin et tout. Nous on est comme ça, on peut avoir celui là. Je vais avoir des skins aussi moi. D'accord. Ça va aussi. On peut avoir celui là. Mais on peut avoir celui là. Non, celui-là, c'est une insinuerie, celui-là. Apparemment, j'ai le truc, mais en fait, c'est dans la boîte aux lettres. Bah oui, c'est dans la boîte aux lettres, la foudre, les gars. Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai jamais joué. Moi, j'ai plus de 10 000 heures de jeu. J'ai juste, par logique, vu que j'avais une lettre et je suis allé tout récupérer. Gnégné, par logique, une lettre. Celui qui a les cheveux longs, vous dites ça. Mais les gars, c'est très méchant de dire ça. On a gagné? Ah non, on n'a pas gagné encore, il manque le petit. Non, je prends la foudre, les gars, je vous dis. Ok, j'ai fini dans 30 secondes. Je prends celui-là. Voilà, vas-y, fini. Moi, je suis en full personnalisation, mon pote. Mes compagnons, est-ce qu'ils ont des skins, les compagnons? Ils peuvent avoir des skins, je crois, en plus. Mais ciao. Je peux m'équiper de compagnons. Hop, on va les récupérer en fonction des éléments. J'ai gagné. Ah, par contre, je suis level 18, là, maintenant. Je peux plus jouer avec toi, je crois. Fais chier. Ouf. Bah, GG, mec. En tout cas, c'était pas long, hein, ton combat. Ça fait plaisir de... Mais ça lag, DSL. DSL, man. Ok, c'est bon, c'est parti. J'arrive. Donc ça c'est bon. Vas-y, hein, je t'attends, moi je suis je suis le mec trop stylé vers la baraque, vers les fleurs là. Je suis à droite, en bas à droite. Boîte aux lettres. Oh, j'ai un pack premium. Oh mec, oh là là, abusé. Abusé mec, abusé, le pack il a premium. Pas premium. Par contre, comment on voit le nombre de mana que j'ai parce que je suis à 6 selon le tuto? Est-ce que ça augmente quand on prend du niveau ou pas du tout? De base, t'as 6. Ouais, je pense que tu peux récupérer des PM plus tard quoi. Alors menu, comment on fait pour ajouter un pote? Non, je pense pas que ce soit le bordel la personnalisation. Je pense surtout qu'il y a beaucoup d'informations au début. Et donc du coup, bah, comme beaucoup de jeux qui sont très complets, effectivement vous allez vous y perdre un petit peu au début. Mais il faudra sur les bonnes chances. Donc là, sur les bonnes choses, pardon. En vrai, c'est pas très cool. C'est où juste, attends, j'aimerais bien qu'on s'invite. Mais je sais pas où c'est. T'es où là? Viens, moi je t'ai dit, je suis à droite. Par contre, je sais pas comment t'inviter hein. Non mais à droite frère. Non mais tu vois, sympa, il y a 1000 joueurs. Non mais je suis tout à droite vers les maisons moi. Je suis vers les maisons, je me suis esselé un petit peu. Là où il y a une meuf avec une canne là qui peut te donner une quête. C'est une meuf, okay. Non, c'est un vieux, c'est l'éleveur. Là où il y a l'éleveur, moi je bouge. Je suis en feu. Je suis en feu, toi t'es où toi? C'est toi? Non, c'est pas toi. Je crois qu'on est dans deux instances différentes. Oh non, me dis pas ça mec. On peut pas se voir. Mais je sais pas. C'est instancié, d'accord. Mais par contre, les gars, c'est instancié.
Ok. Et du coup, comment on s'invite? Est-ce que c'est dans le chat? Discussion, aventure, entraide, divers. Attends. Ah, c'est là peut-être. Liste d'amis. C'est bon. Tu t'appelles comment toi? Xari. Ah oui, Xari. Mais du coup, ouais, c'est bon. Xari 4038. Ajouter un ami. Xari 4038. Xari. Ouais. Hashtag 4038. Je t'ajoute, mec. Invitation envoyée. Je te vois. En aventure. Groupé. C'était invité. C'était tout simplement dans le chat, les amis. Voilà. Eh ben voilà, Xav. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, je sais pas si on se voit, mais en tout cas. Je vais aller aider une jeune mère si tu veux. Une mère célibataire. Je vais en faire mon. Attends, je vais faire mon tap. Comment ça marche maintenant? Ok, canal de discussion. Attendez, je teste. Salut BG. Attends, on va tester un combat, voir. Il y a un mec qui s'appelle Benjamin Castaldi, wesh. Salut BG, ouais, je te vois. C'est salut, bon, SLT. Bon. SLT. Après, c'est peut-être. C'est peut-être le vrai Benjamin Castaldi. Hein. Je sais que. Mais je pense. je prends une quête. Okay, êtes-vous sûr de vouloir jouer seul? Vous faites partie de. Attends, apparemment je peux te rejoindre. Ah bah rejoins-moi, frère. Attends, mais j'ai. Je t'attends. SLT. Xari niveau 2, il y a marqué Xari. Retirer du groupe conversation, retirer des amis bloqués, visiter la Havre Hill. Attends, on peut avoir notre propre île ou je suis en train de péter mon crâne, les gars? Visiter la Havre Hill. Tu peux. Attends, je vais cliquer sur visiter la Havre Hill. Moi aussi, je vais visiter la Havre Hill. Ah merde, mais je suis dans ta Havre Hill à toi. Moi aussi, je suis dans ta Havre Hill. Ouais, mais c'est comment on va à ma Havre-Vie. Moi, je veux qu'on se retrouve dans notre Havre-Île. Ah ouais, j'avoue. Oh, je suis au rez-de-chaussée, mais attends, mais tu peux avoir ta maison et tout, mais en gros, c'est gamin. C'est une dinguerie, frère. Non, mais en vrai, c'est très très grave, attends. Viens, on se rejoint à l'île de Cabroc. Mais je sais pas où on va. Bah non, mais regarde, moi, je suis sur un petit toba, là. Ah ouais, viens, on va à l'île de Cabroc, j'arrive. Mais ça va être instancié quand même. Non, je pense pas. Hop, je suis à l'île de Cabroc, frère. En bas à gauche de l'écran, tu as icône pour ajouter quelqu'un au combat. Ah oui, je vois le Xav, effectivement. Xari, retirer du groupe, conversation, retirer des amis, bloqués, visiter Havreville. Eh ben non, y a pas le... Quitter le groupe. Eh ben non. Eh ben non. Parce que là, c'est derrière moi, là, c'est ici. Allez, les gars, on découvre le jeu, hein, donc... Bon, île de Cabroc, je t'ai pas vu. Je retourne à Astrub ou quoi? Ah, quand tu lances la quête... Attends, d'accord, je vais lancer la quête, je vais tester, les gars, bien sûr. Ok, vas-y, teste. Après, il y a aussi quelques petits lags serveurs, donc c'est possible que voilà. Il y a aussi, ouais. Oh, par contre, les gars, vous trouvez pas que je suis trop stylé? Sans faire le mec. T'as vu que dans le hub, là, où il y a la meuf qui met de la musique, là? Si tu approches, si tu zoomes, ça fait plus de son et tout. Non, c'est trop bien, le jeu est trop bien. J'ai pas tout vu. Ok, je suis avec la jeune mère, célibataire. Là, Xari. Retirer, bloquer, visiter la Havreville. Pourquoi je peux pas l'ajouter au combat, les amis, Xari, là? Je suis peut-être trop fort, non? Je prends des sorts, ça se trouve c'est pas du tout les bons, je vais arrêter de faire n'importe quoi. Attends, déjà, j'aimerais bien juste au moins qu'on puisse se voir, au moins. J'aimerais bien aller dans ma Havreville à moi. Tu vois, comme ça, tu me fais visiter ma Havreville et on se voit. Y a que le chef du groupe qui peut t'inviter. Bah ça tombe bien, c'est moi qui l'ai invité, donc techniquement c'est moi. Ça tombe bien, c'est toi le chef. Ça tombe bien, c'est moi le chef. C'est peut-être que c'est une quête solo, vous avez peut-être raison. Alors attendez, je vais en prendre une autre. Ouais, j'aimerais avoir des quêtes qui sont pas solo, du coup. Ok. Mais j'ai des coffres et tout, mais j'ai pas envie de faire de la merde, j'ai pas envie de prendre des trucs nuls. Ah non, c'est encore une quête solo. Voilà, attends, si je fais ça. Non. Je peux level up mes petits mecs. Faut que tu fasses quelques quêtes solo pour Astru pour débloquer les îles aux monstres. D'accord, bah putain, on avancera plus vite comme ça. Ok, bon, donc là, Xav, juste on est ensemble, mais pour l'instant, je crois qu'on va devoir se faire quelques petites quêtes solo. Voilà, c'est l'info. Ah bon? Ouais, pour apparemment débloquer. Oh bah non. Bah ça va aller vite, t'inquiète, ça va aller vite. Je vais aider la jeune. Mais oui, mais jusqu'à quel level parce que. Ah bah j'espère pas trop. Bah après, gros, ça doit pas être très long, hein. S'ils nous ont demandé de faire le truc ensemble, c'est que ça doit pas être hyper hyper long non plus. Est-ce que je vais devoir invoquer mon compagnon? Oh compagnon. Ça me régale. Bah, vas-y, continue, gros. Attends, mais du coup, comment t'as eu tes skins et tout, toi? T'as acheté le Platinum Pass? T'as fait non, quoi? Non, va dans ton perso, personnalisation, et tu verras, tu as déjà des Horas toutes gratuites. Et oui, pour le skin, en vrai, tu peux l'acheter quand tu vas dans ton perso inventaire, et t'as marqué skin à côté, et t'en as 4, je crois, ou 3. Ça, c'est en combo. Hop, je lui mets ça. J'ai un clébard, hein, je peux. Directement. Nirabuleuse. Faire ça, tu mets ça, mort, après j'utilise ça, tac, ok, fin de tour. Je suis un monstre, hein, les gars, déjà, j'ai l'impression que le jeu n'a plus de secret pour moi. Aïe! Qu'est-ce qui m'attaque? C'est quoi ce bordel? C'est eux qui m'attaquent? Bon, je vais faire une quête. Vas-y, fais une quête, frérot. Ah, ok. Ok,
On a 6, ça, ça met dans la réserve. En vrai, faudrait que j'attaque là avec ça. Mage, en tant que mage. Lui, je mets ce qu'il mérite. Ah, mais tu les as achetés, les skins, c'est pas... Non, non, il non, a pas non. débloqué. Ah, non, que les skins, ouais, les skins du personnage, oui, mais les auras, tu les as gratuitement, tu les as déjà de base. Mais par contre, je ne vois pas, je te jure, je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles, les auras. Les auras. Que c'est vrai, tu trolls ou... Non, non, je sais pas où c'est, je comprends pas. Eh ben, en fait, t'as le... Comment ça s'appelle ton icône d'inventaire. Ouais, là, je suis dans l'inventaire, là. Bah là, t'as un truc, normalement, sur les auras. Non. Si, si, c'est là. Attends, il faudrait que je revoie, les gars. Putain, je me fais massacrer la gueule, là. Non, c'est bon. Les auras. Les auras. 30 de dégâts. Infini 17 dégâts dans la zone ciblée. Bon, après, c'est pas grave. Tu me montreras plus tard. Je vais te montrer juste après. Je vais te montrer juste après. Vas-y, les auras, les auras. Je vais me barrer, je fais ça. Allez, hop, je fais ça. Ah, là, la auras, elle viendra plus tard. Il prend pas des dégâts, lui. C'est une dinguerie de pas prendre de dégâts, en vrai. Tiens, mange ta mère. 8. Et quoi comme quête, du coup, toi? Là, je fais la quête de la mère célibataire, là. Enfin, je suppose qu'elle est célibataire, mais... Je suis fait un kiff, les gars. En vrai, si j'ai... Mais c'est quoi ce qui m'attaque? Non, c'est eux qui m'attaquent, en fait. Je me disais, ils attaquent de si loin. S'il te plaît, que j'ai un peu de chance, là, sur le tirage. Ah, ça m'a pas sorti le truc. J'ai envie d'attaquer à chaque fois, je suis un débile. Ça arrive, mec, ça arrive. 6, je prends... En fait, je fais des sorts, mais j'attaque pas, je suis un con. Ouais, aussi, ils ont des sorts, mais oui, je suis idiot, les amis. Bah, je vais juste lui mettre ça dans sa mère et là je fais comme ça. Tiens. Non, mon perso est trop stylé, les gars, je vous dis. Ok, ça récupère du nouveau sort. Par contre, on en a du spell. J'ai l'impression que tous les spells qu'on chope après, Xav, on les monte, quoi. Genre, ils ont une espèce de level. En fait, le truc, c'est que techniquement, je sais pas, tu peux avoir 90 spells, mais il faut que tu choisisses bien. Ouais, tu pour ça, pour l'instant, moi, je sais pas trop quoi prendre, donc j'essaie d'en prendre, de prendre un peu tous les nouveaux. Pareil. Pour en avoir à chaque fois, tu vois, mais... J'avoue, j'ai pas de... J'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu avec un système de shard, quoi. C'est-à-dire que dès que t'en as plusieurs, après tu peux les monter de level, etc. Tu débloques. Ouais, tu peux les monter, ouais. C'est ça, ouais. Tu expé tes sorts, c'est exactement ça. Ne vous inquiétez pas, madame, je vous ai sauvé. Hop, je l'ai sauvé. La petite mère qui était... la jeune mère, elle s'appelait. Oh, bonne mère. Oh, j'ai eu du coffre. Ça ouvre du coffre, les gars. Opening, en live. OMG ! T'as quoi ? Dinguerie ? Oh, la dinguerie de... Non, juste des sorts normaux. Okay, j'ai parlé trap, mais mon pote il se fait exploser. Ils osent pas venir, hein, les petits. Trop les os. Oh, je suis stun. Oh le bâtard. Les gars, c'est un nouveau compagnon ou je suis en train de péter mon crâne? Oh compagnon. Columba. Oh compagnon. Alors, plus 100% d'attaque pour le tour, plus 100 points d'action pour le tour. Oh les gars, on prend lequel? Je vais invoquer ça. César ou Columba? Je suis plutôt un mec de l'attaque. Je vais prendre Columba, les amis. César. 6 heures. C'est les PM. Donc, Xav, pour te redire, ta personnalisation en bas à gauche, tu sais. T'as la petite épée où il y a marqué édition de deck. Et juste à côté, t'as personnalisation. Et là, t'as des hurras. Il y a marqué effet visuel, machin, les émotes et tout. Et je checker. Et là, après, tu pourras checker juste après, mon pote. Il y a aucun checker souci. Dans les combats. Je sais pas si c'est une bonne strat de m'être entouré de pièges là. J'ai envie de prendre. Alors, attends, on va foutre Columba là en compagnon à la place de lui. Du coup, il me faudrait des spells un peu de fire. J'en ai combien? J'en ai 2 de feu. Faudrait que j'en rajoute un. Ouais, je vais rajouter. En plus, il met une sur la réserve, celui-là. 18 dégâts, inflige 20 dégâts aux adversaires autour de la cible. En combo, est-ce qu'on sortirait pas le tir écrasant? Ah, il fait 32 dégâts, le tir écrasant, quand même, les gars. Non. Ouais, quand même. C'est exceptionnel, hein, gros. C'est pas nimp, hein, c'est pas nimp. C'est mon Pingu qui a tué le boss. Le Pingu. Ah, j'ai des trucs à faire dans les quêtes, merde. Vas-y, je vais enlever celui-là. Ah oui, d'accord, ok. Je vais prendre ça. Et ça, équiper un sort, on peut pas en équiper plus pour l'instant, on est d'accord? Non, mais par contre, il y a des mecs dans le chat qui disent moi j'ai joué à l'alpha et tout, on peut jouer à 2 direct. Hein. Ah ouais? Apparemment. En fait, je pouvais juste en équiper plus, je suis trop bête. Bah écoute, c'est tout ce que je demande, hein, mon cher ami. C'est tout ce que je demande. Est-ce que j'écho les gars ou pas? 100% en dégâts au prochain tour lorsque vous jouez ce tour. C'est pas mal. Y a ça, hein, l'inflige une attaque d'un héros à la cible. Est-ce que j'écho pour monter à 20 ou pas? Les gens disent que ça a changé. Écho, hein. Ouais, l'alpha c'était différent. C'était ça. Non, écho, mec. Sinon, je monte mes points de vie ou j'écho, je sais pas. Hein. Je peux monter ça. Je peux monter mon attaque, l'arbre de compétence. Ou sinon, je vais chercher un. C'est sympa dans la globalité. Bah, en tout cas, j'ai envie d'y jouer toute la nuit, là. Ouais, pareil. En vrai, pour le coup, c'est quand même bien pensé. Ok, nice. En fait, j'ai envie de jouer avec Xav en plus, là.
Ouais, il faut qu'on... Parce que là, on a des combos de fous malades, je pense, tous les deux, là. Ouais, vas-y, on monte le level au max. Bon, je suis passé... je suis monté, là. J'ai fini ma mission, mais j'ai... Du coup, est-ce qu'on a une info, peut-être, dans le chat, de savoir qu'à partir de quand on peut... À partir de quand on peut jouer à deux? Alors, Horace... Ah, c'est ça, Evey, vivait le combat. En fait, moi, je, comme un con, je cherchais vraiment un truc qui s'appelait Horace, frère. Non. Enfin, Aura ou Aura, ouais, tu vois, je comprends pas. Ok. Par contre, le jeu, je le redis encore, j'ai l'impression de me répéter, mais je trouve le jeu vraiment trop beau. J'aime trop les graphismes. Ouais, j'avoue, le jeu est trop beau. Après, ils ont toujours été bons là-dessus, hein, quand même. Ouais. En fait, j'avoue, Dofus, je l'ai jamais joué, mais le jeu était bon quand même. Ouais, clairement. C'est des zinzinulars, quoi. On est d'accord que moi, mon passif, les gars, c'est voilà, lorsque vos héros se téléportent, un point moins, un point d'action au coup de votre prochain sort. C'est trop pété, ça, c'est vraiment trop bien. Il faut que je prenne que des trucs avec de la TP en fait. Il faudrait que j'utilise en combo 5, 6, 7. Là, je peux utiliser en combo, les gars. Là, par exemple, je peux lui arracher la gueule. De fou qu'on a là, ta, ta, ta. Là, ensuite, je peux faire ça, plus 1, 5. Oh, malade. Boum. Je me TP en combo. Il s'était pas. Pourquoi il s'était pas? Par contre, c'est du pur flexing. Hein. Je suis dans le lobby avec tout le monde. J'ai une traînée, une couronne et tout. Les autres, c'est des gueux. Et on prend deux pas et tout. On est le roi fait... des. Mais les gars, j'avais fait un combo là, non? Ah ouais, la déesse qui chante chez toi a changé. Il y a un cercle de feu et tout. Non, mais c'est. c'est dinguerie. On voit qu'on est des joueurs qui avons payé. Let's go! Mais on est d'accord que le combo... Attends, mais je comprends pas. Oh, je peux regarder ton combat? C'est vrai? Tu veux checker mon combat? Vas-y. Tu fais en attente de la réponse de Jiraya, faut que t'acceptes, je crois. Ah oui, tiens. J'accepte. On va voir le combat de Jiraya, les gars. Ouah, ça a l'air d'être dingue, hein, vous, là. Est-ce que tu vas t'en sortir? Prépare-toi, tu vas péter ton crâne. Hein. Non. Tu vas faire, mec. Invoque le piou-piou, non? Je vais l'invoquer, mais là, je suis... Oh, mais attends, mais t'as un compagnon, une noix spéciale, là, César. Regarde. Lui il a l'air trop fort. Attends, mais pourquoi c'est pourquoi il frère, fais-le. Ah mais c'est petit lag serveur ça, quand ça marche pas c'est... Tu payes que cosmétiques. Ah ouais, c'est un free to play, c'est-à-dire que oui, il y a des cosmétiques à acheter comme dans d'autres jeux, mais ça ne te donne pas d'avantage dans le jeu, à part le fait d'être stylé quoi. Ah d'accord, OK, c'est bon, j'ai compris. Mais t'attaques des livres là ou j'ai rêvé là? Ouais, je me bats contre des livres qui me cherchent. Mais pourquoi tu t'attaques pas la grande bibliothèque là? Elle parce va te faire attends, mal. Attends, tu vas pas regarder. La grande bibliothèque, elle a voulu jouer au con avec moi. Attends, est-ce que je la. Ouais. Pourquoi t'as un Sharingan sur la tête? Je suis en monstre. Hop, petite Horace, c'est bon. Tac. Ensuite, j'invoque directement. Oh, compagnon! Hop, nouveau compagnon! Ok, lui, je lui arrache. J'arrache le serveur. Ok, il passe comme ça, il attaque ici, tac tac, oh il passe là ici, il attaque là, boum, hop, fin de tour. Il est en sandwich. Oh, la bibliothèque, elle attaque ton petit pingouin là. Aïe. C'est un autre tour. Il a voulu jouer au con, il est mort. Critical man. Alors mon combat, ça t'a fait rêver ou pas? Moi je suis Bobby. Bon, Par contre, j'ai pris un peu de level et tout, mais comment on joue tous les deux mon pote? Mais j'aimerais tellement. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on aille sur une île particulière? Attends, t'es quel level, juste pour voir? Je suis level 3, je crois. Où c'est que je vois mon level? Non, je suis niveau 2. Mais moi aussi, je suis niveau 2, c'est trop bizarre, en fait. Ouais. Mais ce que je comprends pas, c'est que je suis niveau 2, mais je peux faire une quête qui est où c'est marqué niveau 6. Ouais. Bon, attends, on va faire cette quête-là, elle est niveau 2, et là, je peux faire... Êtes-vous joueur chouette? Non. En fait, je peux te dire, est-ce que vous voulez jouer seul? Non, bah non, je veux jouer avec mon pote quoi. Il y a quelqu'un qui dit pour jouer à deux des level 1, ouvre la quête, clique en bas à gauche sur ton allié et tu lui demandes de rejoindre. Les gars, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure et ça. Enfin, regardez, je prends la quête là. Je clique sur Xari, retirer, machin. Je n'ai pas rejoindre. Je retirais du groupe, conversation privée, retirer des amis, bloquer. J'ai pas ça quoi. Vous pouvez pas jouer en coop sur les 6 quêtes débutants ni sur les quêtes de clan Astrub et Ogress. Nous allons rapidement l'indiquer en jeu. Mais vous pouvez tout de même faire certaines quêtes, celles en périphérie sur Astrub. Voilà, merci. Là, on a un message clair. Viens, on va en périphérie d'Astrub. Bah ouais, j'aimerais bien, mais comment on y va? Bah, la périphérie, quoi. On peut y aller, là, direct, en périphérie? Bah, je sais pas, gars, je... Okay, on va en... Ankama nous a parlé directement, et ça, c'est très très beau.
Ah, c'est Ankama qui t'a dit. C'est, oh, c'est directement Ankama. J'ai le patron d'Ankama au téléphone, il vient de tout. Comment je fais pour prendre le bateau? Ah, c'est bon. Alors on va en périphérie. Alors, on va. Attends, en périphérie, tu veux qu'on. On va à la faille chouchouter. Vas-y. Bah, si le premier qui trouve une quête. J'ai une quête. Faille chouchouter. Vas-y, tu peux. Non, mais lui. C'est... Parce que non, c'est le tuto. C'est le tuto. Faille chouchouter, c'est le tuto. Après, bah, il faut aller. Est-ce qu'il faut sortir à l'île de Cabroc? Mais il y a pas de quête dans l'île de Cabroc, j'ai l'impression aussi. Xavier est parti de l'île, ouais, je pense qu'on va bouger l'île juste pour voir. Hop, je vais. Oh, j'ai un marchand. Jeune mère. Oh, le con, il me vend des coffres, mais j'en veux pas des coffres, moi. Ok. Je réfléchissime. Ah, par contre, on a un flot, frère. C'est des insinuants. Attends, je peux pas partir. Oui, il est là, pardon. Donc, à ton avis, est-ce que tu penses que. Tu penses que sur l'île de Cabroc, il y a des trucs à faire ou pas? Non, il y a rien sur l'île de Cabroc, c'est un marchand. Il y a pas de quête. Ouais. Bon. Non, le monsieur dans le Kama, très sympathique au demeurant, est-ce qu'il peut pas nous dire où il faut qu'on aille? Non, bah périphérie. Pour moi, c'est sur l'île, de hein, toute façon, si c'est la périphérie. Il faut qu'on continue de faire des quêtes à Astrub pour débloquer les autres îles. Vas-y. Ah, attends, je check un peu tous les PNJ pour voir. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a peut-être certains, tu vois, où on peut faire ensemble. Hop, tiens, Xab, je peux t'ajouter. Non. Si, je t'ai envoyé un truc. Let's go. Oh, ça a l'air d'être un truc insane. C'est n'importe quoi, mon pote. Ok, let's go. Ok. Le bois du Gligli. On est vraiment. Viens, on est viens. Vraiment des. On a le même stuff, on a pris exactement les mêmes trucs. Attends, quoi? Oh, les Yangli de fou! Let's go! Ah non, moi j'ai le petit familier, t'as pas le petit familier? Attends, non. Quoi? Tu sais que t'as mis le familier? Oh non, oh, t'as non. Pas de familier! Attends, je l'ai pas, mec, attends, tu m'as bien. Dans personnalisation, tu peux mettre un familier, mec. C'est incroyable, je vais le faire après. Ok, mec. On a vraiment l'air de deux Yangli, gros, c'est hallucinant. Ok. T'es prêt? J'ai prêt. Ah, je pense du coup, qu'on... toi, tu fais quoi? Tu fais des dégâts? Est-ce que tu peux repousser les mecs ou pas? Ouais, j'ai un truc, une flèche pour repousser. Parce que moi, j'ai mis des pièges, donc le problème, c'est que les mecs sont pas cons, ils vont pas dedans, donc si tu peux les repousser dedans, t'inquiète, c'est t'inquiète, je vais les repousser dedans. Putain, Xari, les gars, notre première coop, c'est les émotions avec ça. Il y a un sanglier. Oh, il y a des... Oh, des pièges. Ah, le sanglier, il doit pas mourir. Il est avec nous. Ok. C'est un compagnon. Ah, compa. Ok, on part en quel focus, gros? Après, on peut les pousser dans les pièges aussi, je pense. Hein. Je te dis si dans le deck j'ai le truc qui pousse. Non, j'ai pas sur mon premier tour. Je peux pas mulligan? Mulligan? je mouligan. On fait un focus sur la meuf. La meuf à droite, elle a 80 HP. Vas-y, on la lave, je pense qu'on peut l'exploser, gros. Je me bouge ici, je mets un petit trap juste. Les gars, j'avais parié presque ma maison que t'allais prendre assassin. Bizarre. En fait, moi j'ai hésité entre mage et assassin, mais en fait, je pensais tellement que t'allais prendre mage, je me suis dit, il faut pas qu'on joue la même chose. Bah, du coup, c'est parfait, je joue mage donc nickel. Après, moi je joue assassin, mais je voulais poser des trappes. Parce qu'en fait, j'ai fait un perso et j'ai fait le tuto avec un perso, mais qu'en fait, qui est l'assassin de base. Parce qu'en gros, tu sais, quand tu vas dans la personnalisation de base, t'as que des trucs. Ouais, c'est ça. Moi j'ai en gros, j'ai refait un perso juste derrière pour. Ah, t'as refait, moi je suis parti direct en perso. Ah, mais on joue chacun son tour, je croyais qu'on jouait tous les deux Ah, bah non. My bad. C'est trop facile. Ok, à droite du coup. Ah, mais on peut jouer le petit. Est-ce que tu peux jouer le cochon? Ouais, je vais le mettre. Est-ce que je le mets à. Mets-le derrière moi, enfin là. On est d'accord qu'il doit pas mourir. Ouais. Fin du troisième tour, ouais. Donc je vais le foutre, regarde. Je vais le mettre là. Ou le dans un coin, moi je vais mettre des pièges tout autour de lui. Ouais, c'est parfait. La meuf. La meuf, attends. À distance, si tu peux, mais je sais pas, toi t'es à. Non, toi t'es pas à distance. Si, je suis distance. Je suis en full distance. Attends. Tu peux te mettre sur mon piège, techniquement. Ouais. Mais t'es sûr? C'est nul. C'est sûr que tu peux te mettre sur mon piège. Mais du coup, c'est à dire que le mob il va pas aller dessus quoi. Mais... Ouais, tu peux ping les cases avec T. Ah ouais? Ouais, genre on va là et tout. Tu vois là mon ping? Ouais, je l'ai vu. Ok, nice. Avec T? Avec T et après ça. Ah ça oui, d'accord, ah oui, c'est trop bien, pardon. Et puis. Ok, je me déplace pas, je bouge pas, je me suis TP pour avoir plus de dégâts. Oh là là, il approche. Voilà, hop, elle a pris mon piège là. On est mort de la joueuse. Ok, bon, elle est morte. Oh la elle est morte. Ah, par contre, j'ai que des sorts qui coûtent full thune. Tu peux déplacer le compagnon, toi, ou pas? Ouais, je le mets là. Bien vu. Putain, j'ai le pire deck, là. Putain. Je joue Kra, ouais, exactement. Par contre, le nom de la classe, je n'arrive pas à me souvenir du nom de la classe. Désolé, attends, ça doit être marqué. Shirushaden. Ça doit être ça, hein. Shirushaden. C'est Shirushaden, les gars. Ok, je vais mettre un piège. Attends, j'ai un petit lac serveur. Tac, je mets un piège et ensuite je fais ça. Normalement, ça l'attire. Oh, j'ai mis un critique en plus. Oh la vache, à 50 les damage du type! Par contre, attends, pourquoi ça a pas marché? Tu l'as pas repoussé? Non, en fait, normalement, c'était marqué attire le mec sur un piège adjacent.
Bah peut-être qu'il va être attiré juste après d'une envie irrépressible d'aller sur le piège. Tu veux qu'on fume le Big Man? Comme tu veux. Attends, regarde les règles au-dessus. Peut-être t'as des règles. Le Gligli ne doit pas mourir. Fin du troisième tour des monstres. Invoque un Billy Bob sur une cage adjacente à un Gligli. Donc il va invoquer un mec à côté du cochon. Ouais. Bah du coup, vaut mieux qu'il reste de ce côté-là. Faudrait limite. Est-ce que si on se met tous les deux à côté du cochon, il est pas baisé. Est-ce que si on le met là, le cochon, moi je me mets ici. Ouais. Et bah le mec va arriver forcément sur. Tu vois? Oh le bâtard. Faut qu'il soit éventé. Bah non, c'était pas marqué. Oh putain, je peux jouer ton compagnon aussi? Ah bon? Non. Si, si. Oh bon, bah vas-y. Regarde, tu vois, genre par exemple. Oh boum! Petite attaque. N'hésite pas à mettre le, tu mets le cochon. Ouais, je vais le mettre là. Attends, hein. Je check un peu ce que ça me donne en vrai. Qu'il soit éventé. Bah c'était pas marqué qu'il devait être éventé, mais bon, bref, c'est pas grave. On va lui mettre ça. Les éventés, les trucs comme ça, les trucs éventés, machin et tout, ça dure combien de temps? Vous savez, les gens, ou c'est indéfini? Ou c'est... Parce que c'est pas marqué sur le sort. Oh, tu l'as repoussé? Ouais, je suis un repousseur, tiens. Et là, il mange bon, par contre, je crois que mon pingu il va prendre une. Il va se faire exploser ma putain, attends, c'est la fin du troisième tour donc il restera un tour. Est-ce que je me TP? Là, il reste encore un tour, ouais. Ouais, je me TP du coup. Parce que moi, à chaque fois que je me TP, c'est un point d'action en moins pour mes sorts. Du coup, c'est pas mal. C'est machination en fait. Il était pas machinima. 33 dégâts, 40 dégâts. Parce que lui, le gros là, il a 157 HP, hein, c'est vraiment pas un blagueur. Ouais, il rigole pas. Après, on est bien en point de vue. Moi, je vais essayer d'invoquer César là. Il me régale. Hop. Hop. Voilà, par contre, tu fais des damage de zinzinular, hein, je te le dis hop. Direct. Non. Oh, c'est fichu gligli. Ouais, bon. Et je mets un trap. Mets un trap là, comme ça il va tomber dans le trap normalement le mec. Est-ce que... Ouais. Bah normalement il est censé être... Waouh merde, wow. Il attaque en zone le con. Oh là 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 là. Oh bonne merde, après il est tout seul, il a 121 HP, on va le tuer là au prochain tour. Est-ce que ça te fait des dégâts si je fais des dégâts de zone ou pas? Ouais, mais Osef, si tu me fais des dégâts à moi, je m'en fous. Du moment que tu touches pas le cochon. Ouais, c'est good alors. Ah bah ça a pas fait de dégâts en fait. Ça, ouais, tant mieux. Le cochon, il peut aller sur ton piège, tu penses ou... Oh, mais ça sert à rien, en fait. Parce que, regarde, relis la règle au-dessus. Fin du troisième tour des monstres, dont déjà, c'est bizarre, parce que c'était déjà le troisième tour, je crois. Mais bon, bref. Invoque un Billy Bob sur une case adjacente à un Gligli. Donc là, techniquement, s'il veut pop, il est obligé de pop sur un piège, quoi. On est d'accord. Donc, normalement, on est bien, là. Attends, on peut faire... Il y a des réponses clavier pour les sorts, je pense que tu peux les en mettre, ouais. Ah, c'est pas grave, comme ça il prend des dégâts. Il a 64 HP, il est mort, hein, je te le dis. Au prochain tour, je lui mets. C'est pour ça, on lui met la max. Par contre, j'ai fait masse critique, hein, là, les deux derniers coups, j'ai fait des. Mais surtout, tu fais des gros dégâts, genre 60 de damage, c'est nimp, les gars. Ah, mais c'est un critique. Non, juste c'est nimp. En diagonale, regardez. Est-ce que nos spells reviennent si le combat dure trop longtemps ou ils ne reviennent jamais? Ouais, tu peux les repiocher, ils vont en dessous de la pioche en fait. Comme un classique. Bah tu vois c'est bien, il allait fumer ton mec donc. Ouais allez hop ciao. Là le mec va apparaître, 40. Non mais rien n'apparaît du tout, il est mort. Bah c'est fini, c'est gagné quoi. Oh là 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 là. Wow, on a pris full XP. C'est une masterclass les amis avec Zari. Par contre il faut que tu retrouves des quêtes Bah t'inquiète, je m'en retrouve. Je pense qu'en vrai elle nous en donnera d'autres. Les gligli. Les gligli, oh les petits gligli. GG à tous. Donc voilà, vous le savez, du coup on a eu la réponse. Si vous voulez jouer avec des potes et tout, il faut juste faire la quête des Gligli. Voilà, quête des Gligli ici, les quêtes adjacentes d'Astrub. Donc là, merci pour l'info. Tiens, on peut refaire une, Xav, je te invite. Vas-y, invite. Attends, avant de le faire, je veux juste voir émote, effet visuel, empreinte. C'est quoi? Familier. Ouais, putain. Pas partir sans famille. Bien sûr. Attends, j'équipe pas le même, j'équipe l'autre alors. C'est parti. C'est exactement la même? Ah ouais, t'as refait la même là, je crois. Ah bah je croyais que c'était la... Bon, c'est pas grave, on s'est refait. Eh, on se la refait, ça donne de l'XP les gars, ça donne de l'XP. On se la refait. Les groupes vont jusqu'à combien? Je crois que c'est 3 max. J'ai bien lu. Bah pour le coup, le jeu est... Il y a du PVP et tout, hein. Pour l'instant, non, parce qu'on est au début, mais... Le jeu n'est pas sorti officiellement, là c'est l'Early Access. Il sort officiellement en décembre. Mais si vous jouez en Early Access, il n'y aura pas de reset, donc... C'est ça. Gardez votre progression. Heureusement, parce que sinon j'aurais hurlé. Pareil, j'aurais les hurles. On refait la même strat, hein. Gros, la même strat.
Amstrad, je pense que là, on va pouvoir le faire très très facilement. Tiens, en vrai... Je me remets là, en vrai. Vous savez comment on monte les points de mana, au final, ou... Ah, les PM ? Ouais. Ah non, les PA, les points d'action, je sais pas. Je pense que c'est plus tard avec, mana, des, PA, avec des, du stuff. Avec ouais. du stuff, hein, je pense. Parce que j'avoue que ça peut monter 6, 7, 8, 9, 10... Parce que tu peux monter jusqu'à 15, apparemment. Un petit plus la réserve, en plus. Pas mal. Non, c'est un free-to-play, c'est un free-to-play, les amis. Free-to-play. Essaye de jouer, mais juste le sort veut pas se lancer. Là. Ah, ça la gouille. Un petit peu. Ouais. Le victime de son succès, le jeu. Ouais. Et effectivement. Ah, je vais essayer d'avoir un maximum de... Je vais essayer d'avoir un maximum d'attaque-feu pour invoquer César, les gars, je vous le dis tout de suite. Bon, c'est pas grave, je vais juste la fumer. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un sort en particulier, celui qui met les deux pièges. Mais le serveur ne veut pas le lancer. Non, en gros, tu le mets et ensuite tu dois recliquer sur une case bleue normalement. Ouais, j'essaye, mais. Ça marche pas. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas... Ok, ok, t'inquiète. Lui, je le mets là. Hop, le gros Gruik. Lui, c'est en combo et c'est 5, donc ça va coûter trop cher. Je peux pas l'utiliser maintenant, mon super pote. Faut cliquer sur deux cases. Ah, mais il faut cliquer sur deux cases. Là, c'est... Mais cliquer, si mais que moi, j'ai eu pareil tout à l'heure. Il y a un truc que je contrôlais à moitié, t'inquiète. I am so stupid, man. Allez, finito là. Je vais les attirer par là. Venez me choper pour voir. Oh, merde. Fuck, mate. Mais ils t'ont lavé ton mec. My familiars. Ah oui, ils l'ont défoncé. Ah, il lui reste 138 HP. Par contre, lui, il a 0 HP le man. J'aurais peut-être dû attaquer avant. Ah, ça y est, j'ai mon spell qui repousse si tu veux pour aller, je la mets dans le piège. Oh, bien vu. Oh, les damage de malade, mec. C'est juste n'importe quoi. J'attaque pas, mais j'aurais dû attaquer, je pense. Putain, mais les piou-piou, ils veulent les défoncer, hein. Hop là. Oh. Tu t'attendais à quoi? Ok. 23, tu l'as mis 23, bien oui. Par contre, pourquoi ils ont pas joué, les autres? Ouais, je sais plus, ils ont pas envie. Ok, aura mire glacée. Je pense que je vais juste reculer. On va se mettre là. Ouais. Oh, le balourd. Oh, j'aurais pu... Non, j'avais pas assez. Ah oh. Putain, j'ai pris 40. Oh, ça va, j'ai full HP. Pas mal. Qu'est-ce que tu viens de me faire découvrir? Ça promet des heures de... Ah, mais si vous y mettez en plus les tacticals, les gars, effectivement... Le jeu s'adresse littéralement à vous. Hein. Bien ça. Putain, mon rêve, c'est d'invoquer César. Je veux invoquer César, les amis. Mais il coûte trop cher, un 4 en invoque. Hop. Elle est prise de toutes parts. Putain, elle a 8 HP, je suis abattu. 8 HP, ouais. Moi, je pense qu'elle explose au prochain tour. Ouais, elle m'a one-shot non plus presque. À deux doigts de le combo. Ça met de la réserve. Je vais prendre le coup de la réserve, les gars. J'ai pas le choix, là. Ok, c'est good. Le critique D, dommage. Critique useless. Comment tu fais pour lancer une quête avec un pote? Regardez ce live pendant à peu près une heure et après tu pourras mettre. Ah ouais, il faut tester. Il y a des quêtes que tu peux et des quêtes non. Oh purée, mais attends, il le lâche pas notre petit cochon là. Ouais, t'inquiète, il est mort. Alors, le one shot, hein, je le tue lui. J'ai pas eu le spell pour me TP, les gars, ça dégoûte un peu. Parce que sinon, on aurait eu vraiment de quoi faire un beau combo. Quoi. Nice. On aura la peau de ces fichu glee glee, man. Ça invoque. Ça vous que je peux invoquer le haut, moi. Bon, là, normalement, le cochon, merci, il va être tranquille. Ah, y a peut-être le mec qui va pop. Non, mais lui, on le lave. Au prochain tour, je pense qu'il est mort. Là, le gros. Ah, oui. Est-ce que je fais ça? Ouais, je peux faire ça, mais j'aurais bien utilisé ça. Et ça fait quoi? Ouais, ça sert un peu à rien. Ça sert un peu à rien. On va juste faire ça dans un premier temps. Voilà, j'y fous le feu. Allumer le feu. On attaque avec tout. Allumer le feu. Waouh, le cochon.
mais c'est un cauchemar. Laisse-le ça va, il a 115 HP, frère. C'est bon, là, il est mort. Hein. Ce tour-là, il lui reste 33 HP, je vois pas. Regarde bien, regarde bien. Là, tu le fais exploser, non? Non, je peux faire ça et ça. Boum, et après, hop, je le pousse. Non, il est explosé. J'ai même pas... Non, j'ai plus le temps de... Let's go! Je peux le choisir en sort. Waouh, un sort de Jess. La pointe provocatrice. 13 dégâts, deux fois. Pas mal. En plus... Oh, mais c'est trop bien, ça. Ok. Par contre, il manque du feu. Et ça peut être pas mal, la flèche immolante. Moi, j'ai trop envie d'apprendre plein de sorts, mais en même temps, je me dis, c'est bien d'en augmenter, quoi. Ouais. Bah, moi, j'en apprends plusieurs et je vais essayer de les faire comboter logiquement... Dans la compo, bien, quoi. J'aime bien les AOE, moi. Désarme la cible si elle est mouillée, ok, gros. Ah, bah tiens, j'avais un sort qui posait l'état mouillé dans le. Ouais, parce que ça aussi, ce serait pas mal. Toi, ouais. est-ce que t'as l'état éventé? Non, je crois pas l'avoir. Je l'ai pas dans mes spells. Dommage, parce que moi, j'aime bien l'état éventé, c'est fort. Mais du coup, attends, quand je lui parle, sa quête. Ouais, c'est que ça. J'ai trop peur de choisir les mauvaises récompenses, par contre, ça me saoule. Ok. Je vais aller chercher une autre quête, mon pote. Attends, je vais changer mes spells aussi. Oh, mais c'est vrai qu'on a eu le coffre de débutant qu'on n'a pas ouvert. J'ai des coffres, mais j'ai pas envie de choper les mauvais trucs, du coup... Oh là 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 là, les amis, déphasage. Je vais prendre Terry Bogard. Hop, je le récupère, le bug. Attends, je crois que j'ai une autre quête pour nous deux, Xav. Pas sûr à 100%, mais quasi. Celui-là... Ah, mais celui-là, je peux le monter de niveau. Je peux l'améliorer, ça me coûte 50 kama. Ah, oui, moi aussi. Ouais, je l'améliore. Carrément, carrément. Du coup j'ai ça que je peux mettre. Est-ce que j'en ai d'autres que je peux améliorer? Après je suis pas sûr qu'on l'améliore parce que là on est là. Mais je pense que vraiment les mecs qu'on a au début ils sont nuls à chier. Faut jamais les améliorer. Mais après 50 km je pense que c'est ridiculement. Oui c'est très très faible quoi. J'ai 15 points à placer en compétence. Ah bon? Ça je trouve ça fort. Mais je suis trop bête les amis, en fait ça je l'avais pas mis dans mes trucs de spell. Niveau 15, ah non c'est ça. 36 de dégâts, je vais l'enlever celui-là, j'aime c'est pas vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça. La dérobade. Et en familier, on atterrit. On va mettre ici. Pas Attends, mal. Je comprends pas. Ah, ok. T'as pris tes sorts. Tu sais, quand tu vas dans ton personnage, dans ton deck là. Ouais. T'as ta compétence. C'est exactement ce que je viens d'expliquer, que j'avais acheté des spells pour ma classe et je les avais même pas mis. Je me disais, mais putain, ils tombent jamais mes spells. Des spells. Ouais, c'est des spells en fait. Moi, je les ai pas achetés en fait. T'as des trucs de passif, t'as plein de... Je t'ai invité au cas où. Je sais pas si bon, je ferai ça après, c'est pas grave. Ouais, vas-y, go. Let's go. Des sorts de classe. Ouais, c'est des sorts de classe, exactement. Fallait pas utiliser, c'est rare ces ressources. Les kamas, c'est rare. Bon, bof. Hein. Je pense pas que ce soit rare, les kamas. Les gars, on est juste trop chaud. Putain, pareil, il est trop stylé, ton familier. Le battle pass, t'as vu? Le battle pass. Regarde quand t'avances, surtout. Oui, il devient tout aplati, là. Chut. On fait vraiment des Yonkli, gros. Voilà qui vous envoie. Les ressources pour améliorer les compagnons. Oh mon dieu, Zari! Je pense qu'on va aller récupérer les trucs, c'est pas. Ah, j'ai un spell, il coûte 6, mais il me fait piocher deux sorts. C'est pas mal. Mais là, oh là, les Konich! Moi j'ai un spell qui coûte 7, c'est trop chiant. Moi aussi, j'en ai un, mais en gros, je peux l'utiliser parce que tu sais, soit la réserve, soit. Ouais, avec la réserve, ouais. Avec les trucs. Tu vois, là par exemple, je téléporte votre héros jusqu'à 3 cases, et ça, c'est bien parce que le passif de mon héros fait que si je me TP dans le tour d'après, ça me coûte un de moins mes sorts. C'est quoi ces cases-là là C'est une très bonne question. C'est du piège, c'est quoi? Est-ce que c'est pas des cases où on va, si on passe dessus, on devient mouillé? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qu'est-ce qu'on doit faire? Les règles, fin du tour, pose une flaque. Ah, c'est flaque d'eau, c'est ça. Se déclenche lorsqu'un adversaire, ça laisse, c'est ça. C'est littéralement ça, quoi. Laisse appuyer dessus, ouais, bah on a l'info les gars, on a l'info. Ouais mais on a l'info, mais est-ce que ça dit que c'est une flaque d'eau, mais est-ce que ça dit que ça nous mouille? Bah attends, je vais rester dessus. Ça ne nous dit pas que si on se nous déclenche pas. Lorsqu'un personnage s'arrête dessus, puis se détruit. Dal rejoue son tour. Rejoue son tour? Attends, c'est fumé. Ça fait rejouer. Ah bah attends. Bah attends, mais c'est fumé. C'est fumax. Max un max, bah vas-y. Hein. Attends, faut les utiliser avant qu'eux ils les utilisent quoi du coup. Ouais. On va faire ça. Et toi, tu invoques des machines, frère? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, j'invoque rien du tout. Juste, je regarde ce que je peux mettre comme damage. Combo, Ramir, ouais, c'est bon. Ok. Ah, mais les combos de fou malade que t'es en train de faire. Attends, est-ce que je fais ça pour mon prochain tour? Ouais, je fais ça. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Ah, je crois que là, il y a un petit lag. Ah, j'ai un petit. Ok. J'ai pourquoi? Allô? Non.
Dommage, il te reste plus que 3. Je peux plus rien faire, je peux rien faire. C'est terminé, mec. Oh. T'as hard troll, ça m'énerve. Mais non, j'ai pas hard troll. Ça dégoûte. J'allais me TP pour avoir le bonus et ensuite finir mon tour sur la flaque. Oh. Pas fort. Oh là 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 là. T'as vu comment j'utilise bien les flaques? Ouais, bah celle du dessus. Là, tu peux faire tous les mecs au-dessus aussi. Ouais. Xav en solo carry. Descends. Bam. Merde, j'ai raté. Oh non, oh le troller, t'as hard troll. J'ai hard troll. Bon, c'est pas grave. Ouais, t'as hard troll, là, ça détruit le jeu, mais bon. Bon, j'ai hard troll, je vais quand même les fumer. Hein. Ah bah là, ils sont, je pense qu'ils sont dead. Hein. Je le tue, lui, là. De dégâts, ouais, je prends ça. Il y a quelqu'un dans le chat qui me dit que c'est un jeu qui se veut rapide dans l'évolution des personnages et que en gros c'est pas punitif de choisir les mauvais sorts au début parce que tu vas vite XP. C'est pas très. Ah, grave. Par contre, j'ai l'impression qu'ils respawn les mecs. Regarde, ça fait. Oh là, je me suis fait laver. Wow, là, t'es en train de te faire. Oh là, va. Oh, ce que tu prends, mon ami. Tranquille. Là, il faut que tu te déplaces sur une flaque pour pouvoir te redéplacer après. Ouais. Alors, attends. Si je vais là, je peux me redéplacer là. Ah, on est d'accord. Faut que t'attaques et après tu peux te redéplacer. Ouais. Faut aller en bas et taper. Attends, l'autre. Là ce que je pourrais faire c'est. Je peux. Est-ce que si je fais ça? Non, je peux pas. En fait, ça te permet de refaire ton mouvement. C'est pas que tu rejoues ton tour quoi. Ouais, ouais c'est là, ça. Ça marche. Là, est-ce que là je tu peux. Le problème c'est que là du coup tu peux pas atteindre le mec d'en dessous, je crois. Attends, si je fais ça et qu'après. Ah putain, je peux pas me téléporter là? Ouais. Non. Ah dommage. Après t'as dit à le mec, enfin je sais pas combien tu mets de dégâts, ouais 36 c'est bien. Et je sais pas si tu peux invoquer un, tu vois, parce qu'en fait il faut les finir je crois. Ouais. Enfin, un peu comme Zach. Ah oui d'accord. Je vois des petits blobs j'ai l'impression. Ouais. Il faut les terminer. Je pensais que je pourrais me téléporter avec. Il nous a lavé là. Ok donc là je peux faire ça. Ah non je peux pas en fait. Ah en fait je suis bloqué moi. Bah ouais là tu peux pas te déplacer. T'es obligé de, on est obligé de fumer un mec. Le mec en fait, je vais toi. Fumer et me déplacer après. Oh, est-ce je que... peux faire ça. Tu peux faire quoi? Vas-y, montre. Oh, la dinguerie. C'est de la grosse merde. Mais attends, quoi? Mais les blobs, là, comment on les tue? Mais attends, inflige 15 dégâts aux adversaires autour de mon héros. Ah, mécanisme toxique. Ne peut subir que des dégâts d'attaque, ne peut pas avoir d'état élémentaire. Donc, en gros, t'es obligé de les attaquer au corps à corps, là, ces bestioles. Oh, les voilà, chiens. Comme ça. Bien joué, mec. Ah ouais, mais c'est chiant. T'inquiète, j'en fais mon affaire. Merde, putain, j'ai fait une AOE, il y avait 3 mecs, je suis abattu et. Ah, tu vas te faire laver. Ah ouais, putain, oh là, oh, wow, bro. En fait, il faut qu'on fume d'abord l'autre parce que les blobs ils nous attaquent pas en fait, on s'en fout, non? Non, bah si, c'est ça, c'est le truc d'électricité, je crois. Ok. Oh, la téléportation. Tu peux rattaquer là du coup? Ok. Et là, je peux. Re-auto, peut-être. Ouais. Encore. Tiens. Oui, bien joué. 23 HP, voilà, c'est fini. C'est terminé pour lui. Putain, je pouvais invoquer les compagnons, j'avais oublié mon petit compagnon. Oh, les amis, là, je viens de faire un. Comment on dit chez moi, un coup de maître. Oula. Oh, il a. Oh, explosé. En plus, on a fait la quête. Ouais. On a et eu 10 de PQ, 10 PQ, je sais pas ce que c'est, mais. Ah, c'est des points de quête, quoi. C'est des points de quête, c'est les points de quête qu'on a au-dessus. Allez, vraiment, en Kama, pour sur ça, c'est vraiment les pires. Que des jeux de mots, que des trucs. Les petits PQ. Intéressante découverte. Si le matériau est dur. Tous les trucs, c'est du verlan, c'est des jeux de mots. Bah ouais. Bon, je reviens d'ailleurs, je vais aux toilettes, essayer de trouver une autre quête, j'arrive. Bah, ça marche, on va te régaler avec tes petits PQ, mon ami. Ah, c'est les points de quête, les gars, c'est logique, hein. Ok, c'est récupéré. On est à 35. Mais par contre, pourquoi j'ai toujours l'état de quête? Ça, c'est un truc que je comprends pas trop. J'ai toujours l'état de quête au-dessus. Non, c'est bon, ça s'est enlevé. Mais vous voyez, par exemple, celle-là, on l'a déjà faite. Et j'ai toujours l'état de quête dessus. Est-ce que c'est normal? Alors que, bah, on l'a faite, quoi. On l'a déjà faite. C'est pour ça que je comprends pas trop. On va ouvrir les coffres, tranquillement. Oh, du mythique! Ça, c'est très bon, ça, ce que tu me donnes. Alors, attends, ça nous donne... Je peux en choisir combien? 2 récompenses. Agneau Bruiseur, Busier, pardon. Inflige 15 dégâts autour de votre héros. Confère à votre héros 50% de son attaque en armure si 3 adversaires sont touchés.
Plus un dégât à vos sorts hauts. Plus... Oh, putain, mais c'est l'équipement. Mais attends, mais il y a de l'équipement de fou, fou zinzinulaire là. Vos sorts coûtant 1 et 2 points d'action sont placés dans votre main dès le départ. Plus 1% de vie. Ok, celui-là c'est quoi? Ajoute le sort traversée pluvieuse à votre main. Plus 20% dégâts à vos sorts hauts. J'en ai des sorts hauts. En vrai, on va prendre ça. Déclenche foudre 8 par case de collision. Attaque repousse. On est de... Je peux en équiper qu'un ou je peux en équiper deux des brassards là comme ça? Toutes les quêtes, je peux les refaire. C'est que du farm le jeu là. Ah, d'accord, ok. Je peux en équiper qu'un. Ah, du coup, ça a peu d'intérêt d'aller chercher un deuxième brassard pour le coup. Deux les anneaux. Mais là, c'est pas un anneau, ça. C'est un brassard, les amis. Je vais prendre l'épique. Je vais pas prendre ça, c'est un brassard aussi. C'est dommage, il avait l'air sympa. Mais celui-là, il est cool. Quatre anneaux, un brassard. Ok. Bah, je vais prendre l'anneau, hein, celui-là. Vos sorts coûtant un dès le début, plus 100 points de vie. Re, bro. Ouvre les coffres, là, tu vas avoir de l'équipement à équiper. J'ai trop d'ailleurs peur d'ouvrir les coffres et de rater, mais vas-y. Oh, j'ai un super coffre de compagnon, mec. Oh ouais, moi aussi, j'ai eu ça, ouais. Wow. Attends, j'ai des trucs épiques. Mais attends, mais c'est... Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est épique ou pas, les trucs violets ou... Ouais, ouais, violet, c'est épique. Moi, j'ai pris un brassard et un anneau. Parce que, voilà, en fait, tu peux t'équiper de un brassard et de quatre anneaux. Donc, regarde bien ce qui peut correspondre à ton perso. Je vais prendre... Oh, le rôdeur sylvestre, le méga flow qu'il a l'air d'avoir. Celui-là, il est trop bien. J'ai reflet de poussette. Ça veut dire que je peux refaire une poussette? Handle. C'est bien, ça me peut faire pousser dans les pièges, ça. Pour ça, non? Ah, mais on prend deux. Oh, je vais prendre celle-là. Pour faire bouclier à votre héros, je vais prendre l'alchimiste armuré, là, pour changer un peu, les gars. On va prendre ça. Ah oui, j'étais mute, pardon. Ça, c'est trop bien. Quel jeu de fou. Attends, là, en gros... Est-ce que je dois prendre forcément les deux épiques, ou il y a des trucs mieux, techniquement? Là, je dois en prendre un. Pas ce que je prends. Ah, le point de réserve, il peut mettre bien en vrai celui-là. Hein. On sait pas trop. Ou du feu. Bon, je vais prendre les. Ça, c'est fort, repousse. Attaque, repousse d'une case, je comprends pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais attaquer, je vais avoir une repousse. C'est trop fort ça. Pas besoin de brassard, du coup, on va prendre ça. Alors là, mais à chaque fois que j'attaque, là j'ai reflet avec deux poussettes, donc c'est à dire que je vais pouvoir pousser dans la direction que je veux, donc c'est encore plus fort. Alors là, les amis, moi, je vais prendre les deux épiques, Annick. Qu'on va essayer d'équilibrer tout ça. Alors lui, on l'a eu, on va mettre ça là, je pense. T'as eu un super compagnon du coup? Ouais, j'ai eu un compagnon qui était plutôt stylé. On va faire ça. En fait, j'ai beaucoup d'eau. Est-ce que j'enlèverai pas ça? 100% d'attaque, confère déphasage à votre héros pour le tour. Astral, c'est quoi l'effet astral? Je sais pas, j'ai un effet astral là, mais je sais pas ce que c'est. Gagne des phases. Ouais, mais la flotte, on va l'utiliser pour ça, non? En vrai, je vais garder tel quel, je pense. Bon, vas-y, je prends les trucs, je sais pas. Mes spells. Ok, là, faut qu'on réfléchisse un peu. Alors là, il faut du feu et tes... Enfin, t'es en train de refaire ton deck un peu là? Ouais, je refais mon deck, je regarde un peu ce que je peux prendre. Intelligent. Il y en a deux, c'est pas mal. J'ai beaucoup de... En vrai, j'en ai besoin, quoi. Mais il me faut plus d'eau, hein. Là, j'en manque d'eau, en fait. L'aura nébuleuse, c'est pas mal. Ça coûte trop cher, en vrai. Ouais, il est où? J'ai enlevé un spell, ou... Nul, ça. Bon, je vais prendre des sorts un peu au pif. Okay, bon, apparemment, on peut tous les récupérer au bout d'un moment. Je vais prendre ça. Astral, pour... ça donne 1 dans tous les états. Ouais, c'est un super truc, quoi, en fait. Est-ce que je mets ça à la place d'autre chose à 6? Ça, c'est bien, j'en ai besoin. Parce que ça me TP. Je vole 1 point de mouvement à la cible pour le tour. Je pense que la pointe des cieux... Je vais enlever la pointe des cieux, non? Après, ça me fait beaucoup d'eau, mais l'eau... Non, j'ai déjà assez d'eau. Je pense que je vais laisser comme ça dans un premier temps pour voir. Bah, t'es en full deck building. Je suis en deck building, là. Ouais, je regarde un peu. Alors, un brassard, une broche. J'ai pas de broche. Et les anneaux. On va mettre les deux anneaux que j'ai. Ok. Bah là, on est pas mal. Ouais, je suis full wet, les gars. Je suis full wet. Caractéristique.
Là, ça monte un peu les caracs. Et ici, on a 5 points à dépenser. Est-ce qu'on le fait ou est-ce que je stack pour plus tard? That is the question. Ça, on l'a pris. Ça, on l'a pris. Libère toutes vos auramires sur la cible. Ok. Avec du stacking d'aura, ça peut être pas mal. Repousse de 2 cases adversaires adjacents. L'inflige attaque de votre héros. Piochez 2 sorts si aucun adversaire n'est autour de votre héros. Et ça, c'est du boost, ça. Ça peut 7, c'est trop cher, 7. Oh, c'est pas mal, ça. Ah, je vais prendre ça. Parce que ça met un point d'action. Moi, je joue full point d'action en plus, là. Ok. Ok, le sang. Ok, attends, je regarde juste. Mais du coup, les spells et tout que tu prends sur ton perso, tu dois les rajouter dans ton deck après? Ouais, bien sûr. Tu dois les rajouter parce que tu peux pas tous... Tu sais, t'en as un de base qui te coûte 0 que t'as. Enfin, ouais. J'imagine. Le passif, ouais. Et ouais, c'est ça. Et ensuite, tous les autres, tu dois les rajouter. Attends, je vérifie. Hop, okay. Un autre mec en périphérie. Let's go, j'ai 2 aura-trappeurs. Il y a des trucs, par contre, en vrai, genre, je sais pas ce que c'est, quoi. Détruis un de vos pièges, plus 2 aura-trappeurs du même élément à votre héros. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ok. Ouais, je pense qu'on a pas tous les codes encore. Je t'ai invité pour la quest. Là, les gars, j'ai fait un deck, ça va être la folie, hein. J'arrive. Vas-y, t'inquiète. Je vais prendre ça, ça a l'air marrant. Et du coup, après, comment tu le mets? De quoi tu parles? Des spells? Ah, il est là, ok. Ça. Bah, tu les. Bon, là, j'ai rempli toutes mes cases. Je pense que c'est de la merde, hein. Il faut pas faire ça, mais tranquille. Tu peux en mettre max. Pour tester. En vrai. Ah oui, il faut que j'équipe mon brassard. Merde. C'est bon, Xav? Allez, let's go. J'ai pas eu le temps. Oh merde, pardon. Putain, oui. Je crois qu'on peut encore. Bah, tant que j'ai pas lancé la quête, tu peux y aller, vas-y. Reflet de poussette, tout traverser en flamme. Parce que moi, là, j'ai du spell. J'ai du bon brassard, là. J'ai du bon brassard aussi, hein. Ajout de sort traverser. Là, t'as acheté un skin, toi, sur ton perso? Ouais, j'ai acheté un skin. Ok. Et du coup, je peux rendre le mec full wet si t'as besoin que je le rende full wet. Bah là, pour l'instant, sur les sorts que j'ai pris, j'ai pas trop besoin de wet, mais... Je me suis mis en tout petit, les amis, sur la cam, comme ça, vous voyez à peu près tout, hein, pendant la game. Vous avez toutes les actions. Ok. Ah oui, c'est vrai que moi je suis sur... Ah oui, non, je suis sur les replays des actions, mais bon, on n'est pas encore là. Ok. Oula. Il faut protéger la tarte. Oh là là, oh là, les mosquitos là qui arrivent. Le panier pique-nique, putain. Alors, une invocation va apparaître à cette position au prochain tour, d'accord. Ça sert à ça, ces trucs là. Et nous, le panier pique-nique ne doit pas être détruit. Est-ce qu'on peut le bouger ou pas? Tu peux le bouger, toi, le panier pique-nique ou... Non, attends, je vais essayer. Non, je peux pas. Non, ok, faut qu'on le protège. Bon bah, je vais mettre... Attends. Moi j'ai mettre deux pièges à côté du panier pique-nique. T'as bien raison, mon pote. Et je vais me barrer. Hein. Ah, on peut attaquer. Je peux attaquer le panier pique-nique si je veux. Mais je vais pas faire ça. Je vais me mettre là. Ah, ok. Je savais pas que ça faisait ça. Ah bah tu. Quand tu vas sur un piège, ça te fait pas de dégâts, mais par contre, ça l'active quand même. Donc. Mm-hmm. Un peu fade, le fond vide lors des combats. Ouais, je pense que c'est pour une question de lisibilité. Je check un peu hein, les spells que j'ai sur moi, mon pote. Ouais, mais t'inquiète, mec. Putain, je suis trop deg. J'ai enlevé mes pièges alors que j'en ai besoin. Moi, en fait, j'ai un état qui s'appelle Machination. En gros, Machination, il faut que j'ai un nombre de pièges sur la map pour l'activer, tu vois. Il faut qu'il y ait 2 pièges sur la map. Oh, tu l'as poussé? Ouais, je l'ai poussé. Ouais, tu l'as lavé. La petite mouche de merde, là. Ah, mais c'est celle qui a le plus de vie, en plus, je crois, elle. On l'a lavé, bien joué. C'était leur boss. Parce que j'utilise. Je peux zoomer. Ouais, je sais que je peux zoomer, mais bon. Ça part à grand chose. Après, je peux zoomer si vous voulez. Hein, si vous voulez qu'on voit mieux. Mais... Est-ce que éphémère, ça dure tout le long, les gars? Ou je vais l'utiliser? Bah, éphémère, je pense que ah non, je traverse. Je peux traverser le man ou pas? Non, tu viens de te déplacer, tu peux plus là. Non, mais alors, ça me dit votre héros traverse les 2 cases et applique mouillé sur les adversaires traversés. Mais comme t'es derrière, en gros, je peux pas aller sur Vas-y, le mosquito. Hein, mouille-moi, hein, mouille au pire. Non, je peux pas. Je peux pas, en fait. Je peux. C'est bizarre, je sais pas pourquoi je peux pas l'utiliser dessus. Bon, c'est pas grave, c'est quoi, on va faire ça. Oh, rien du tout. Ah, t'as vu la flemme? Non, mais ça marchait pas. Je pouvais. Oh, il s'est heal. Waouh, ce qu'il me met. Il s'est heal de 26, le connard. Le bâtard. Putain. Éphémère, c'est à utiliser dans le tour. Bah ouais, c'est. J'aurais dû l'utiliser, mais ça aurait rien changé en fait si j'avais utilisé parce que j'avais MTP. Donc, j'entends.
Mais je sais pas pourquoi j'ai pas pu l'utiliser alors que je suis censé les traverser, non? Ok. Alors. Prochain tour, moi ça va me coucher un en moins. Je peux faire ça. Est-ce que je peux faire ça ici? Oh là là! Mec, t'es trop fort. Putain, mais quel jeu de fou! Et le mosquito, il a tellement d'HP! Non, mais il s'est régène en fait. Il a vol de vie, le mosquito rouge. Oh la vache. Mais tranquille, tranquille, il a pas tant d'HP que ça. Par contre, les trucs qui sont. Oh merde, le panier à pique-nique! En fait, lui, il faut absolument fumer le rouge. Vraiment, lui, le fusil, hein, vraiment. Hein. Il est en perma-heal en fait. Il possède 100% de drain, c'est marqué, quand tu cliques dessus. Mmh. Faut vraiment le tuer lui en fait. J'ai tué l'autre, j'aurais pas dû. It's okay, bro. Ce qu'on va faire, c'est. Wow, tu l'as mis un gros. Bon, on essaie de mettre un peu de pouvoir. Je vais mettre là. T'as, moi j'ai un compagnon gros pour l'invoquer. Il faut 3 hauts et 2 terres. HF. Hein. Putain, faut qu'il canne hein, au bout d'un moment. Ah si, j'ai un compagnon qui fait 100% de dégâts en plus si la cible est mouillée. Oh, bah, attends, mais il attaque combien de fois le bug? C'est une insinuerie. Wow, on se fait laver là. Wow, les gars, wow. C'est des malades ou quoi? Ah, trop bête. Là, c'est bête, là. J'aurais dû... Ouais, en fait, c'est le prochain sort. C'est bon, pas le prochain c'est tour, bon. Donc j'aurais pu me TP avant. Vous avez raison. Ouais. C'est bon, gros, je l'ai tué. J'avais mal compris. Bien joué. Il a combien d'HP? 42. Oh non, je me suis déplacé sans attaquer, j'ai trollé. T'as trollé. Et j'ai pas cliqué dessus, je suis allé trop vite. Bon, c'est pas grave, j'ai tanké l'araignée, j'ai encore full vie en fait. En fait, ça fait peur, mais on a quand même beaucoup d'HP. Oui, c'est bon. Il y a un challenge, c'est vrai qu'il y a. Non, il n'y a pas de challenge là. Je crois que des fois, il y a des quêtes spéciales, mais je sais pas où elles sont. Tu sais, genre la quête pour les PQ et tout. Mais on l'avait tout à l'heure, mais là, on l'a plus. Ah, par contre, moi, je vais devoir partir là, c'est la fin de l'OP, mec, 19h. Allez, ciao. Fin du live. Merci Ankama pour avoir payé, mais là je joue plus maintenant. Non, je rigole en fait, le jeu est trop bien, je continue de jouer. Le point. Vous pouvez jouer. Ah, je peux jouer. Tu peux jouer mon pioupiou, oublie pas. C'est vrai, je peux jouer ton compagnon. Oh, compagnon. Je peux pas attaquer avec lui, je sais pas pourquoi. Ah, merci. Ah, si, c'était le lag. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, on les a lavés. J'ai pioché du spell, les gars, on les a méga full laved. Bah, y'a un monde où je m'occupe des deux là. Oui, bon, je pense que tu les fusilles ne serait-ce qu'avec ta. Là, t'as dû mouiller ou pas? T'as mouillé personne? J'ai yémou personne. Ok. Regarde qui j'invoque, gros. Attention à ta bourse. Oh, c'est quoi le plus 1 qu'il a eu? Tu lui as volé un 2, un Kama? Parce qu'il a dit attention à ta bourse. Ah, peut-être. Je pense, hein. Pas mal. Ouah, 22, non, c'est trop les dégâts de Zinzinuer. Mais wesh, c'est trop fort. C'est trop fort. Les gars, c'est trop fort. En fait, le truc, c'est que plus je mets de pièges à côté, en fait, si les pièges, ils sont à côté, tu sais, ils sont reliés par un lien, genre de la redstone, tu vois, et ils explosent tous d'un coup, ils font tous les dégâts d'un coup. Mais c'est n'importe quoi, genre, mais la classe, elle est fumée. Ah, c'est juste que en fait, il faut un énorme cerveau pour la jouer. Je crois que c'est trop fort en fait. Je crois que ça doit être ça, ouais. Je crois qu'il faut le plus gros cerveau de France. Salut Anaël, salut à ceux qui rejoignent. Le jeu est très cool, hein, vraiment. Très très sympa. Moi, je joue la classe. Alors, j'oublie à chaque fois le nom, mais ça a un nom. Heureusement que vous étiez là. Un peu jacques. On a eu 10 PQ encore, non? Ouais, full PQ. Au moins maintenant, je sais où les trouver. Merci. Pour faire les réseaux, faut bien setup. Oui, en vrai, c'est assez difficile, mais. Et surtout qu'en fait, le truc, c'est que d'un côté, t'as envie de faire péter les pièges, et de l'autre côté, tu dois les utiliser pour avoir machination, donc... Du coup, alors j'essaie de voir un coffre, on a eu un coffre de Deb. Ouais, je vais aller voir. Il y a d'autres quêtes. Bon, je vais prendre ça, mais... Attends, les compagnons, tu peux les revendre ou pas au marché noir? Non, là, on en a un peu beaucoup, là. La honte, Xav, de dire ça. Ouais, non, mais en vrai, on en a beaucoup, des compagnons. Non, c'est hors de question que je revende mes compagnons. C'est tous devenus mes amis. Je vais ouvrir le coffre de débutant. Bah, on va reprendre un anneau. Hein. Ah. Allez, tu sais quoi? Nous, on joue pas avec les PV, on s'en fout. Hein. C'est ça qu'on veut. Un petit anneau supplémentaire qu'on va aller équiper directement. Il y a des vendeurs, mais tu peux pas leur vendre encore. Pense à ton battle pass, hein, bro.
Ouais, j'ai déjà tout rempli. Moi, je clique à chaque fois que je vois une notif, je clique gros. Ok, un super coffre de sort, dommage. De donc, ah, mais le Battle Pass, j'ai envie d'acheter le Platinum Pass, ça coûte combien? Ah non, merde, c'est de l'arbre du vrai argent, je croyais qu'on pouvait payer avec nos trucs gemmes violets. Non, 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 c'est direct en tunas, manianas. Bon, après 14 balles, on est en OP, ça va partir, hein, je pense. Je pense que ça va partir, hein. Est-ce que je monte un peu les spells qu'on a? Y a des dingueries ou pas acheter? 15 balles, je l'ai pris direct. Ah, se termine dans 12 jours. Ah ouais, par contre, c'est passe de quoi vite. Ça va vite, ah bah c'est ouais, c'est ça. Et là, on a joué une heure, une grosse heure. On a déjà 5 objectifs. Les équipements. La saison débouffe tout en plus. Est-ce qu'on peut monter n'importe quel? Déjà ce spell là, je peux le monter. J'achète le pass. Ah c'est ça, voilà. Effet sur Steam, j'ai de l'argent sur Steam. Ouais, j'achète. Ouais, oui, t'as de l'argent sur Steam. Attends, tu poses vraiment la question, mec. Bah. Bien sûr. Et voilà, c'est acheté. À moi tous les trucs. Je sais pas ce que c'est, assez, mais j'achète. Alors j'essaye de trouver une nouvelle quête en périphérie. Tiens, j'en ai une. Hop, mon super pote, t'es prêt? Ouais. Je t'invite. Ça, c'est de la quête qui rigole pas, par contre. Hein, parce qu'elle va nous donner un méga coffre de sort. Ouais, mais maintenant que j'ai acheté le pass de combat, gros, y'a plus rien qui peut m'arrêter. Hein. Ouais, je pense qu'il y a plus rien qui peut nous arrêter. Oh, à l'aide, au secours! Je sens que c'est un méchant, lui. Il est caché. 100%, c'est un méchant qui est caché. Non, je crois que c'est la reine des araignées là qui va venir lui bouffer le cul. Hein. Ah ouais, peut-être. Okay. C'est ça? Battle Pass, c'est 4 semaines. Ah, c'est peut-être un mois, mais vu que là on est le 16 août, en fait, bah, il reste plus que 12 jours avant la fin du mois. Quoi. Oh là là, oh là là! Il faut le protéger. Ah bah, je prends le déjà. Le cocon ne doit pas être détruit. Ok, bah on doit le protéger quoi. Ouais, il a que 89 HP, hein, le cocon. Après, le cocon, on peut prendre que des dégâts d'auto-attaque, mais bon. Wow. C'est à moi. Ok. Celui qui est en haut à gauche là avec l'aura rouge il a 188 HP, hein. Non mais surtout l'aura rouge. Et il invoque une larve à chaque fois. Ouais. Bah il faut le fumer, hein. On focus l'aura rouge ou... Et attention, Lara Queen elle se téléporte au début de son tour sur une case adjacente d'une larve. Et elle a plus 20% d'attaque. Elle gagne plus 20% d'attaque. Donc bon, là les larves, est-ce qu'il faut pas fumer les larves aussi, hein? Ouais, ça va être un choix cornélien. Je fais chier. En fait, j'ai une main de merde là. Et surtout, je peux pas aller je peux pas taper là. Trop, j'ai pas assez de points de mouvement pour aller taper. Donc, je vais m'approcher là. Je peux pas faire mieux. Et je vais faire ça. Et c'est tout. Malheureusement, j'ai une main de merde là. Terrible. Ah ! Attends, mais elle tue les. Elle tue les larves pour ce boost. Oh bordel. Ah, elle attaque. Elle gagne 20% d'attaque. D'accord. En gros, il faut les larves, ça la boost, mais on s'en fout, on va tanker. On s'en bat les couilles de son attaque, on tape pas les larves, on tape juste le mec qui se régène là. Celui qui a 142 là, celui qui est devant toi. Ouais. Okay. Ou alors on tape l'araignée, on la fume et après on tape celui qui régène. Attends, je peux repousser. On va mettre longtemps à tuer celui qui régène. Je pense qu'on doit tuer l'araignée en premier en fait, elle va nous faire trop mal. Bon, l'araignée. Là. Ok. Ah, putain, -10, ouais, putain, GG, hein. Ouais, bah attends, je vais tout mettre, regarde bien, t'es prêt? Voilà mon pote. Moins 9, ouah GG gros. Ok. Et pourquoi ça fait quoi ça? Tu te téléportes pour... C'est pour gagner des stats. Enfin, c'est bon, regarde. Hop. Hop. Il a pas 100% de drain de vie lui. Ah non, c'est celui qui invoque une larve autour. Voilà mon pote. Oh, bah, ça, tu l'as mis chéro hein, par contre. En vrai. Et là je peux... Attends. Je peux faire ça. Et pourquoi? Alors les gars, faut m'expliquer pourquoi je peux pas l'utiliser ça, je comprends pas. Vraiment je comprends pas. Votre héros traverse deux cases et applique mouillé sur les adversaires traversés. Pourquoi je ne peux pas? Ah parce qu'il y en a un deuxième là-bas. Ça doit être ça, non? C'est parce que je peux pas m'arrêter ici. En gros je pense que tu peux traverser que un mec en fait. Ouais, je peux traverser que un mec en fait, ça doit être ça quoi. Waouh, t'es reparti en... J'aurais jamais dû faire ah ça. Ah non, là, parce que... Ah non, si, t'as fait qu'une case. Ouais, mais en vrai, j'ai fait qu'une case, mais ouais, tu m'étais perdu 4. Mais j'aurais jamais dû l'utiliser, le éphémère, parce que du coup, je perds mon passif, là. J'étais bête. Waouh. Ouais, bah attends, mais ça va, je mange salade, tomate, oignon, là, ou quoi, là? C'est quoi? Ça va, tranquille. Oh là là, le nombre de larmes. Et c'est chaud, en vrai. Tranquille, mon pote. Pas mal. C'est pas fou, là. Ma main, elle est... Ma main est dramatique. Et vu qu'il a que 8 dégâts, je pense que je vais... Ah, mais si, elle va se téléporter vers une larve. Je vais péter une larve, quand même, je pense. Ça, c'est en combo, les gars, donc...
Ouais, ça fait pas rêver hein, ma main là. Ça fait rêver personne. Hein. Oh, il faut que j'enlève ça. En fait, il faut pas que j'ai d'AOE vu qu'on est deux. Ça sert à rien d'avoir des AOE, je pense. Je vais refaire mon deck après. Là, j'ai pas assez de pièges. Il me faut plus de pièges en fait. Il me faut. J'ai pas attaqué ? Non. T'as pas attaqué, frère ? Je crois que j'ai pas attaqué. Est-ce que je fais ça ? Je me disais que j'avais pas fait grand chose. J'avais pas fait beaucoup de dégâts. J'ai pas attaqué. Quel con. J'ai oublié. Ou est-ce que je fais ça ? Alors, c'est les choses qui arrivent. Oublie pas que tu peux utiliser mon piu-piu aussi. Ouais, ouais. Oh, tu l'as tué bien. Mais par quoi ? Là, j'ai un truc que je ne comprends pas, les gars. Je viens d'utiliser en combo, techniquement, c'est ça. Ah, c'est peut-être parce qu'il est mort. Ouais, parce que là, le spell que je viens d'utiliser, il est censé me téléporter derrière mon adversaire. Mais peut-être que comme elle est morte, ça l'a pas. Ah, fais chier. N'hésite pas à tuer les larves avec le piu-piu. Ouais, ouais, ce que je vais faire. On va faire ça. Genre ça de gagner. Et moi, je peux rien invoquer, donc fin du rêve. J'imagine que c'est ça, hein, les amis, sur le spell que j'ai utilisé là, celui-là. Là. Wow, 40 dégâts. Téléporte votre héros derrière la cible. Mais comme il est mort, je pense que c'est peut-être ça. Oh, les larves, elles mettent 30 de dégâts. De dégâts. Elles explosent en fait. 30 de dégâts. 30 de dégâts. Oh, mais là, tu te fais laver la gueule, hein, mec, sans faire le gars. T'inquiète, c'est géré. Ah, après, ouais, ils ont toujours pas attaqué le bouc. Ah, mais si j'avais attaqué gros tout à l'heure. Ouais, je suis en débile. 29 dégâts, bah c'est parfait, ça fait 29. Je pense qu'en vrai on est pas trop mal. Wow! Attends, regarde qui j'apparais. Qui je fais apparaître. Lui, il fait double de dégâts s'il est mouillé, hein, donc hésite pas. Il est yémou? Ok. Si les gens sont mouillés, il fait. Je vais essayer de mouiller un moment. Wow, par contre. Ils ont été vénères sur le Pourquoi mec. Là, je peux rien utiliser en spell, j'ai vraiment. Ah, mais ça utilise archer. 30 de dégâts. Ok. Moi, ce que je peux faire maintenant, c'est... Ah, mais attends, il y a une larve qui est à nous. Ouais, ouais, j'ai pas trop compris pourquoi, mais elle est à nous. Ok, bah... Voilà. C'est-à-dire que tu peux attaquer une larve avec une larve pour qu'elle s'autodétruise, peut-être. Putain, j'ai pas assez. Mais comment, pour être dans la même instance, et il suffit de t'abonner au live, gros, et je te dis. Non, en fait, il y a que certaines quêtes que tu peux faire à deux. Donc il faut que tu changes de... Fais les quêtes qui sont pas au centre de la map, mais plutôt sur les bords. Petite larve de merde. T'as attaqué avec mon mec ? Non, je pète la larve ou je pète le mec en face ? Pète la larve, hein, pète la larve. Ouais. De toute façon, et là, il va mourir, mon mec. Oh là là, il se fait tabasser. Oh la vache, il s'est fait exploser. Oh bro! En fait, la larve, elle fait masse dégâts. Hein. C'est quoi ça le truc? Immobilise au prochain tour. Ah, d'accord, ouais. C'est fini pour lui, hein, je te le dis. Tu crois? T'as assez... Il non. a 85 de damage. Hein. 85 de vie. Attends. Faudrait le pousser. T'inquiète, c'est géré. Regarde bien. Oh la vache! Non, tu vas tout faire péter. 71. Non, dommage! Presque. Oh, attends. Ah, j'aurais dû attaquer avec les petites larves avant. Ah, en fait, j'avais pas compris qu'elles étaient à nous. Elles s'autodétruisent. T'inquiète. J'avais pas compris qu'elles étaient à nous. Bon, c'est pas grave, il lui reste 14. C'est à toi que revient le last-it. Ouais, si je puis me permettre. Reste combien de PP au cocon? 59, on est bien. On est très très large. On a fait des quêtes, tu vois, on a fait des quêtes des lanes, mais comment on les voit? Parce que là. Mais c'est moi qui suis allé les faire, les quêtes. Genre, en vrai, je suis allé les demander, et du coup, bah, ça a rempli la quête, et c'est tout. C'est... Oui, mais comment tu sais ce qu'il faut faire? Quels sont les objectifs? En gros, attends, on va choisir tes trucs, et au-dessus, c'est marqué. Tu sais, là où il y a marqué PQ, tu cliques dessus, et ça va te dire. Mais je vois pas le truc PQ, attends. C'est où PQ? Par contre, je sais pas si c'est parce qu'on est au début du jeu, mais j'ai l'impression que c'est fou généreux. On a des coffres à chaque fois. Ouais, mais je pense que c'est parce que c'est niveau 4. Par contre, le niveau, j'avoue, c'est long. Oh, ça parce va. Que... Non, mais ouais, je veux en dire, fait, on peut-être d'habitude beaucoup, dans on les a... jeux, t'es niveau 10 en 30 minutes. Oui, tu vois oui, ce que mais on a, comme on n'a pas vraiment rush, tu vois. Là, attends, faudrait qu'on regarde. Vas-y, attends, dès que ça s'est passé, je vais regarder au-dessus. Je maintiens, je passe. Moi, vas-y, je game. Alors attends, regarde, au-dessus, tu vois, il y a marqué I. Et là, t'as toutes les infos des quêtes. Tac, 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 jardinière, machin, la ninana.
10 sur 10, 10 sur 10, jeune mère, 10 sur 10, moi. Okay. Et après, t'as les autres nations. Ils est-ce, qu'on peut se faire, est-ce qu'on peut faire des guildes? Genre, on a un truc tous les deux, on se fait une île tous les deux? Je pense. Attends, c'est quoi? Dinguerie, genre. Tu vois, on a eu l'étendard astrubien, à 100 PQ, on aura la charrette astrubienne, et ainsi de suite, on va débloquer petit îlot astrubien. C'est stylé, ouais. Les PQ. Mais. Voilà, attends. Il me faut plus de pièges et il me faut moins de sorts. Est-ce que lui donne des quêtes John Gold? Quête non disponible, ok. Ça c'est le truc le plus fort. Ça. J'essaye de voir. Hein. Hop, je vais ouvrir les deux coffres, les gars. Ah, que aussi. du blanc. Je vais prendre ça, je vais prendre. Ah, c'est un ça, seul ou deux? Un seul, je vais monter ça. Je vais remplacer celle qui est violette par le feu. Ok, du bleu. Oh, le brassard. Brassard Tung. Ça, je le garde pour invoquer lui, mais... Piège en plus, piège. Ça, c'est fort. C'est bien pour inventer. C'est bien. Je pense qu'on va faire ça. Alors, c'est... je pense que je vais enlever celui-là, même s'il est niveau 2, parce que celui-là, pas on va passer niveau 2. En fait, ça, c'est... Vu que j'ai tout le temps poussette quand j'attaque, ça, je pense ah, que c'est mais non. Je garde ça, c'est bien, ça. Que je garde ça vraiment. Ah non, si, c'est trop bien, mais si, c'est trop bien, ça se téléporte aussi. Téléporte votre héros sur une case adjacente, un adversaire jusqu'à 2 cases et lui inflige 19 dégâts. Et ça, c'est quoi? C'est inflige 36 de dégâts à un adversaire adjacent. Ah, c'est fort hein, quand même, je peux pas non plus passer au-delà. Ça, c'est donné en réserve. Ça me paraît ok. Et ça coûte cher. Hein. Je pense que je vais enlever ça, c'est vraiment un spell que j'ai jamais utilisé au final. Ça, c'est good. On a up tes spells. Ah oui, c'est vrai que je peux up mes spells. Mais je sais pas comment on fait. Attends. Mais ce que je comprends pas, c'est que je vais quand garder. Tu le up, je vois pas ce que ça fait en fait. Qu'est-ce que tu veux voir en up? Je up un spell, je clique sur améliorer, mais je vois pas ce que ça améliore. Ah, bah écoute, oui, c'est vrai. Parce que t'as les compétences, l'état amélioré avec le test. Ah, ok. Mais... Ouais, d'accord, j'ai amélioré un spell, il est passé de 21 dégâts à 22, frère. Bah, c'est énorme. Ça peut faire la diff, mec. Ça peut faire la diff, c'est vrai. Mon compagnon, je vais enlever celui-là. Je vais plutôt faire ça, je pense. Ok, je me sens pas mal. Je suis même pas sûr que ça soit bien. Ça. Ok, j'essaie. Alors mais lui, si ça donne de l'eau, c'est bien de l'eau en fait. Il me je vais essayer d'aller trouver une autre quête. Ah, je crois qu'en périphérie, j'espère que lui, c'est une autre quête aussi. En périphérie. S'il te plaît. Ah non, malheureusement, c'est non. Alors attends, peut-être là-bas, on va aller voir parce que là, il y a Lottie. Et pareil, elle est across the map, donc on va aller voir. Les talents, quand tu cliques droit sur les sorts, c'est du late game, ça coûte très cher à débloquer. Ouais, je me doute bien, c'est pour ça que quand on ouvre les coffres, vous avez pu voir, ça, on peut choisir d'en prendre de temps en temps si on a de la chance de la monnaie. J'en ai pris 5, mais bon, il en faut beaucoup plus. Ok, Xav, je t'invite. Prochaine quête de foot, prépare-toi. Hop, 100 Kama directement dans la besace. Ah, je l'ai pas mis l'anneau, le glass cannon, parce que okay. J'aime bien tanker en vrai. Oh, je crois que ça va être encore avec des araignées, hein, frère. Hop. Bonjour. D'accord, oh bah super, on arrive et on va se faire graille. Bravo, l'ambiance! On va la fumer. Hein. Oh là là, moi je la def. Hein. Allez, s'il te plaît, pas une main de merde. Moi j'ai enlevé beaucoup de sorts, hein. j'ai beaucoup moins. Oui, c'est vrai qu'à la limite, on n'est pas obligé de foutre tous les spells, tu vois, mais. Je ne te veux aucun mal, nous sommes pareils. Alors. J'imagine qu'on peut jouer avec elle. Tu peux la déplacer, non? Ouais, ok. Alors je sais pas pourquoi lui il a une aura rouge. C'est quoi, c'est une espèce d'élite ou le personnage? Regardez, en fait ça fait fin du tour, pose une toile d'araignée sur une case adjacente. Et elle doit pas mourir elle ou on s'en fout? Non, c'est même pas marqué. Ouais, non, y a pas de règle là sur le combat. Donc, Ah, par contre elle met zéro dégâts. Hein. Ouais, bon, elle va tanker pour nous. Hein. je réfléchis. Non, je vais faire ça. Attends, est-ce que je peux attaquer? Je suis trop loin pour attaquer ça le problème. Tu veux qu'on aille focus qui? Attends, parce qu'elle fait quoi? Lorsqu'une toile d'arachnée est construite, plus un aurapath, début du tour, si elle a 3 aurapaths. En premier. Ah bah d'accord, elle consomme et invoque une arachnée autour. Ouais, ça va être trop lourd. Faut qu'on la flingue. Je vais essayer, ouais. Faut qu'on la flingue, Zouz. J'avais pas grand chose, j'aurais peut-être dû mettre des pièges, je sais pas trop. Je vais essayer d'invoquer lui en fait, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ok, moi j'ai archer ici, du coup ça c'est pas mal, je pourrais avoir la TP. La 22 d'attaque. Ouais, c'est pas si nul, c'est pas si ouf en vrai.
Oui, 35. Oh là, oh là. Il y en a. Oh, ça va, ça va. Il y en a des mots. Ok, moi, ce qu'il faut que je fasse. On l'a fait. Compagnon rouge, tu pourras jamais l'invoquer. Non, non, eux, je les invoquerai jamais, Osef. Mais oui, oui, c'est vrai. Oh, les dégâts. Je vais les enlever, je les élève juste pour l'instant, mais. T'as pas mis de piège, donc je vais peut-être le garder. Non, pour l'instant, j'en ai pas mis. On va juste utiliser ça. Est-ce que je peux mettre... Je peux mettre beaucoup de dégâts, en vrai. Est-ce que lui, je peux le... Je peux l'avancer? Non. Moi, je suis trop loin dès le départ, c'est chiant. Bah, tu sais quoi, je vais mettre là. Et je vais lui mettre la max. Attends, est-ce que j'ai besoin plus de... Est-ce que j'ai besoin plus de violet ou... Moi, j'aimerais bien invoquer ça, là, mais on a déjà mis du feu. Vous savez quoi, on va aller là de... Allez, tu sais quoi, on va aller là-dessus. J'aimerais bien invoquer mon légendaire, là. Enfin, pas légendaire, mon mythique. Tiens, mange ton rocher. Ah oui, pardon. Voilà. Oh, tu lui as mis un petit 16. Par contre, ouais. Elle fait aucun dégât, la con. Oh ouais, là 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 là, elle se fait zinzinuler. D'ailleurs, elle est immobilisée hein, pour le prochain tour. Waouh. Doucement, quand même. Avec moi, attention, elle a ses auras autour d'elle. C'est Horace. Ça fait quoi? Ça sert à quoi le plus zéro à gauche du deck? Où c'est que tu vois le plus... Alors ça, c'est la réserve. En gros, ici, c'est des fois, j'ai des spells. Là, je crois pas... Tiens, bah, celui-là, par exemple, point irisé, tu vois que c'est marqué, il y avait le petit 1 ici. Si je l'utilise, oh là ça là me là met là. 1 en réserve et je peux l'utiliser à tout moment. Et one shot. Tu l'as défoncé. Bah écoute, c'est parfait. J'ai one shot la meuf grâce à mon combo de fou malade. Waouh. Mec, on fume la petite araignée derrière en vrai. Ah mais l'araignée elle a 137. Ouais. Ouais, les casse-couilles. Après, ça dépend. Si t'as les dégâts pour fumer un des deux ennemis, c'est peut-être mieux de fumer un des deux ennemis. Hein. Là, on est à... Parce que je veux dire, le moins il y a d'ennemis, moins il y a de gens qui jouent à leur tour et tout. Donc, ouais. Si tu peux mettre 61 de dégâts pour tuer le tronc d'arbre, ou même 39 pour tuer la petite araignée, c'est bien aussi, je pense. Est-ce que je fais ça? 16, ouais. Ah, peut-être à l'auto-attaque, tu peux la tuer et après faire l'essor sur quelqu'un d'autre. Je pense que là, je peux faire mon spell ici. T'as des compagnons en plus, non? Ah putain, mais pourquoi ça ne le repousse pas? Ça m'emmerde. Écoute, on va tuer. Ça repousse pas. Des fois, il y a des conditions hein, pour repousser les trucs. Bah là, j'avais normalement mon spell, j'ai pas de conditions, donc c'est pour ça. Mais pourquoi je peux pas attaquer là? Alors, j'ai immobilisé, non? Non. Là, je... Ah, c'était du lag. Un petit lag. Et là, en vrai, on peut aller sur les autres îles. Je crois pas encore. On est pas assez haut level. On est des petits caca pour l'instant. On peut jouer tout le temps maintenant, le jeu est sorti. Ouais, le jeu est sorti, ouais. Hop, je le mouille, ça me fait plaisir. Ah. Et voilà, il est yémou, les amis. Ah, mais ça, c'est bien, mouillé, parce qu'en vrai, je vais pouvoir faire 100% de dégâts en plus sur lui. Oh, par contre, ça m'a utilisé les deux points de la réserve. Est-ce un gag? Oh, je croyais que ça l'utilisait un et le point de mana en plus. Ah, c'est bête. Ok, en vrai, on est pas mal, là. Donc, je peux faire ça. Moi, je suis à 2. Il est mouillé, 1. Il a 35 HP, lui, il met combien? Il met 13. Oh, c'est dommage. Évidemment, je n'ai jamais mes putains de spells haut quand j'en ai besoin, quoi. C'est fou. Attends, lui, il met plus de dégâts quand il est mouillé. Bah. Oh, non, il peut. Je suis trop con. Je suis bloqué. Tu t'es keblo, mec. En fait, la meuf, la petite meuf de merde, me bloque l'accès. Enfin, je suis un débile. Petite meuf de merde, là. Oui, le jeu est sur Steam. Ah, dommage, putain, si j'avais focus elle du coup. 21 HP. Après, là, franchement, au prochain tour, je voilà, pense que tu l'es ouais, fini. Je pense qu'ils se sont terminés à dos. Putain, le compagnon, attends, attaque avec le compagnon sur le mec mouillé, par pitié, je veux voir ce que ça fait. Si ça fait une animation en plus. Juste. Il a juste explosé. Oh, il y a une petite araignée qui a pop. Oh, de 57. Est-ce que je la finis? Je mets tout. Ah, finis d'abord la 21, là, elle est chiante, la rouge, là. Ok, bon. Ah mais je peux pas me déplacer donc avec la meuf tu peux ouais, pas je vais attends est-ce qu'elle a assez de portée ouais je pense elle crit peut-être elle non. Crit pas la conne 5 attends ce qu'on mais va un faire un petit sort hein, t'as pas une petite pichenette ou un petit compagnon hein, compagnon là c'est ouais, même vrai... un petit piou tu attends j'ai de la dingue je pense il y a du PVP ouais est-ce que si je fais ça ah mais il faut que je fasse un mec adjacent fait chier ça marchera pas.
Bon, je vais tout mettre là. Tu l'as. Voilà. J'ai plus rien. Mais là, t'as pas un compagnon avec tous les auras que t'as ? Non, j'ai vraiment pas de compagnon. Mes compagnons, c'est 3-2, 2-2, 4 et 2-1. Ah non, mais prends un petit compagnon que tu peux. Ah non, je suis un joueur de compagnon. Bah ouais, je vois, mais là, du coup. Je joue jamais. C'est gagné, gros. C'est bon. Ah, je sais pas comment je peux la tuer. Hein. Je sais pas. Tu l'as avec la meuf ? Tu l'as avec la meuf, facile. Voilà. Trop facile. On les a pulvérisés. Oh, t'as eu un truc de fou! Ah non, c'est moi! Ouais. J'ai eu quoi? Début du combat, invoque Frankenstruck dans l'équipe adverse. Plus 40% à la vie max, plus 20% à l'attaque de vampire. Mais attends, mais c'est comment ça? En fait, ça leur donne un mob qui a 400. Ouais, 400 HP, c'est chiant. Hein. Mais pourquoi je leur donnerais un mob qui a 400 HP? Bah, ça leur, mais toi, t'as plus 40% de vie max et 20% d'attaque. Ah, mais ça leur donne un mob. Uniquement à 2 ou 3 sur le bateau vampire. Ouais, vas-y, ça m'a saoulé. Ouais, bah je vais le garder. Ah, mais est-ce que c'est un consommable ou... Bah, j'ai l'impression. C'est une dinguerie. Hey, les gars! C'est du contenu endgame, let's go! Non, mais c'est prévu, après, c'est bon. On a juste été meilleurs. Go tester, vous allez vous faire ouvrir. Non, mais la 400 HP, on va jamais tester ça, frère. Non, mais oh non, je vais jamais. Îlot monstre débloqué. Oh, ça y est, gros, on peut y aller. Oh, let's go. Félicitations, tu viens débrouiller tes premières îlots monstres. Tu peux retourner sur le port et utiliser ton bateau pour les explorer et affronter de nouveaux adversaires. Vas-y, viens, on y va. Bah, non. Ok, bah, ça marche. Fin du buzz. C'est bon, les amis. Vas-y, de toute façon, tu peux m'inviter de la hauteur, hein. Ouais, je pense. Là, c'est toute la partie. On avance, quoi. Ok, je prends ça. Peut-être faire un tri dans mes spells aussi. Waouh, vas-y, c'est bon. Je prends les nouveaux, je vais faire la collection, mais... Ouais, je pense qu'il faut prendre tous les sorts level 1, c'est pas mal, tu vois. Ça me régale la musique, là, ici. Allez, on y va. En vrai, j'aime bien mon setup, là, comme ça, mais je me demande s'il n'y a pas des compétences de fou, quand même. Moi, il faut que je revoie quand même un petit peu. Attends, tu sais quoi, je vais le revoir tout de suite. Un petit peu mes spells pour que je puisse invoquer plus facilement. Parce que le 2-1-1, il est cool, mais j'ai l'impression que j'ai pas assez d'eau, quoi. On a un peu plus de flotte. De la teuflot. Ça, je l'utilise vraiment jamais. C'est trop cher. Est-ce que c'est pas le moment de pas l'utiliser, en fait? Après, ça me permet de piocher. Ça, je vais l'enlever. Je pense que ça, c'est pas mal. Hein. Deux aura trappeurs du même élément à votre héros. Les aura trappeurs, de toute façon, je vais. Les aura trappeurs, c'est quoi exactement? Alors, nerve con. Tu veux qu'on aille sur quelle île en premier? Oh, l'île. Ouais, choisis ce que tu veux. Oh, hein. Mec, pour le lore, on va sur l'île des bouffe-tout. Vas-y, vas-y. L'île des bouffe-tout, les amis. Allez. Et là, c'est gratuit, ouais, c'est bien ça, non? Tiens, Xav, je t'invite. Oh là là, les récompenses bonus. Oh, regarde tous les niveaux, élevage intensif. Oh, ça va être n'importe quoi. Je t'ai invité. Ah, j'arrive. Oh là là, les amis, il débouffe tout. Ça va être une zinzinerie, ok, Xav. Jérémy vous propose une quête. Oh là là. Attends, ils t'ont attaqué direct là? Non, c'est un objet que j'ai qui fait que je perds des HP pour gagner de l'attaque au début. Oh, les cons. Alors, les héros doivent se retrouver dans un coin du plateau à la fin du combat. Oh putain, c'est le challenge. Pour gagner plus 15% de Kama et plus 15% d'XP et un coffre. Oh, bah, on va être tout de suite alors. Hein. Ouais, bon, on va le faire. Hein. On fait quoi? Attends, alors le petit, il a aucun effet, mais pourquoi il est rouge alors? Bah, je pense que c'est un élite. Juste quand ils sont rouges, ils ont juste plus d'HP. Je sais pas si t'as remarqué. Regarde l'autre, il a 46. Ouais. Ah, surtout, il attaque à distance. Les deux petits bouffetous, ils attaquent à distance. Va falloir qu'on se rapproche. Ah, c'est chiant, t'as les pièges. T'as pas des spells direct? Si, j'ai des spells. Je réfléchis un peu. Moi, faut que j'utilise... Attends, je vais tester un truc. Je suis désolé, je teste des trucs. Et gros, teste, hein, t'as bien raison. Je détruis mon piège, et du coup... Ah, mais c'est la grosse merde des aura trappeurs. Comment on fait pour les utiliser? J'ai pas compris. Allez, fin du tour. J'ai pas compris ce que ça a fait. Ok, c'est parti. Attaque, je peux pas attaquer, je suis trop loin, gros.
de vos rattrapeurs. Mais... Mmh. Est-ce que je me mets ça direct en... Ouais, les gars, je vais le faire. Hein. Où est-ce que je me... Ça, ça m'est arché. C'est pas mal, en vrai. Du coup... Ouais, parfait. Ah, c'est... Je l'ai quand si j'attaque. Ça, je pourrais pas. Putain, par contre, moi, j'ai moins de... T'as combien de déplacements? Moi, j'ai moins de déplacements que toi. Non, mais c'est parce que moi, c'est des combos avec mon perso. En gros, quand j'utilise des compétences archer, je peux me téléporter, je peux... Ok, parce que moi, j'avoue, je suis loin. Mais et quand je me téléporte, bah, tu sais, ça réduit de 1 tous les... Enfin, le prochain sort que je fais est réduit de 1, donc en consommation. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Bon, tu vois le mec en face, là? Ouais, tu vas le faire tu vas faire un tour de magie, tu vas le faire disparaître, c'est ça que t'es en train de me dire? Ah, je te le dis, il est mort. Il est mort? Regarde bien. C'est quoi les auras que t'as autour de toi là, les... Ah, c'est ça me donne des pièges. Regarde bien, regarde bien. Vas-y, vas-y, je regarde. Oh, tu... Non, me dis pas que tu vas. Si tu me dis que tu vas le pousser, je pète mon crâne. Hop. 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 Ah, c'est n'importe quoi, mec, c'est juste n'importe. Hop, hop, ciao. Attention à ta bourse. Par contre, il faut qu'on aille dans un coin. Ouais, je suis dans un coin. Non, ah vraiment coin, d'accord. Coin, bah oui, c'est pas un coin, ça c'est un bord. C'est vrai que c'est pas. Eh oh, t'as bien. Non, mais vocabulaire, j'y joue là. Ah mais par contre les auras, je pensais que j'avais les deux trappes d'un coup, mais non en fait c'est t'en as un et puis un. Ok, c'est pas si fou. Enfin c'est pas mal, mais du coup ouais. Ah fait chier. Moi je peux pas me déplacer dans un coin là. Ah on va les tuer trop vite en fait. Il reste plus de 25 HP. Bah ouais, j'avoue, désolé, qu'est-ce que je fais, je m'en vais? Non, vas-y, on fume, hein, tant pis. Tant pis pour la quête, hein. Allez, hop. Allez, ouais. Désolé, gars, ou quoi, mais on gagne rien du tout. Bah si. Ouais, bah, non, mais challenge réussi, c'était... Mais on l'a refait. C'est hors de question qu'on parte sur ça. Mais non, mais on continue, frère, c'est pas grave. Non, c'est super grave, vas-y, on fait le deuxième. Oh, on peut faire du PVP. Je t'invite. Non, attends, viens. En Coliseum. En 2v2. Ah non, si, on peut faire du PVP en 2v2, c'est n'importe quoi. France, hein, mais on. Bon, on les gars, honnêtement, le jeu est très cool, hein, franchement. Ouais. OP, pas OP ou je sais pas quoi. Bon, bah les couilles, frère, le jeu est vraiment cool. Attends, il y a un nouveau challenge. Attention, la roue du challenge. La roue, c'est quoi? L'adversaire ciblé doit être achevé avec un sort. Oh, bah c'est facile, ça, c'est très très simple. Alors, attends, est-ce que je. Lui, ça bouffe tout. Tu veux qu'on aille bouffer le cul de qui là? Tu veux qu'on aille là, il faut le finir avec un sort. Ok, tu sais quoi, on va faire ça, regarde. En vrai, c'est mieux que ce soit toi qui commence. Parce que vu que moi je peux pas beaucoup me déplacer, en fait, ça les fait avancer et après moi je peux les taper. C'est... Ah bah t'es avancé dessus donc ils vont pas avancer je pense. Ah quoi que. C'est une assassinerie. Ok attends. Tu as le terminé. Je réfléchis. J'ai du combo encore. Un point d'action en réserve. Ok. J'ai deux points d'action en réserve les attention, gars. Hein. Attention 14 HP, le tue pas. Hein. Je tue pas. J'arrête là. Vas-y, je prends pour nous. Attends, quoi? Il peut nous attaquer en diagonale? Oui, il est à distance, regarde, il a un arc. Ah oui. Ah oui, t'as raison. Et dire que ce sera mobile sur plus tard. Ben ouais, ça sort sur les deux. Ce sera cross-platform Raid. Et du coup, là, pour l'Early Access, pas dispo sur mobile. Mais ça sortira sur iOS et Android, effectivement, sur la version finale. Donc c'est plutôt cool et le jeu s'y prête parfaitement. Me fais pas de mal, mais normalement, c'est un sort, ça. Oh non, l'abuseur frère, c'est un abuseur. C'est un sort, frère, oh, c'est un piège. Mais il nous hit la game à chaque fois, on n'en peut plus. Mais c'est un piège, frérot. Mais c'est un piège, à quel moment ça ressemble à un sort? T'as déjà vu Gandalf y jeter des pièges, frère? Non, il fait des boules de feu. Mais ça me disgusse. Oh non, le jeu est complètement gratuit, Jesse. Oh non, je suis abattu, je pensais que c'était un sort. Pour moi, un piège, c'est un sort, j'ai cliqué dessus. Non, les gars, dites-lui que ça va. Ah, c'est pas une auto-attaque. C'est un trolleur de. Le piège, c'est le résultat du sort et pas le sort en lui-même. Oh, nique sa mère. Non, c'est un abuseur, les gars, il faut le dire. Mais non, mais c'est toi l'abuseur. C'est toi l'abuseur. C'est un abuseur. Hop. Putain, je suis abattu. Non, c'est trop un abuseur, les gars, je vous le dis. Ouais, si vous voulez mettre de l'argent dans le jeu, s'il y a un battle pass, et après c'est que du cosmétique, donc c'est très très free to play friendly hein, pour le coup.
Là, par exemple, nous, on a des packs fondateurs. On a pas plus de trucs que des joueurs qui ont 0 euros. Hein. C'est juste, bah, nos persos sont plus stylés parce qu'on a des Horace. Ouais, putain. Ok, bro. T'es prêt? J'envoie directement. Attends, c'est à moi ou c'est pas moi? Oui, c'est à moi. Ok. Oh, le critical. Hop, je fais ça. Tac, je me mets ici. Tac. Ok, aura de mire de glace. Tac. Boum, tac. Après, je fais quoi? Ah bah, il est mort. C'est fini. Ah, merde. Putain, on réussit tous les challenges en plus. Oh, ta gueule. Ça, j'en peux plus. Il a trollé de fou, ce mec. Ah, j'ai enfin celle-là. Soigne votre héros de 13 points de vie. Mais c'est magnifique, celui-là. On prend tous les jours, les gars. Et il TP ou pas, celui-là? J'ai pas checké, je vais voir. Oh, mais par contre, c'est ouf. J'ai pas regardé ce qu'on avait. Je sais pas, j'ai eu un anneau en plus. Ah, j'ai eu un compagnon, moi. Oh, compagnon. Moi, j'ai pas eu de compagnon. C'est pas mal. Je comprends pas parce que j'ai fait 2-3 missions en plus que toi. On a exactement le même nombre d'XP. Je sais pas si on est... Ouais. Bref, ouais, on s'en fout, mais... Attends, mais pourquoi je peux pas mettre mes anneaux? Anneaux. On peut mettre que 3 anneaux. Pourquoi je peux pas mettre de 4e anneau? Oh non. Moi, je peux mettre 4 anneaux, moi. Bah, c'est quoi ce bordel? Lui, je peux le mettre. C'est pas mal, ça. Je peux en mettre que 3, moi, d'accord. Bien, ça. Ah, mais non, mais attends, mais oui, non, mais les gars, laissez tomber. Oui, laissez tomber. Je suis en golemont. J'étais en mode, mais pourquoi ils sont grisés? Oh le bouffon en full time. Oh non, le non. Bouffon du non, roi. Non, en fait j'étais en mode, oh, ils sont grisés, je peux pas les mettre, c'est juste qu'ils sont équipés. Je suis un golemon. Bon alors attends, c'était ça que je voulais prendre, la téléportation 20 dégâts, hein, téléporte votre héros. Ça je vais le prendre. Les gars je suis trop intelligent, c'est hallucinant. Mon cerveau de fou. Ok, prochaine mission Xav, t'es prêt? Est-ce que tu hint encore une fois ou... Ouais je hint. Non, ouais. Non, s'il te plaît, pas de hint Xav, pas de hint. Il faut le pack Audi pour les 4 anneaux. Spell en haut pour tes points de compète. Rien compris, mais ok. Je checkerai après. Rien compris, mais frérot, ça fait plaisir en tout cas. Oh là, rien oh là compris. Regarde le mec avec la cicatrice là, le bouffe tout fou. Challenge. L'adversaire doit être achevé avant d'utiliser votre réserve. Bah, faut jamais utiliser notre réserve. Bon, ça peut se faire, non? Bah, moi, ouais, j'en ai pas besoin de réserve. Moi, j'utilise beaucoup la réserve, mais. Ah dommage, fuck man. Ouais, je veux pas le faire du coup. Voilà, je peux rien faire d'autre. J'ai pas assez de points de mouvement pour attaquer. Ouais, techniquement... Mais il est con, il se le prend en plein dedans. Ouais, il a 261 HP par contre, le bougre. Hein. Ah ouais. Est-ce que tu veux que je... Ah non, je peux pas y... J'ai de la TP. En fait, ce que je peux faire, c'est ça. Oh putain, et là, en vrai, ça rigole pas là. Il y a 4 mobs et tout. Des sorts de classe que j'ai pas de check. Ah, peut-être, mais... Est-ce que je m'approche avant, les gars, ou pas? En vrai, non, si je m'approche avant. Au pire, je ne bouge pas. Ouais, je peux faire ça. Attends, regarde ce qu'on va faire. Ouais, la machination et le con, il est allé dans mon piège, j'ai envie de hurler. Casse-toi. Non, j'utilise pas ça. Donc pas, on n'utilise pas de Horace. Non, pas de Horace, on n'utilise pas de réserve. De réserve. Ok, ça marche. Fait chier, hein. Parce que moi, tous mes spells sont basés sur des points de réserve. Hein. Ça casse un peu les couilles. Hein. Oui, wow. Il t'a tabasse, hein, ah, mec. Il me fait bouffer le cul, hein. C'est assez dur. Hein. Je vais essayer de piocher des spells prochain tour. Parce que là, ça va être technique sinon. Ah, je pourrais pas utiliser ma réserve. Après, l'avantage, c'est que avec le passif du perso, enfin, pas du perso, de la classe, si je me TP à chaque fois, j'ai moins 1, donc c'est cool. Il me faut des sorts archers, comme ça là. Je vais mettre un trap. Après, vu que j'ai le trap. Pas mal. Tu peux pousser dessus ou Ouais, je vais pouvoir pousser, mais je peux faire ça. Ensuite, du coup, ça coûte ah, c'est une bonne question ça de Joe Coco là dans le chat qui demande si les combats s'adaptent au nombre qu'on est parce que celui-là solo ça va être tendu. Ah, oui, 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 oui. Je pense que oui, hein, à mon avis. Ouais, sinon c'est un peu. 100%. C'est un peu technique. Hein.
Ouais, ok. Bah, bonne nouvelle, effectivement. Et en équipe, tu m'as dit, Xav, on peut être que... C'est 3 maximum, c'est ça, je crois. Quoi ouais, c'est quoi la dinguerie que t'as invoqué, frère? Ouais, je suis... Oh non, c'est trop... Attends, mais moi, faut que j'invoque le mien. Ça fait 18 ans que je l'ai jamais invoqué. J'ai fait des trucs, en fait, le truc, c'est que j'ai invoqué une dinguerie, mais je me suis bloqué, je pouvais pas attaquer. J'aurais dû attaquer lui, en fait. Bon, c'est pas grave, il prend les dégâts. Ouais, en vrai, ça nous va. Bah, nous, c'est le rang impartial, il a plus 100% de dégâts s'il possède toute sa vie. Voilà. Il reste plus 90 HP, hein, on peut le faire. Je vais partir là, je pense. Ok, je vais m'avancer un peu. Et avec lui. Voilà. Oh, il met quelques dégâts quand même. Ouais, un petit 17 quoi. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça va, ça va. Putain, par contre, tu vas. Non, c'est bon. J'étais en mode, ça va me bloquer, mais non. Ah, je suis immobilisé, je crois. Ouais, tu pourras pas bouger prochain tour. Ah, je peux pas bouger, ouais, c'est trop chiant. Après, t'as un monde où. Non, t'as pas de truc qui te TP, toi. Non. Oui, le mob rouge, il est là qu'en duo trio. Ah, d'accord, bah ça change beaucoup de choses parce que le mob rouge, honnêtement, il a énormément d'HP, quoi. Alors, attends. Mais du coup, si c'est que ça la différence, ça veut dire que putain, vaut mieux être 3 que 2, quoi. Parce qu'à 2, c'est encore plus dur. C'est pas mal. C'est un jeu comme Dofus, ça reprend quelques petites mécaniques, effectivement, mais c'est quand même assez différent puisque tu vois en bas, c'est tu joues avec des spells et tu te fais c'est une espèce de deck building aussi. Donc c'est assez cool que tu peux adapter à ta classe. Est-ce que je devrais faire en combo pour déclencher la réserve en cas c'est... Hop là, bouffon. Bien joué, ça. Hop là. Et... Tiens, je te pousse. Merci, mec. Hein. Pas de rien. Ça fait super plaisir. Mais juste à côté de lui. Okay. On a réussi le challenge, mec. On a réussi le challenge. Ah, c'est bon, c'est réussi. Toute ta réserve. Oh, je peux utiliser toute ma réserve. Eh ben, c'est magnifique, les amis. Bah, écoutez, on va lui mettre. Est-ce que je lui mets ça? Non, je mets ça d'abord. Ouais, je vais lui mettre ça. Je vais tuer le petit. Hein. Ouais, vas-y, mets-lui ce qu'il mérite. Hein. Ouais. Je vais me charger du chef de guerre juste après. Il y a un petit lag. Je peux pas. Ça lag ? Je peux pas utiliser mon spell et je ne sais pas pourquoi. Bon, bah. Petit lag. J'en ai strictement aucune idée du pourquoi, du comment, mais. Ah, je peux rien faire. Je peux pas attaquer, je peux rien faire. C'est fini ? Mon perso, il est stuck in the washing machine, j'ai l'impression, mais. Non, fuck. Je suis désolé, je ne peux rien faire. Tu peux jouer, s'il te plaît ? Bah je peux pas, ça marche pas. Bah s'il te plaît, fais un effort. Ah bah tu t'es fait laver. Ah mais attends mais... Les gars, il y a un petit bug là, sur mon écran là. C'est passé. Bah si tu veux en fait, là le gros bouffetou, il est bah là celui que tu tapes là, je suis sur cette case moi. Donc Donc je sais pas... Je sais pas trop ce qui se passe mais... Mais on est là, hein. Après, c'est normal, les gars. C'est une early access, on rappelle. Allez, critique, critique. Pas de crit. Bon. Ah, il te reste un dernier petit mec. Attends, mais il se heal, mon mec, au plus. Il est fort, hein, mon petit compagnon. Il se heal de 1, je crois, tous les fois. Je suis désolé, Xav, je ne... Non, mais tape avec mon mec. Je peux rien faire. Ah, c'est bon. Enfin, mon perso est bugué. En fait, mon perso était bugué. Je ne pouvais utiliser que des spells. C'est jusqu'à niveau 6. Alors, niveau 6, effectivement. Bah, ça, on va prendre ça pour monter le level. Let's go. Ça récupère un nouveau brassard. Oh, j'ai chopé Ashmal. Un nouveau compagnon. Oh, compagnon. Sally aussi. Ouais, putain, t'as chopé full truc, toi. Ouais, j'ai eu masse truc là. Attends, ouvre un petit coffre. On a chopé des en vrai, jetons bouffe tout. Banger le jeu. On a chopé des jetons bouffe tout, mec. Ah, c'est peut-être parce que vu que je t'ai poussé, ça a fait bugger. Ouais, il y a un monde. Il hein. Y a un monde où c'est ça, je pense. Deux aura mire glacée à votre héros si la cible est mouillée. Ouais.
En vrai, je vais prendre des runes de sort, ça a l'air d'être assez rare, donc... Moi, je prends des trucs rares. Ok. Attends, je vais reprendre le prochain juste avant, je rééquipe avec ce que je voulais. 10% de dégâts, j'aime bien, encore, nice. Critique. Tu critiques. Je m'en fous. Mais you are clicking, ok. Améliorer. On peut pas... Ah, mais je l'avais pas celui-là. En fait, tous ces spells-là, je les aime bien. Parce que tous ces spells-là, je suis obligé de les jouer, les gars, parce qu'ils TP à chaque fois. Les gars, Eh, les gars. Il donne 2, celui-là, j'imagine qu'il donne... Oh, il donne 2 aussi, mais attends, mais il prend sa place tous les jours. Mais attends, on est où, les gars? Les gars. Ashmal, apparition, confère l'attaque de ce compagnon en armure à votre héros. Ouais. Eh bien, en vrai, lui, on l'a jamais utilisé. J'ai l'impression qu'on pourra jamais l'utiliser. Lui, là. Hop, voilà, on va faire ça. Après, il y avait lui aussi. Plus 1 jauge haut. Ouais. Ah, plus 1 jauge haut. Non, t'es quoi? Ah mais non, ça veut dire que plus 1 jauge haut, faut que j'utilise de l'eau. Ça ne sert à rien. C'est débile. Et je check juste en... T'as eu des équipements en plus toi aussi que ça ou... Des équipements? Non. Tu veux que j'utilise la broche là qui invoque Frankenstruck ou... Non, non. C'est un mob qui a 400 d'HP. Après... Justement. Bah ça peut être cool non? De tester. Non. Catastrophique. Après je sais pas si techniquement du coup c'est un bon item. Les gars. Bah je pense que c'est bien peut-être dans le truc, mais là, là on va peut-être pas s'y tenter quoi. Hein. Ouais, si j'utilise, je pense qu'il me casse la gueule. Hein. Allez, on est parti. Ah, c'est du late game, ouais, tu m'étonnes. 400 HP. Les monarques, c'est late game, vous allez vous faire atomiser. Je vois que les gens croient pas en nous, mais bon. Quel est le challenge? C'est la roulette. L'adversaire ciblé doit être achevé en premier avec l'attaque d'un compagnon. Oh là 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 là. Et l'adversaire qui est ciblé? C'est le mec qui est en bas à droite, là, le gros à 96 HP. Ok. Okay. Bah, tu peux invoquer vite un compagnon ou pas? Bah écoute, je vais essayer. Attends, je regarde ce que j'ai en... Moi, je peux en invoquer un dans deux tours. En deux tours, je peux en invoquer un. Attends, on va faire ça. Oh, bien sûr. Oh, compagnon. Moi, j'ai une... J'ai un passif qui fait que... En gros, toutes les cartes qui coûtent 6 et 5, elles sont forcément dans ma main de départ. Ah, c'est pas mal, en vrai. Pas mal, ouais. Permet d'avoir les pièges là dès le début. Oh, je savais pas ça. Garde. Je vais un point d'action réserve par adversaire situé entre eux. Je viens de lire là pour la première fois mon sort. Hein. Je suis un bon débile. Mais je peux avoir un point en réserve. Je vais garder ça. Moi, j'ai aucun sort qui me donne des points en réserve. Là, je les ai tous enlevés. Je vais garder pour ça. Tu avais loot un compagnon haut qui avait l'air utile pour ton build. Ah bon? Lequel? Oh non, la meuf? Si c'est pas le taper là? Celle-là, pas insane en vrai. T'es trop loin? Toi, t'es trop loin là pour le taper! En déplacement, t'es tout nu, toi, j'ai l'impression. Bah, j'ai 3, mais en fait, il est pas allé jusqu'à 3, le con. Bon, bah tant pis. Faut plus lui mettre quelques dégâts là, très pire qu'à 96, hein, mais. Non, je mets des petits pièges. Il faut le tuer avec un bon compagnon. Le compagnon! Moi, je vais pouvoir avoir un compagnon au prochain tour. Oh, gros cerveau. En vrai, il me faut de la flotte. Mais putain, ils vont dans mes pièges, les cons. Et en plus, ils ont 1 HP, du coup... Fais chier, parce que j'ai besoin d'avoir 2 pièges, moi. Mais bon, c'est pas grave. Je vais avoir 2 pièges avec le... Ouais, là, je vais faire un combo de fou, là. Qu'est-ce que le jeu change de Dofus? Bah déjà, Jiraiya et moi, on y joue, donc c'est genre le meilleur jeu, en fait. Effectivement. Attendez, je vais faire on ça. Va bientôt faire une guild, gros. On va être là, les meilleurs. Tintanananana. Oh là là, bah attends, mais t'as des AOE, mon con. Ouais, mon con. Par contre, le seul truc que... Bah après, je pense que ça, c'est comme dans Dofus. J'aimerais bien pouvoir tourner le plateau. Ok. Ah, d'accord, ouais. On peut le tourner un tout petit peu, mais... Moi, ça me dérange pas. J'ai pas la... Je sais pas. Non, mais des fois, tu sais, il y a des gens qui sont derrière. Enfin bref. Oui, je vois ce que tu veux dire pour certaines visions de perspective. Mais là, tu vois, comme les décors sont pas les mêmes. Je sais pas. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Après, ils invoquent des petites merdes là à 10. Ça va pas nous embêter trop longtemps. Mais faut que j'invoque du compagnon, mon ami. Ouais, je peux pas le pousser, sinon je le tue. 33 dégâts et il a 34 HP. Je la tente? Non.
Et voilà, mon gars, 33 dégâts. Ok, hop, il faut vraiment que le compagnon soit le... T'inquiète, le compagnon arrive, il est là. Oh là là, magnifique. Oh, compagnon. Il est trop stylé, ton compagnon, par contre. Je te le dis, voilà. Ouais, merci. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça, petit piège. Puis je vais le pousser dedans. J'aime. Tu as 23 dégâts. Rien de fou, mais... Non, mais très bien. Ah, mon compagnon, il est stylé. On dirait un perso principal. Tu sais, on dirait un héros. Ah ouais, on dirait un mob. Enfin, ça pourrait être... C'est un yop, en fait. Je crois que c'est un yop. C'est un héros, ça, c'est un yop. Ça, alors là, pour connaître un petit peu, je te le dis. Ça, c'est directement du yop. Putain, mais il fait pop des petites merdes qu'on dise de dégâts, là. Oh, ça nous fait chier. Ok. Oh, tranquille, hein, c'est win, hein, je pense. Ok. Est-ce que je fais ça? Il est full vie, lui? Mon compagnon, quand il est full vie, il fait le double des dégâts, au cas, hein, au cas où. Ok. Donc il fait 32. C'est beaucoup, hein, 32. Je le mouille. Je me mets là. Ok. Ah non, j'ai qu'un seul point. Ok, je te l'envoie. Tu me l'envoies? Ouais. Oh oui, ça c'est bien ça. J'ai pris moins 6, ouais, mais c'est pas grave. En vrai, c'est bien parce que je vais pouvoir le pousser sur mes pièges après. Plus... Et tue ça au pire avec mon compagnon. Aller juste... Ah non, il faut pas que t'ailles dans les pièges, je peux pas. Est-ce que. Je suis trop con là, les gars, ce que je viens de faire, mais bon, c'est pas grave. It's ok. 32, ouais, c'est pas mal. En fait, je croyais qu'on appuyait sur la réserve et que c'était... on pouvait l'enlever le point. Soit je le mets, soit je le mets pas, j'ai appuyé comme un con. J'ai juste perdu un point de réserve, mais c'est pas grave. J'ai dit, il y a un donjon un peu à droite sur la map où vous êtes, ça permettra d'avoir un peu plus de loot et de difficultés. Ah ouais, bon, carrément, attends, mais là, nous, on est parti en mode bouffe-tout, tu vois. C'est juste, c'est pour le lore. Merde. Mais Xav, après, on part en donjon. On peut partir en donjon, ouais. En donjon. Merci pour les subs et resub, évidemment. Vous savez que je remercie à la fin parce que je suis avec Zary, on va pas fouder le vocals. Par contre, je suis... Ah, con, mais j'ai pas eu un spell d'eau, là. Ils arrivent maintenant. Alors qu'on a, on a fini, je pense. Eh bah dis donc, tu nous la régales. Ouais. Tu bon, m'as... j'ai mis des pièges qui m'ont pas servi, ils sont partis les mecs. Ils ont pas voulu... pas voulu faire les malins. Ouais. Mais après, eux, ils s'explosent, donc ils sont à chier. Ouais, il y a le dernier, le petit, là, 38. Ouais, ouais. Voilà, tu finis avec le compagnon. Les combats sont longs, bah ça, c'est un jeu de stratégie, frère. Ça va pas être fini en deux tours, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Bah oui. Bah oui, monsieur. Ok. Tout Bah, je vais là. Bien joué, c'est mec. Terminé, okay. Mon pote. Ah non, c'est pas terminé, il est là-haut. Bah oui, tu l'as. T'es en mode, tu t'es parti, mais. C'est vrai, je suis trop con. Je l'avais pas vu avec. Bah, justement, tu parlais de tourner. Ah, mais tu t'avais rien pour le finir, là. Premier degré, je ne l'avais pas vu. Non, j'avais un sort qui coûtait 5. Ciao. Ciao, Bella. Le challenge est réussi, mon ami. Oh là là, un nouveau sort. J'ai boum. Boum. Du kaboum. Déclenche explosion 11 autour de la cité. Je prends les nouveaux sorts, mais je les lis pas, je les lirai plus tard. Oh, t'as eu un anneau et un compagnon. Ah bon? Ouais, t'as eu recrue indomptée. Ouais, le petit compagnon. Quand t'attaques, ça te fait piocher une carte, c'est pas mal. Bon, une carte à 6, mais c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est un anneau, apparition d'un de vos compagnons, qu'on fait attaque à un arme. Oh putain, mais c'est trop bien ça, l'anneau, c'est fumé. Non? Ou j'ai mal lu? Merde, j'ai que des compagnons que je peux pas invoquer. Ah non, faut faire apparaître un compagnon, qu'on fait son attaque. Lui, il est épique, lui. Ok. Bah, peut-être qu'on en est. Ouais, je prends le épique, hein. Je prends les mecs les plus rares. Ah, il y a lui aussi qui est épique. Hop, les spells, celui-là. C'était pas mal. Je prends Flopin. Et alors, quelqu'un m'a dit que j'avais un compagnon qui pouvait être sympa avec mon gameplay. J'avoue que tu n'invoques pas beaucoup de compagnons, lui, même, tout à l'heure. Même hein. Jamais, hein, c'est terrible. Ouais. En fait, il faut que tu prennes au moins, je sais pas quels sont tes aimants, mais c'est bien de prendre un compagnon qui vaut pas trop cher, parce que ça fait toujours une unité en plus, tu vois. Ouais, mais le truc, c'est j'ai que... J'ai un compagnon nul. Mais mes compagnons coûtent pas cher, hein, frère, ils coûtent 2. Bon, il y en a qu'un qui coûte 3. Alors, qu'est-ce deux, que tu branles? Mais ben, en fait, quand j'ai la main, j'ai jamais une main qui me permet de les invoquer. C'est... Parce qu'en fait, souvent, c'est genre 2-1-1, tu vois, ou des trucs comme ça. Mais Wow, attends, j'ai un anneau, là. Début du combat, ajoute un sort qui coûte 40. Peut-être que je devrais me focus que sur un seul élément aussi. 40, il coûte le sort. 40.
En fait, il coûte 40, ça me la met dans ma pioche. Et lorsque je joue un sort d'eau, ça rajoute 10% de dégâts au sort et ça enlève moins 5 points d'action. Donc, en gros, c'est un finisher pour un combat de boss, ça je pense c'est fort. Parce que du coup, à la fin, il fait genre 70 dégâts d'un coup, quoi. Bon, je prends un truc au pif, de toute façon, je prends juste les raretés, là. Attends. Ça, c'est pas mal. Ouais, je devrais peut-être... Non, les points d'invoque sont pas en commun. Hein. Non, non. Chacun le sien. Tu regardes en haut à gauche, chacun les siens. Pas mal, ça. Je vais le prendre au cas où. Ouais, je vais essayer. Vois un voire deux éléments. Surtout pour débuter. Ah, vous avez raison. En fait, j'aimerais bien quand même avoir ça. Donc, je vais partir sur... Je vais partir sur de l'eau et du verre, là. Donc, je vais enlever le feu, je pense. Hein. Le feu, tant pis. Hein. Mais moi, en j'ai fait, pris, par exemple, tu vois, vu que moi, je fais beaucoup d'eau, dans mes compagnons, j'ai pris que des mecs d'eau, quoi. Ouais. Moi, je vais me focaliser que là-dessus. Je vais garder ce qui me donne archer, et puis basta. Hein. Ça me donne archer. Ça, non, c'est je vais pas faire vrai. Ça. Mais après, les gars, j'ai pas 50 000 spells aussi, donc c'est aussi pour ça. Hein. Je vais prendre de l'eau. Archer, ça je peux l'enlever, c'était quand même pas mal. On va faire ça, on va enlever elle, je pense. On va prendre un truc avec de la flotte. Ouais, je peux plus mettre ça, c'est tellement fort ça en vrai. Parce que... Mais le attaque plus 1 jauge haut, c'est... Ah, c'est quand il attaque. Ah non, mais si, en vrai c'est bien ça. Je suis con, j'ai mal compris le perso. Bon, c'est pas mal, il y a celui-là aussi. Piocher votre prochain sort à 6 points d'action ou plus, ça peut être cool. Vas-y, on va tester comme ça. D'air, en vrai, Will Smith, il est fort. Will Smith, Will Smith, ouais, il est où? Attends, comment ça, Will Smith? J'ai Remington Smith, mais c'est du feu qu'il faut. J'ai pas Will Smith. Will Smith. C'est quoi, c'est un donjon, en gros, j'ai beaucoup d'eau et j'ai un peu de violet, je sais pas ce que c'est, violet. Tiens, il y a la bergerade, gros. Ça peut t'intéresser, peut-être. Allez, go. C'est le donjon. Donjon de ouf, je prends ça. Oh là là, on a des... Ah ouais, là, on va avoir des dingueries, là, gros. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'ai l'impression, c'est le jeu est très généreux. À chaque fois qu'on fait une quête, on a un 3 coffres, frère. Ah, peut-être qu'on a full chat, hein. Non, 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 c'est marqué au début. Oh, regarde, j'ai changé. J'ai un nouveau pet. J'avais même pas fait gaffe à ton pet. Ah. Tes membres de votre groupe ne sont pas arrivés, samedi. Oh, c'est bon, je suis là. Ok. Oh, j'ai pris moins 40. Bah, pareil. Non, mais c'est moins 40 les pourcents de vie, ouais, c'est le truc de vie du début. Ouais. L'adversaire ciblé doit être achevé quand votre héros est sur la case du centre du plateau. Non mais trop chiant. Ça va. Ouais. Bon, après il a 68 HP donc ça va. Tu peux un peu le défoncer et je me mettrai au milieu et je le finis. Je vais faire ça et... Bien joué, mec. Oui, non, non, en fait, les trucs d'invocation, elles sont ici à gauche, là. Vous voyez. Moi, j'en ai deux, et pour l'instant, j'ai dit, il a pas joué, donc il a zéro. Tu veux qu'on flingue le. Celui à 163 en premier, ou. En vrai, tu peux. Celui à 163, ouais. Après, on peut. Je sais pas, est-ce que tu peux mettre 68 de dégâts ou... en te mettant au milieu, là, ou impossible? Je pense que c'est pas... Ouais, fume le 163. Attends, 68 de dégâts. On focus lui. Tranquille, hey. Donc, vas-y, c'est cool. Ça vient mieux, les lags. Plus aucun lag. Presque plus. Moins 40. Ouais, c'est bon. Je tape un peu. Ça fait du dex là, mon pote. Ah, y a du dégât et ça stack directement pour les compagnons. Par contre, il se téléporte, le mec. Après, que pour lui, on s'est chiffre. C'est vrai que j'ai beaucoup de violets alors que. Je devrais peut-être enlever ça, je pense. Oh là, les gars. J'avais joué à Dofus quand j'étais gamin, quand j'étais en seconde, très exactement. Mais pas plus que ça. Pour être honnête. Aïe, 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 aïe. Je te le laisse du coup.
Comment ça tu me le laisses? Ah putain, il a 4 HP. Bah il a 4 HP, tu l'as pas tué quoi. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ah non, mais c'est pas lui, putain, c'est lui, c'est celui qui a 68 là-bas qu'on ouais, ouais, t'inquiète, ah, t'inquiète. Bien joué ça. Comme ça, et lui. Ah merde, ça... Ah, j'ai trollé. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû détruire le piège en fait, parce que même il a un coup gratuit, ouais, je savais pas. En gros, j'ai un truc qui réduit les coups de mes sorts, mais si tu fais un sort à 0, bah ça compte comme. Comme enfin, la réduction elle s'applique sur un sort à 0 aussi. Ouais. Donc, j'ai un peu trollé. J'ai un peu trollé. Ce que j'utilise. En fait, si je fais ça, normalement, je descends à 5, mais je pourrais descendre à 5. Ouais, je peux plus l'utiliser, mais si je fais ça, j'ai ça. Donc là, je peux l'utiliser. J'ai dégagé, je pioche 2 spells. Ensuite, je fais ça. Et, voilà. Et là, j'ai mis une belle branlée, comme on dit. 4 HP, ça dégoûte. Il a pris très cher, hein, le bug. Oula, oula, je m'envole. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sais pas ce que c'est le moins 10 doré là qu'il a eu. Je sais pas. Attends, je vais faire ça. Bien joué ça. Réfléchis. Là j'ai beaucoup de flottes que je vais pouvoir jouer dans le 1-1 et 2 ici. J'ai pas trop envie de jouer ceux-là, c'est chiant mais. Ok, bon, je vais taper. Machination. Ah, j'hésite. Ça me donnera archer. Ça me donne pas archer. Celui-là. Ok. Bah, ça me coûte tellement cher, les spells. Quand je le tue là. Tu le one? Magnifique, mec. Magnifique! Je te le pousse sur toi. Vas-y, pousse-le-moi. Super. Ok, let's go. Salut les gens qui arrivent. Ok, je te le pousse sur toi. Et moi ça me fait des dégâts quand tu pousses par contre. Je sais pas pourquoi mais... Ça met moins 6, tu me dégoûtes. Mm-hmm. Toujours pas invoquer un seul compagnon, bien joué à toi. Je te trouve très dur. T'es chaud hein, avec les compagnons toi. Non mais là c'est dur. En fait j'ai pas les bons spells pour invoquer les compagnons, ça dégoûte. Mec, y'a aucun sous frérot. Ça dégoûte. Prochain tour, y'a un monde où j'invoque un compagnon hein. Bah prochain tour, je sais pas s'il y en aura un. Hein, lui, il va mourir. Ah ouais, non, t'as raison, y'aura pas de prochain tour. Je pouvais l'invoquer là tout de suite. Non, lui, j'ai pas 2 1 1. Il va mourir aussi. Hein. Non, je pouvais pas l'invoquer. J'ai pas ce qu'il faut les gars. Oh non, il lui reste 5 HP. Oh non, dommage. Sauf que ta-ta-da ! Oh, le compagnon de malade ! Mais en fait, je vais même pas l'invoquer, je vais juste le pousser dans le piège. Ah, j'arrive pas, ça lag. Hop. Et c'est terminé. Terminado. Allez, ça nous donne quoi ? Je vais monter ça en level. Ouais, oh, il y a du compagnon. En fait... Il faut que je change juste un compagnon et on est bien. Oh, t'as eu un nouveau compagnon aussi? La soigneuse corrompue, mec. Non. Si, je te le dis direct. Et moi, j'ai eu l'éclaireur d'élite. Pas mal, mais ça me sert à rien, la soigneuse. Ça marche, bah on fait comme ça. Attends, j'ouvre mon coffre. Waouh! J'ai eu du mythique. Orbe haut. Début du combat, ajoute le sort orbe haut à votre pioche et orbe haut. Lorsque vous jouez une orbe... Attends, un autre sort haut, plus 10% aux dégâts de ce sort... Et moins 5 points d'action à son coup. Mais c'est trop fort! Attends, mais je prends ça tout de suite. J'ai même pas envie de regarder le reste. C'est complètement turbo broken. Je prends ça, mes équipements, orbe haut à la place de. Attends, mais pourquoi on est encore dans le donjon là? Parce que c'est un donjon! C'est un donjon, mon ami. Attends, lance pas tout de suite. Hein. Pas mal ça. Ouais. Je me demande si je devrais pas enlever ça là.
On va faire ça. Ok. Et en compagnon, je vais retirer celui-là qu'on peut jamais invoquer parce que j'ai beaucoup... Ah merde, j'ai que 7 sorts. J'étais en train d'enlever tous les sorts, j'en avais plus que 7. Ça. Est-ce que je mets... Bah non, enfin bah celui-là je l'ai tout le temps, donc ça ne sert à rien, faudrait que je prenne ça quoi. Allez. On l'améliore. C'est bon les gars, c'est bon, on est très très bien. J'ai ce nouveau sort, déclenche rebond si la cible est éventée. Ça sert à rien, parce qu'on n'a pas de rebond ici. Voilà. Ça c'est quoi? Plus selon la mire motivante à votre héros. Pas pour l'instant, on garde. Je suis pas trop mal, hein. On a 25 points aussi. Alors attends, inflige. Je suis pas ready là. Ah, ça peut être des combos sympas. Pas ready, je suis pas ready, j'arrive. Oh. Pas mal ça. Bon, celui-là, les gars. Je pense ça. C'est ça, on est d'accord que ça a boosté ça là. Ah non, c'est pas le même. En fait, ça c'est bien. C'est bien pour éventer, mais ça coûte trop cher. Donc je vais remplacer ça par ça. Mmh. Oh, mais ça c'est fumé en fait. Enfin, c'est fumé, c'est fort. Attends, j'ai remplacé. À chaque fois que j'utilise un compteur d'archer, ça déclenche tous les archers lorsque vous jouez sur archer. 50% des dégâts de ce sort. Mais du coup, si je le stack, waouh, mais c'est pas mal en vrai. Wow. Voilà, dinguerie, frère, c'est une folie. Je vais dire, c'est une folie. Putain, c'est con, j'ai pas les pièges. Ok, on y va. Pièges, là. Attends, j'arrive 2 secondes. T'inquiète. Je t'attends devant. Ça va se faire bouffquette, mon pote. En fait, ça, c'est pas ouf. Attire la cible sur un piège, mais en fait, vu que je peux pousser les cibles à chaque fois, c'est pas ouf. Je pense que c'est mieux de faire ça. Comment tu as ce skin? Tiens, je te montre, regarde. Ah bah non, si je peux te montrer. Ah oui, c'est vrai que moi j'ai pas acheté de skin. Skin, moi. Regarde, hop là. Donc le skin de base, il est ici. Après ça, c'est les skins bah, femmes, hommes. Là, il y avait celui-là aussi. C'est con, mais mon skin, le skin de base, je le trouve plus beau que les autres skins, moi. Ouais, sur les tiens. Bah moi, j'avoue, le skin de Zeus, je le trouve assez stylé. Donc voilà, je l'ai pris. Oui, pas mal, même. Donc il a un peu de gueule, quoi, les gars. Ok, on va. Il y a une qui donnait x2, une qui donnait x1. J'ai pris la x1. Ah bon? Oh, je sais pas. Là, je crois que je suis pas mal, hein. J'ai juste de la terre qui sert à rien, mais... Ok. On a du coffre à ouvrir, les gars. Vas-y, c'est... je suis prêt. T'es ready? Attends, j'ouvre mes coffres. Bam. Ça lag un peu, mais tranquille. Ça m'a donné des compagnons. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup, c'est du violet et de l'eau. Violet. Ah, bah tiens, ça, typiquement, c'est parfait, ça. Piocher un sort. Bah, on va prendre lui. Et celui-là, je l'aime bien. Il a une belle gueule. Ma bouffetonne, ma petite bouffquette. Allez, ma petite bouffquette. Attends, avant de lancer. PVM et PVP, ouais, il y a tout. Je comprends de l'équipe. Oh, man! À nos cyprès, lorsqu'un de vos compagnons terre attaque, déclenche rocher énorme. Bah, je vais le prendre. Et en anneau, lorsque vous piochez un sort haut, 50% de chance de réduire son coût de 1 point d'action. Mais en fait, j'ai plein de sorts haut. On va prendre ça. Ok, ah désolé hein, bro, j'ai ouvert deux trucs là, ça change tout quoi. Ça change tout mon build. Est-ce que j'enlève pas ça? J'enlève celui-là je pense. Et je tente pour les spells hauts, non? J'ai tellement de spells hauts, c'est trop fort. En vrai de vrai. Et celui-là on peut le monter. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cliqué par réflexe sur un truc pour l'améliorer. Oh non, ça change rien. Hein. Bah si, ça m'a pris 500 quand même. Ouais, c'est pas grave, bah, ça a pris jouer tout, le sort. Ça a pris tous mes camés. Non, c'était pour l'anneau si près. Par réflexe, je pensais que ça coûtait 50, je dis oh, je vais l'améliorer. Les compagnons terre, ouais. Bah, c'est un compagnon terre, lui, non? Il dégue un peu ou pas? Ah, ouais, j'ai un peu le Sum 41, hein, comme on dit, mais bah, vous savez quoi, je vais jouer l'anneau, hein, je vais jouer la tour, on a pas le choix, hein. On va jouer l'anneau. Hein. On va essayer d'invoquer les compagnons terre, hein. Oh, compagnon! Ok, c'est on y va ou... J'y suis. Ok. Bon. Ah, je suis deg.
Mais ça va se faire, ça va se faire. C'est Bouffeton, besoin de savoir qui c'est le maître ici. Ok, on a pris lui, on a pris lui. J'aimerais bien invoquer. Bah, j'en ai deux des compagnons de terre, donc en vrai, ça devrait aller. Hein. Et on va faire du stacking avec les sorts archers. Pardon, c'était à moi. Désolé, j'étais vas-y, pas. Vas-y, alors, t'inquiète, y a pas de sous, mec. Hein, vas-y. Oh, hein. on a un mec. Alors attends, c'est quoi le challenge? L'adversaire ciblé doit être achevé avec un sort, donc pas de piège, ok? Focus le mec là, lui, là. Tu veux focus lequel? Bah, pourquoi il a pas attaqué l'autre? Lui, là? Ouais, il l'a pas attaqué. J'ai raté? Ouais, bah, pourtant, non, c'était marqué. Regarde, en bas, dans le truc de... Bah, peut-être qu'il le soigne et... En fait, peut-être que c'est juste un healer. Mouais. J'ai l'impression que je me suis fait baiser. J'aime pas trop me faire baiser. C'est un healer, on est d'accord. Ouais, c'est moi ce que je pensais. En fait, ces points-là, c'est, tu les mets sur toi, je pense, et ils te heal, non? C'est pas ça? Ouais, ils soignent, ouais. Je pense qu'on va en avoir besoin. Du coup, tu l'as c'est envoyé dans la mêlée. Je peux attaquer... Bon, je peux attaquer que lui, mais... Ah bah ouais, du bah coup, du coup... Aïe, l'erreur. Voilà, c'est pas grave. Je vais mettre piège. 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 Moi, j'ai fumé lui, là, dans un premier temps. Vas-y. Je suis mis 75 quand même. Ouh, c'est pas dégueu. Hein. Bon, en fait, tu peux le finir techniquement, le gros là, chef de guerre. Parce que le chef de guerre, c'est troupeau, il me donne 19 points d'armure à tous les mecs qui sont autour. Donc, ça peut être pas mal de le tuer en vrai. Tu veux que je le tue? Ouais, bah 48 HP, tu peux le tuer facile, je pense. Est-ce que je fais ça? Ouais. C'est un healer, mais du coup, il peut pas taper? Ah non, ok, oui, je viens de voir. En fait, quand tu cliques sur lui, ouais, il te heal. Et du coup, tu peux me heal, moi, parce que j'ai perdu de la vie. Tiens, plus 11, mon pote. Ça te régale ou pas? C'est un peu naze, hein, mais ouais. C'est vrai qu'on a connu mieux. On a connu plus fort, quoi. Tu veux que je lui mette des dégâts au bug? Le mec en face? Ouais. Vas-y. C'est lequel qu'il faut tuer avec un sort? Okay. Faudra que tu le tues parce que moi j'ai pas de sort en fait. Presque pas de sort qui font des dégâts. En ouais, fait. Je vais y aller. Là okay, j'ai stacké. Les pièges. J'ai stacké les quelques éléments, c'est pas mal. Oh là, qu'est-ce qu'il me fait? Aïe! Le malade! Oh, il m'a mis moins un point de mouvement ou je rêve? Ah ouais, putain, c'est ouais, ouais, en fait il y a des sorts qui volent des points de mouvement. Ah, ça c'est une dinguerie par contre. Pas mal, ouais. Je pense que je vais le pousser. Ok, alors. On va faire ça. Est-ce qu'il y en a un que je peux tuer là? Je peux tuer le 69. Bon, je vais tuer le 69. Hein. Il a que 34 lui. Attends, 4, 5. Oh, mais il a 100 HP lui, putain, ah non, ça va être un peu chaud à tuer. Merde, je suis trop con, j'aurais dû faire ça pour avoir le sort poussette en plus. Non, c'est pas grave. Ouais, hein. Joli, mais j'ai bien envie d'essayer de l'invoquer elle. Oh, vas-y. Tu invoques là, t'invoques? Non, il va pas invoquer quand même. Je pense que je peux le invoquer. J'invoque tout le temps le même. En fait, j'ai une. Lui, il coûte 4 dos et j'ai une meuf qui est épique qui coûte 5 dos. Mais à chaque fois, j'ai envie juste d'invoquer direct. Bah, tu sais quoi? Je vais commencer à lui faire du mal à lui. Putain, oui, j'ai plus que un. Oh, non, comment j'ai poussette à chaque sort? Ouais, c'est trop fort ça. C'est mon passif. Fait qu'à chaque fois que je fais une attaque, je gagne poussette. Du coup, c'est trop fort. Ouais. Je gagne un piège et poussette. Mais du coup, je mets un piège, je le pousse. Écoute, ce qu'on va faire, c'est ça. Ça fait du bien là où ça fait mal. Rah, je me suis gouré, les gars. Dans ma tête, je sais pas pourquoi ça allait coûter un. Ouais, j'ai mal géré. Mais par contre, du coup, vu qu'il est à 2, ça veut dire que ça proc sur le passif de l'anneau, là. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Attention, c'est lui, là. Hein. C'est lui qu'il faut tuer avec des spells. Hein. Ouais, j'ai bien vu, ouais. Du coup, je peux faire ça. Pas mal. Et ça.
Magnifique, bro. Magnifique, bro. Y'a rien à dire, en fait, bro. Et compteur d'archer. Alors, on l'a, ce spell-là, avec le compteur archer à 2. Je pense qu'il y a un monde où ça va faire énormément de damage. Regarde, il a 5 points. 5 points de dex. Oh, vous savez, nous, on n'est pas... On n'est pas gourmand. On va... Ah, je joue ta classe, je gagne le piège, mais pas poussette. Ah oui, c'est un équipement qui me donne poussette. 33, je suis très déçu des damage, c'est à chier. Par contre, il y a un mec qui a 5 HP au cas où. Hein. Oh là là. Non, oui, on va le finir, mais je suis dégoûté. Il y avait deux cons, on avait deux compteurs archers dessus. Mais ça faisait 50% de dégâts supplémentaires de mon attaque. x2 du coup. Je pensais vraiment que ça allait taper 50 balles. Tu te régales ou pas 50 dégâts, pardon. Tu te régales ou pas, Gigi, pour le moment, en vrai? Ah oui, en vrai, le jeu est vraiment bien. C'est pas aucune vanne, hein, OP. Enfin, de toute façon, là, les gars, il est 20h14. Techniquement, on est plus en OP. Hein. Donc, moi, je suis en OP encore. Hein. Voilà, je vous le dis. Je vais faire 50 heures, moi. Si c'était 2 heures de live, l'OP, ouais. Si on continue de jouer, c'est qu'on se régale. Hein, sinon, on aurait vite arrêté. Je sais pas si ça stack le sort. Bah, si, puisqu'il y a des compteurs. Quand je l'ai utilisé, attends, regarde. Quand je l'ai utilisé, là. Tu vois, compteur archer, c'était à 2. Donc, je suis un peu deg, quoi. Un peu deg, je vais pas mentir. J'espère qu'on va avoir des dingueries en récompense de ce donjon, les amis. Par contre, pour putain, de l'early... à chaque fois, je laisse à 0 HP, j'ai envie d'hurler. Pour de l'early access, je pense qu'on a quand même pas mal de contenu. Ok. Oh, fais chier. D'accord. Juste faire ça. Oh. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un compagnon de ta part. Mon compagnon. Attends, mais c'est un gangbang là. C'est fini pour lui là. En vrai, mon compagnon, à chaque fois que tu le fais taper, ça donne plus 1 en eau. Tu vois, ça t'a donné plus 1 à toi. Si t'avais. Oh, si t'as... trop fort. Ouais, du coup, je peux invoquer mon compagnon. Voilà, exactement, le compagnon. Donc, c'est pas trop mal. Je vais le tuer si je l'attaque. Dommage. C'est gagné. Le joli DVD. Par contre, on gagne tellement d'XP. Let's go. Je vais prendre des spells verts, les amis. On va en avoir besoin. Oh, c'est pas mal, ça. Oh, tu t'es régalé. Un point d'action à la réserve de la cible. Bien, ça. Prends ça. Mais ça le met dans ma réserve à moi. Mais attends, mais ton destination finale inflige 25 dégâts. Un adversaire aligné sur vos pièges. Attire un piège aligné sous la cible. C'est pas mal, oui. Bon, on attend que le Xav ait fini. J'ai un nouveau compagnon, moi, en fait. Là, il faut qu'on regarde... t'as un nouveau compagnon, lequel? Celui qui coûte 3 là. Ouais, je l'ai aussi. Mais... Attends, il y a les coffres. Ouais, il faut que je me mette plus de. J'ai eu de l'épique. Vos pluies ont le vol de vie. Faut que je m'enlève. Ouais, mais ça, j'en ai. D'accord, mec. Ouais, je le prends, il est épique. Tir écrasant. J'améliore, tir écrasant. Ah, pas mal ça en vrai. C'est ça, ouais. J'ai pas plus, hein. Je n'en ai pas plus, les gars. C'est ça qui m'embête, c'est que je peux pas me focus sur un élément au final. C'est ça qui m'emmerde. J'ai tout mis là-dessus. Ça, j'ai gardé parce que ça donnait archer. Là, on n'a pas. Ouais, non. On va rester comme ça. Mais comme il y a eux, ça donne 2. Ça donne 1. Et ouais. Et ça donne 1. Je vais peut-être enlever ça en compagnon. Prendre un truc qui coûte peut-être un peu moins cher. Genre ça, quoi. Piocher, attaque, piocher un sort. Mais c'est incroyable, c'est trop fort ça. Faut qu'on prenne lui, la championne brocheuse là. La broche. Attaque. Trop fort. Non, mais je vais pas mettre ça en broche, vous êtes fous, quoi. Si je mets ça, les gars, on perd. Hein. Le Frankenstein, il nous casse la gueule. Hein. Non, mais oui, il te troll, hein, gros. Alors... Ok, on continue. Ah merde, ça c'est lent. Ouais, je suis là.
La v'là. Qui c'est que celui-là? Il va rendre Bouffquette maintenant. Rendre Bouffquette maintenant. Oh, Sir Bergerax. Avec elle, les bouffes Toussaint repeupleront le monde. 50 heures, c'est pas possible. Non mais je troll au cas où. Oui, c'est que des, c'est que des bots, Kent. J'ai botté mon live puisque c'est une OP, donc j'ai un peu loupé. Je voulais avoir 10 000 viewers, on est que 3000, donc. Ah merde, putain. Ouais, ouais, dommage, dommage. On dit bot quoi. Challenge, c'est quoi mon pote? L'adversaire. Attends, on a un bouffe-tout à nous là. Attends, on doit le protéger? Non, l'adversaire ciblé doit être achevé avec l'attaque de votre héros. D'accord, donc on est obligé de le tuer à l'auto-attaque. Lui, faut lui sauver la gueule, non, je pense. Ou pas du tout. Non, je sais pas, c'est juste il est avec nous. Ok. Bah, tu vas tanker. Il a mis un 14 dans ça. Va juste tanker. Lui, c'est notre soigneur, on va le mettre là. Nous, tu sais quoi? On va faire ça. Ok, est-ce qu'on a déjà du combo ou pas? Non, mais on a. Comment on fait pour lancer des quêtes à deux? Il y a certaines quêtes que tu peux faire à deux. Faut que tu vérifies les quêtes que tu peux. Ok, ça je peux pas. Les quêtes que tu peux pas. Ok. Putain, mais t'es parti là, t'es à l'autre bout de la map toi maintenant. Il a plus 45 HP, tu l'as lavé là? Ouais, j'ai mis tous mes spells, j'ai presque tout mis. 298 HP l'autre hein, quand même, il rigole pas. Hein. Ouais, ouais, gros tank. Hein. Ah, juste envie de botter les amis. Allez, l'armée des bots, réveillez-vous! c'est un chat calme, hein, ça discute tranquillement, pas besoin d'hurler. Hein. Eh ouais, mon pote. Ah, fait chier, j'aimerais bien. Ah, je sais ce que je vais faire. Le FC bot. Ça fait du bien là où ça fait mal. Normalement, je peux faire ça et ça. Et là, ça me donne un point d'action là. Oui, monsieur. D'accord. Et ensuite, je peux. Bah, pas mal hein. Là, on a fait un tour plus qu'honorable. Moi, j'avoue que j'ai traversé la map, mais. Un petit moins 53 dans sa mère. 44. Et c'est bon, on est pas mal. Faudrait que je crie. Par contre, j'ai l'impression, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression que tant que t'as pas utilisé tous tes sorts, tu peux pas repiocher les anciens. Bah, j'ai, c'est en mode ils vont dans aussi, la défausse. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que j'ai l'impression. Je crois que tu dois te vider de ta main en fait. Ouais, c'est ça. Tu dois te vider de tous tes sorts. C'est pour ça que pas mettre trop de sorts, c'est bien aussi. Ok, donc là, je suis. Au secours, à l'aide. J'avoue, tu te fais. Attends, par contre, en vrai, on troll, mais. Je me fais hagar. Il est passé où notre healer là? Bah, il est mort. Il s'est fait one shot? Bah, c'est bien l'impression que ça me donne, mon ami. Il s'est fait laver là. Colle les trois pièges, je ferai plus de dégâts. En fait, attends, je vais expliquer parce que. Ok, pas mal ce que je viens de produire. Ouais, bon là. Alors. J'avoue qu'ils ont l'air de pas trop rigoler, non? Ils vont nous bouffer. Ils rigolent zéro, frère. Par contre, j'ai utilisé 10 000 spells. J'ai un partout. Pour rien invoquer là, ça rend fou. Compteur archer 2, mais ça suffit. Oh, 35, il reste 4 HP, j'ai envie de hurler. T'as envie de léhur? Ouais, c'est pas grave. Je vais faire ça. Ça, je vais tuer en auto-attaque. Je vais faire ça. Ouais, non, j'ai pas envie de l'utiliser sur lui. Oublie pas, ouais, ça. Oublie pas celui qui a 196, on a le time, hein, mais c'est, il faut le tuer avec notre attaque. Quoi. Ah merde, c'est lequel? C'est le gros, t'inquiète. Ah ouais, ok. Ensuite, je vais faire. Ça. Voilà. Ça, je vais le stacker, ensuite, ça, je pense. Ah mais non, je crois que j'ai touché, de toute façon. Je pousse lui. Et ensuite, j'invoque un tout nouveau compagnon! Non, un nouveau compagnon! Oh compagnon! Oh là! Oh le buzz, fin du buzz. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, c'est 4 pas. De dégâts, c'est énorme. Non mais il avait 90. Je sais. Il fait alors quoi? Alors attends, elle fait quoi exactement? Apparition et début du tour, plus 1 aura une... mire motivante s'il est l'unique compagnon allié en jeu. Ah. Bah tu fais bien de le jouer avec moi. Hein. Libéré lorsque vous jouez un sort sur un adversaire, inflige 3 dégâts à la cible. Ah, c'est pas mal. En gros, à chaque fois que... Oh mais attends, c'est trop fort. À chaque fois qu'il y a un sort qui est fait, ça donne un point d'action en réserve en plus. C'est fumé.
Attends, ah, c'est heal, ça, c'est un petit mec apparemment. Comment ça, c'est un heal? C'est un heal, c'est un mec quoi. Ah, je croyais que c'était une meuf. Attends, mais ça t'a donné un poids d'action dans ta réserve là? Non, non. Ah, si. Si, gros, c'est trop fort. Ah, mais c'est trop. Alors, chaque fois que tu tapes avec elle, ça donne un point d'action dans la réserve. Non, ah, non, à chaque fois que tu fais un sort sur un ennemi, ça donne un point d'action dans la réserve. D'accord. Donc, du coup, si tu refais un sort, ça te redonne un point d'action. Ah, attends, mais c'est le truc le plus fort du jeu, gros. Je pense qu'on va devoir. Par contre, il faut pas invoquer d'autres compagnons pour le faire. Bah, attends, ouais. Mais c'est trop fort, gros. Là, si tu fais un sort, tu gagnes un point en réserve ou pas? Ou ça le fait qu'une fois? J'ai non, fait un sort. Bon, non, j'ai pas gagné. Du coup, qu'est-ce que je fais, mon pote? Bah, je sais pas. J'invoque mon compagnon ou pas? Qui donne plus un dos à chaque fois qu'il tape. Vas-y. Invoque. Parce que de toute façon, elle va bientôt. Je pense qu'elle va mourir, la mienne. Elle a plus que 51, elle s'est fait focus sa mère. Ok. Un petit 16 quand même. J'ai fait fin du tour, mais je pense que c'est un peu ouais, laggy. T'inquiète. Un peu laggy. Ok, c'est bon. Ah, tu peux pousser contre un mur ou contre un autre mec. Ah, c'était Flopin. Bah, excusez-moi, j'ai pas les refs, hein. Putain, Flopin. Alors, à chaque fois qu'il tape, lui, il donne de l'eau, c'est ça? Ouais, lui, dès que... Vas-y, fais le taper là, de suite, il va donner plus un dos. Hop, c'est pour toi, plus un dos. Ça, c'est pas mal quand t'as des compagnons avec de la flotte. J'espère qu'il va pas mourir au prochain tour. Parce que j'avoue que j'aimerais bien récupérer le plus un dos. Ah, je sais pas. Parce qu'en fait, j'ai envie de focus celui qui a 127 HP, mais il va pas mourir. Je vais pas le tuer. Bah, mets tes spells sur les autres. Au pire, tu sais ce qu'il y a en haut, hein, si t'as des spells ou quoi. Ouais, mais je suis trop loin, là. Et parce que toi, t'as 150 HP, gros. Hein. Faut vraiment pas oublier que là, on est en train de se faire péter la gueule. Hein, Ah oui, merde. Ah oui. Ouais. Après, au pire, le challenge, je pense que je préfère ma vie plutôt au challenge, hein, gros. J'avoue, parce que là, si on wipe le donjon, jure, là, je vais les hurler. Hein. Ah, je l'ai tué, désolé, hein, mais j'avais trop peur de me faire fumer, en fait. Putain, t'abuses, mec. En vrai... J'avais trop peur de mourir, en fait. J'avoue que j'ai peu d'HP. Je pensais qu'on avait le soigneur, mais en fait... Bah attends, mais l'autre, il invoque des mobs à 80 HP. On est où, là? C'est quoi ce délire? Ouais, c'est le boss final. Ouah, on va se faire laver, gros. Oh, j'ai l'impression qu'on va se faire laver, frère. Je n'aime pas trop ça. Je tue le mob à 104, là, ou que les petits? Non, faut tuer la meuf, non? Tu crois pas? Ouais, il faudrait essayer de tuer la meuf, mais... Ouais, ça va être compliqué, là. Ouais, compliqué. Attends, je vais la mettre là. Ok, c'est je suis à deux. Ah, on a mal jaugé. Le problème, c'est que là, je dois vider ma main et ma main est plus, mais plus c'est mort, quoi. Nul. Là, chiffre, j'utilise ça, les gars, parce qu'au prochain tour, je peux invoquer le méga mob de fou, là. J'ai pas le sort qui évente. Je crois qu'il l'a enlevé, c'est pas possible. Ah, putain. Attends, on va faire ça. Ok, je peux invoquer un méga mob de ces grands morts, si tu veux. Si je fais ça... Après, en mais vrai, j'ai pris énormément de dégâts. Parce que le chef de guerre, en fait, il mettait énorme. Là, le bouffetou en face de moi, il met que 15, tu vois, c'est pas non plus... Je me mets là-bas. Je me suis échappé. Il faut qu'on se rejoigne parce que les autres sont un peu loin. Je pensais que ça me donnait un, mais je suis trop bête, les gars. Je pensais que ça me donnait un de dos, mais ça me donne pas un dos. Je suis trop bête. Tape avec le familiar. Je sais pas lequel je suis, là. Bah, fume celui qui a 80, hein. Faut... Oh, non. Enfin, oui, tu peux taper avec lui, on s'en fout, ils iront dessus. Mais toi, va sur le mec à 175, je me rapproche de toi. Comme ça, on s'éloigne du bousin, quoi. Bien joué, ça, ce petit critique à la 20. On me dit que si on tue l'invocateur, ça tue les invoques, normalement. Oh, je suis pas sûr à 100%. Ah, ça aurait été bien de le savoir avant. Après, il a qu'une invoque, hein, les gars. Il a que cette invoque-là. Hein. Le reste, c'est des persos qui étaient déjà là. C'était des mobs qui étaient déjà là. J'ai pas envie de faire ça, mais en même temps... Non, faut tout finir. Ah, on est d'accord. Parce que tout à l'heure, il y avait déjà eu des invocations. On a dû tout finir. Que ce soit des larves, des araignées, des machins, des nanani, des nanana. Ah, mais ça détruit pas le trap. Ok, ça va alors. Ah, je l'ai mis quand même cher. Hein. Ouais. Michiro, je crois que c'est tout ce que je peux faire. Ouais. Ça va, j'ai 137 HP. Oh, si, bon. Il y a les autres qui m'ont tanké. Oh, il meurt, fais chier. J'en avais besoin. Non, mais il joue combien de fois lui? Ça va, non? À l'aise, le bug? Ok, allez.
Broken, là, ouais, t'as plusieurs pièges. Ça marche que sur un piège. Mais par contre, Broken, s'il y a plusieurs mecs, ouais. Ah, enfin, j'ai ça, putain. Et... T'es la dernière carte de mon deck, je suis trop deg. Attends, je vais faire ça. Bon, moi, je vais pouvoir tuer... Ouais, je vais pouvoir tuer n'importe lequel, là, des trois petits. Je vais faire ça. Ah, soit celui à 72, celui à 80, je pense que je le tue. Tu le tues ? Ok. Ouais. Bah, je tue celui à 17, là. Je le finis. Ouais, tue le petit, ouais. Oh, putain. Oh, 13. Si tu peux le pousser, ça fait 4. Si ouais, mais malheureusement, je ne peux pas le sépou. Et donc, là... Je peux... Par contre, attends, si, regarde. Faut que tu le pousses sur quelque chose. Il est de retour. C'est quoi ça? Il confère l'attaque de ce compagnon en armure à mon héros. Let's go. À chaque fois que t'attaques ou c'est juste au non, moment, au moment de l'invocation? Ok. À l'apparition, quoi. Ok. C'est toujours une petite armure que je prends. Je tue celui à 72 parce qu'il a plus d'attaque en fait. Ouais, vas-y. C'est pas mal, les gars. On a pu faire de l'invoque là. Pas mal. Là, il y a double compagnon, tu peux y aller. Merde. Ouais, parce que celui-là, là, le problème, c'est qu'on aurait pu l'invoquer juste avant si on s'était pas fait baiser. C'est quoi le truc à 29, là? Orbe d'eau inflige 73 de dégâts. Lorsque vous jouez une autre orbe d'eau, moins 10% aux dégâts de ce sort et moins 5 d'action à son coup. Mais c'est trop fort, mais par contre, ça coûte 29. Ah oui, mais c'est ce que je t'ai dit. C'est le sort à 40. Ah ouais, mais bon... Mais pourquoi tu l'as, toi? Bah, parce que c'est un... comment s'appelle? Je crois que c'est mon bracelet. En gros, à chaque fois que tu fais de l'eau, ça fait moins 5. Ah, c'est pas mal en vrai. Ah non, ça repasse à 6, bon, c'est pas grave, on va faire ça. Bon, par contre, il va falloir tuer l'invoque, la connasse. Hein. Ok, c'est bon, je l'ai fumé. Là, c'est bon, là, on l'a gangbanged, je pense. Oh, quoi, c'est déjà fini? Tour de l'adversaire, tour de votre équipe. Bah, c'est magnifique, là, ce qui se passe. Ils avaient rien à faire, ils ont lavé. Tac. Ouais, faut le stack, quoi. En fait, le problème, c'est que je suis bloqué, là, par mon trap. Je me suis auto-bloqué, je crois. Je réfléchis, comment je peux faire pour le baiser. Par contre, est-ce que vous jouez un autre sort haut plus 10% dégâts de ce sort? Et moins 5 points d'action à son coup, c'est une folie. Hein. En fait, faut vous full stacker de l'eau, quoi. Full flotte. Faut que je fasse un full deck build eau, les gars. Eau et terre. Et que je joue avec ça, tu vois. Ça, c'est très bien. C'est pas mal. C'est juste qu'il me faut plus d'eau, quoi. Il faut des nouveaux spells d'eau. Nice. Un peu overkill, mais... Ouais, bon, j'ai plus de main, moi. Bah, c'est pas... ça te redistribue pas tes decks? Ah si, mais c'est juste que du coup j'ai plus qu'un sort à chaque fois, je suis en top deck, quoi. Je peux plus me soigner, donc. Je suis en top deck. Voilà, c'est bon, il prend sa part. Hein. Ouais. Comment ça, j'ai oublié quelque chose? Non, t'inquiète. Non, c'est juste qu'il n'y a plus rien. Et ça me dit, tous vos personnages n'ont pas joué. T'as joué avec les deux compagnons? Bah ouais, j'ai fait attaquer. Ah non, voilà. T'as juste pas attaqué toi? Juste pas attaqué, je suis con. Dans ma tête, j'avais bougé. Ah, c'est chiant. Attends, ok. Oh là, il prend sa part. Hein. Ah, c'est une fin de rêve pour lui. Hein. Le problème, c'est que moi, j'ai des trappes, mais je peux pas le pousser. Je peux pas les pousser. Je peux pas le pousser parce qu'il y a mes potes. Mais des trappes. Très très bien joué ça. Tiens, je te. Merci mec. Rien. Oh, il nous emmerde. Et quand même, hein, il nous met pas bien. 86 HP, ouais. Bah tu finis l'invocateur et moi le petit mouton je le finis après. Ouais, ça me le termine. Est-ce que. Ouais.
Attends, attends, je regarde si je peux me tuer avec mes dégâts. Ah non, ça marchera pas. Ah attends, ouais non. Si, il y a t'as l'autre compagnon. Ouais, ouais, je sais, mais... Est-ce que moi, je peux me déplacer? Je peux faire ça. Je vais faire ça. Voilà. Il avait pas envie de taper. Oh, j'ai le Shuriken graveleux, mais c'est trop tard. On va le finir là, je pense, au prochain tour. J'aurais pu faire la méga invocation. Vas-y, le tue pas. Ah bah là, mon pote, c'est... Oh, tu vas, tu penses que tu vas tout lui mettre? Ah bah tiens. Ça me dit déjà les quêtes gagnées, quoi. On a raté le challenge, j'ai pris peur. On a raté le challenge, je suis dégoûté. Après, c'était soit ça, soit je mourrais, parce que j'ai fini à 70 HP quand même. Hein. 20 minutes, un quart d'heure. Donc bon. Putain, t'as eu un anneau Ouais, mais je l'ai déjà celui-là. Ok. Oh non! Ma pauvre bouffquette! Ma pauvre bouffquette! Why? Oh, j'ai vraiment pas de peau avec mes petites boufflonnes, Boudjou! Boudjou! Ouais, Boudidjou! Je retourne chez moi. Je pense que je vais rajouter. Rajouter un sort qui me permet de piocher parce que là, dans les grands combats, j'ai plus de mains après. Les dans grands combats. Ok. Attends, hop, on va piocher. Enfin, piocher. Oh, du légendaire! OMG, l'anoracle! Coup de grâce avec un sort R déclenche une foudre sur les adversaires. Plus 1% de vie à votre héros, plus 1% dégâts à vos sorts R. R, c'est quelle couleur? R, c'est violet, non? Non. R, c'est violet, non? Bon. Ouais, R, c'est violet. Ouais. OMG. Bon, ça, c'est pas mal, mais c'est vraiment late game. En fait, ça dépend de qui on affronte. Je peux changer le deck entre chaque combat, en fait. Donc, je suis en mode, s'il y a un combat, alors je... Bah, c'était... En fait, c'est un peu à chier, non? Je suis en train de regarder. Le spell est un peu à chier. On fait quoi, là? On continue quoi? Bah, ouais, ouais, faut qu'on continue. Donc, attends, du pour coup. Avancer. Vas-y, vas-y. Oh, je suis dégoûté, c'est un légendaire, mais il pue sa mère. Ah bon? Ouais, ouais, il est à chier. Merde. Un pot de déception, on dirait. 500 kama, mais ça fait quoi, en fait? Le problème, c'est qu'on sait pas ce que ça fait quand on améliore ça, c'est chiant. Ouais, y a pas l'info dessus, je comprends pas trop. En mode 500 kama, mais bon. Bon, bah je sais pas, du coup je vais pas le faire, parce que ça coûte cher quand même. Attends, j'ouvre juste un petit coffret. Vas-y, vas-y. Les gars, une idée de comment on joue en groupe. Au tout début, pour jouer en groupe, mon ami, il y a certaines quêtes où tu peux jouer en groupe dans l'île d'Astrub. Enfin, Astrub, quoi. Il faut que tu ailles sur les persos qui sont en périphérie de l'île, c'est-à-dire le plus éloigné. Sinon, les autres, c'est des quêtes solo. Et ensuite, une fois que tu arrives à un certain niveau, hop, tu vas pouvoir faire les donjons. Tu vas c'est le grand faire... boss, hein. Bah, j'imagine. Hein. Là, faut que je stack de l'eau très très vite. Alors, challenge. Allez, c'est quoi? Les adversaires doivent être achevés avec un sort. Bon, là, je te le dis direct, ça sera niette. Hein. Je te le dis direct, c'est non. C'est direct, c'est non pour toi? Ça va pas être possible pour moi. Est-ce que c'est non pour toi? Ouais, c'est non pour moi, mon pote. Est-ce que c'est non pour toi? Oui, c'est non pour moi. La réserve, elle est infinie. Tu peux en mettre autant que tu veux de trucs dans la réserve ou pas? Bah, j'ai l'impression. Normalement, oui. De toute façon, ça peut stacker, donc... Putain, à la fin du jeu, On a 15 points d'action, quoi. J'aurais dû faire ça, je suis trop bête. Mais je voulais stacker ça, et j'ai un dans la réserve, donc ça me va. Oh bah ça va, il a pas fait grand chose. Ouais, ouais. Il m'a pas fait rêver, en tout cas. Oh, le 53. Oh, ce que je lui ai mis, frérot. Chier. Je vais faire ça pour gagner un point d'action, mais est-ce que c'est vraiment bien? Oui, je pense, hein, tant pis. Oui, c'est l'early accès, je le rappelle, sur Steam ou sur le site Ankama, je crois que vous pouvez télécharger directement le jeu. C'est gratuit, c'est free to play friendly, évidemment, puisque vous pouvez acheter du cosmétique dans le jeu, mais et puis il y a un battle pass. Mais sinon, honnêtement, on fait tout en légende. Ok, c'est pas mal. Le challenge est perdu, hein. Bravo, Xav. Oui, je m'en fous. Ah d'accord, tu t'en fous. Oh, je me fais casser la gueule, moi.
Putain, j'ai un sort. Il m'a donné un sort, le bouffe tout malade là, et si je le joue pas, je prends 9 dégâts. Faut que je le joue absolument au prochain tour, hein. Trop chiant. Oh, il va lui rester 9 HP à l'autre, putain. 9 HP, ça dégoûte. Mais ouais, non, tu le tues. Ouais, je le tue. Critical. Voilà, donne-moi ça, mon pote. Boum. On va s'arrêter là, c'est déjà pas mal ce qu'on vient de produire là. Oh là là, 46 de damage. Mais il est fou. Ah oui putain, il m'est cher. Ouais, ouais, je suis quasi midlife. Hein. Ouais, c'est chiant. Pour jouer avec vos amis, vous les invitez dans le chat ici, hop. Ou voilà, vous chopez votre ami, vous faites votre vie, vous invitez dans le groupe. Et ensuite, au tout début à Astrub, si vous n'arrivez pas à lancer certaines quêtes, c'est normal, il y a des quêtes qui sont en solo, mais il y a plein de persos qui sont vraiment sur les bords de la map, en périphérie de la map, qui vous permettent de lancer avec votre allié. Dès que vous cliquez dessus, en bas à gauche, vous cliquez sur votre copain et hop, ça l'invite. Voilà. Je suis abattu. T'as fait nimp ? Non, mais en fait, il y a un maximum de cartes en main, je savais pas. Du coup, bah en fait, il y a une carte que je pouvais pas prendre parce que j'avais pas la place. Oh là là, l'erreur. Du coup, je suis deg. Par contre, il te met 46, lui. Enfin, va falloir se réveiller, là, les amis. Ça va, ils sont sur moi, les autres. Moi, je suis en légende. Est-ce que je me dépatouille, comme on disent les jeunes? Là, ouais, elle est pas mal, mais elle met pas tant de dégâts que ça, en fait. Okay. Ok. Ah, nice. Bah, il va tanker un peu, lui. Ouais. On va avoir besoin. Boom. Ça va, ça va. En vrai, il reste plus que le gros, donc moi, je si tu peux te décaler loin. Ok. Histoire qu'il attaque quelqu'un d'autre. C'est pas mal. Ça, et c'est bon. C'est à toi. Enfin, c'est à eux d'abord, mais oui. Oula, putain, il met cher, hein, le con. J'ai fini dans... Désolé. Il y a 252 HP. Je pense que je tue d'abord le mec à 89. Hein. Oui, les persos seront gardés. Hein, si vous jouez à l'early access, votre progression sera sauvegardée. Quoi la vache, ce que tu lui mets là. Par mon coup. Ok. Ça va, il m'a attaqué moi, mais. Oh merde, il a tué ton pote. Voilà, c'est fini pour lui, hein, je te le dis. Il va prendre bien cher. Voilà, mon pote, tu vas faire quoi? Et bah, une fin de tour. Oh, le grignoteur! Il y a combien? 164 dégâts. Je sais pas si je peux le tuer en vrai. Ça non, 164 de vie. Ah, c'est vrai, il a 46 de dégâts. Hein. C'est quand même n'importe quoi. Tu peux le pousser dans les pièges ou pas? Évidemment, évidemment. Ouais. Je pense que c'est terminé pour lui, non? Non, mais. Oh là là, oh là là, c'est énorme. 96. Chier, j'ai pas tué. Pas mal. J'ai pas terminado, mais bon. Je m'en vais comme un prince. Oh bah ouais, ah bah ouais, là, tu t'en vas comme un prince, hein, ouais. Allez, finis-le. Finis-moi ça. Et voilà, c'est terminé pour lui. Qu'est-ce qu'il pensait faire? Rien faire du tout. Ah bah ça, je pense, ça a arché, les gars, c'est trop fort. Ok. Oh, j'ai eu un nouveau truc.
Broche emplumée, invoque le buteur jaune dans l'équipe adverse, plus 20% de Vimax, plus 10% d'attaque. Putain, il casse tes couilles à voir invoquer des trucs en face. T'en peux plus de ça. Je le prends ou Non, mais clairement. Non, non. Pourquoi, Xav? Non, Xav. Je peux le prendre ou J'ai l'impression que ça a marché. J'ai l'impression que les broches, hein, c'est net. Hein. Je mouille. Ah, ça a marché? Ok. Bon, si ça a marché, je le garde. Okay. C'est bon, je suis ready. T'es ready? Je monte juste mes spells et j'en enlève un qui ne sert à rien. Est-ce que je remplace un archer par un archer? Il est où en bleu? 4. À la place de quoi? Est-ce que j'enlève ça qui repousse? Ah, c'est combo, je vais enlever ça à la place. Je check en haut à droite la réserve des PA des mobs, c'est à 0, tu vas rien voler. Merde. Non, j'ai gardé ça. Ah, mais ça donne archer. Putain, ça me fait chier, je sais pas. Et vous savez quoi, on va enlever ça. Allez. Voilà. Ok. Et si je faisais ça avec ça? Oh, j'en ferais une ambiance! C'est pas là? Non, mais le donjon il est infini, what the fuck? Ah merde, je suis passé de l'autre côté. Je peux plus revenir? Ah si. Bah non. Mais c'est bon là. Ok. T'es pas téléporté? Si, c'est bon. Ok. Bah par contre, donjon, il faut avoir une heure devant soi. Hein. Bah ouais, j'étais en mode, là j'avoue, c'est 20h45, ma femme qui est en train de léhur à côté de moi. Ouais, mais bon, elle est en train de léhur, mais nous on bosse. Hein. c'est boulot. Aucun compagnon doit être appelé? Ah bah je crois pas, hein, frère, parce que vu ce qu'il y a en face... à mon avis, c'est déjà perdu pour nous. Vu ce qu'il y a en face, mon frérot... Non. On va vite appeler du compagnon. Hein. Compagnon. La fin de mon tour. Bien joué. J'ai tour de fou. Hein. Si en fait, c'est trop chiant quand c'est moi qui commence, du coup, ils bougent pas les mecs et du coup, je peux pas attaquer. Parce que moi, sans attaque, je suis nul à chier. Hein. Hello à tous ceux qui arrivent. Alors, attends, archer. On fiche de dégâts, naninana. Est-ce que je fais pas ça? Nananinanana. Dofus 2, en gros. En fait, c'est le même. C'est un peu le même ADN parce que c'est tour par tour. T'as des PA, des PM et tout. Mais vu que c'est un deck building. Et que c'est quand même différent quoi. C'est un peu le même mécanisme de gameplay, mais c'est quand même différent. Et c'est pas un MMO non plus, ouais, c'est vrai. Oh, tu l'as mis cher, 47. Ouais. Mais 57 lui. Wow, le cocaine. Ou alors lui, mon frère, il va falloir faire un truc. Mais ça, oui, mais attends, mais 57. Mais il joue combien de fois? Je suis mort, c'est terminé pour moi. Non, Xari, tu vas les hurler. Ah non, mais là, c'est fini, gros. Enfin, vraiment. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, je sais pas. Oh. Boudu. Mon Dieu. Ah non, mais là, c'est terminé, frérot. Enfin, frérot, tu es cringe. Oh non, mais j'ai encore fait la même merde. J'ai oublié de faire la maladie avant, je suis un débile. La maladie d'amour. Je vais mettre un piège devant moi pour me protéger, je sais pas en fait. Hein. Ah, ça y est, on a enfin des bottes. C'est bon, tu l'as tué? Ouais, je l'ai tué, mais frérot, c'est compliqué à dos. Hein, là, le mec qui met K57 x 2. Alors, t'as invoqué un compagnon, pourquoi? Non, pour le défi, mec. Ta gueule. Waouh, vous avez vu comment je me fais insulter? Vas-y. Non, mais en vrai, ça va, t'as 229 HP, mec, tu vas pas mourir. Hein. Oh, je le repousse, il m'a saoulé. T'as bien fait.
Mais 229 HP, gros, il fait chumi de life, presque. Ouais, bon, t'en fais toute une. Il a plus que 6 HP, mon compagnon. Il va one shot mon compagnon. Est-ce que je dois aller dessus comme ça? Ok. Non, t'as pété mon piège. Ah merde, je pensais pas que ça pétait ton piège, putain. Non, bah ça c'est con. Aïe 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 aïe. C'est pas grave en vrai. Ah, c'est pas grave, là c'est la fin, frère. Je vois pas comment on voit tous tes fumées là. Si, si, moi je vois, regarde les damage qu'on fait. Hop, boum. Là, je vais bien, je vais te fumer du dame. Je passe ici, tac, ça réduit pour. Non, après. Il va me taper moi. Ah, j'ai pas assez. Ça me coûte 0, est-ce que j'utilise maintenant? Sinon, je prends 9 de dégâts. Utilise ouais. Tout par pitié. Non, mais non, j'ai plus de spells pour faire des dégâts là, c'est fini. C'est la fin, c'est terminé, on a perdu. Mais la bizarre. Vas-y, j'enlève ça. La maladie c'est trop chiant. Mais pourquoi moi? Non mais ça va, on va s'en sortir je pense. Ouais gros j'ai 153 HP hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il... Wow. Il rejoue ce chien, j'ai 96 de vie. Oh mec on est dans la merde de fou, tu crois qu'on là, peut... Là c'est fini, là je Non mais mets-lui tout, je t'en supplie. Mais j'ai 206 HP, je ne peux pas le tuer. Je ne peux pas le tuer. Non mais dis pas que tu peux pas le tuer, bon, on va pas perdre ce donjon à cause de toi. Bah si, là c'est perdu frère. I say it to you, c'est perdu. Je vais essayer de tuer un mec en plus, quoi. Mais c'est le seul truc que je peux faire. Oh non. Ah non, ah bah là, c'est, ah non, c'est la fin là. Ah, c'est fini. C'est la mort qui m'a assassiné. Non, vous êtes là, large, mais. Oh, il est sur moi. Focus-toi peut-être. Alors peut-être. Tiens, large. Ils font trop de dégâts là. Aïe aïe. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de l'eau. Ouais. Attends. J'invoque un compagnon d'eau si tu veux. Ah ça c'est bien, ça peut nous sauver peut-être. Compagnon d'eau. Ouais, compagnon d'eau c'est peut-être pas mal. C'est celui qui donne de l'eau. Ouais, si tu veux. Ouais, ça c'est trop bien ça. Je pourrais invoquer mon autre compagnon d'eau. Hop, je peux le faire. Le problème c'est que là, en fait il attaque deux fois. Je sais pas pourquoi, il fait ding ding dong et il réattaque. Ou alors non, j'invoque pas le compagnon d'eau, j'attends pour invoquer mon méga mob ultime de la mort là. Non, invoque le compagnon d'eau. Vas-y, attends, j'attends un tour. Non, tour. Mais non, parce que je vais mourir, frère. Si t'invoques le compagnon d'eau, je peux invoquer le mien aussi direct après. T'es sûr? Oui, 100%. Fais chier, je voulais invoquer mon compagnon. Oui, bah on s'en fout. Là, je vais mourir, là. Il y a une probabilité. Regarde! Bah, tu vois, j'aurais dû l'invoquer. Non, je suis mort. Je suis mort, sale chien. Putain, mais quoi, c'est pas ma faute, wesh. Mais non, je parle du mec. Ah non, t'es pas mort, regarde. T'es toujours là. T'as toujours. Tu peux toujours faire un truc avec ton perso? Ouais, je peux faire des c'est trucs. Quoi, ouais, c'est merde. Quoi? Je sais pas, gros. Faut que tu le tues. Je soigne de 33 points de vie, je repousse de 3 cases. Vas-y. Offert déphasage et 3 points de mouvement à un allié pour le tour. Après, je fais des. Je pense qu'on a perdu, je pense que c'est une fin de rêve là. Je fais des dégâts, en 36, je mets. Oh bah quand même. Tu peux invoquer? Qu'est-ce que je peux faire? Non, je peux plus invoquer parce que j'ai pas attaqué du coup. Ah merde. En fait, tant que toi tu tankes, ah non, c'est la fin. Oh, tant que toi tu tankes, c'est la fin. Je vois pas comment on gagne là. 131 HP, putain, il fallait focus direct. J'aurais dû reculer, ouais, mais reculer, je peux pas avancer moi, j'avance pas. Attends, mais c'est très difficile là par contre. Ouais, oui, sans rigoler, c'est très très dur. 32, putain, il a 99 HP, en fait, on aurait dû le focus direct. Aïe. Parce qu'en fait, il attaque deux fois le. Ouais. Oh là là, toi t'as un mob, alors peut-être, hein. Ça peut tanker un peu, mais je peux pas faire mieux, mec. Ouais, mais après, moi, je vais pouvoir attaquer. J'ai 29 de dégâts, quand même. Oh non. Oh, le ding-ding-dong. Ah ouais. Frère, le il tape trop fort. Ça suffit, la aussi. La 57, hein. Et j'ai pris tous les dégâts, donc oui. Tu vas le tuer après. Non, il rattaque. Aïe. Vas-y, fume-le, mets tout. C'est nul, j'ai pas d'attaque, j'ai aucune attaque. Mais attaque. J'ai que l'attaque de base. Oh, j'ai critique. Oh, par contre, t'es une dinguerie les dégâts que tu fais. Confère déphasage et 3 points de mouvement, soigne de 23 points de vie, je te soigne. Vas-y. Et après, je te pousse, je crois, je sais pas pourquoi. Mec, merci. Attends. Quoi? Oh non, je peux mettre que 32, mais est-ce que je le fais ou. Moi, je peux le tuer prochain tour. Je peux le tuer, ouais. Sinon, j'invoque elle encore, c'est encore mieux. Qu'est-ce qui me dit que je peux vous faire confiance? Ah, mais je croyais que tu pouvais pas invoquer. En fait, si, parce que c'est juste que j'avais pas assez d'eau, mais maintenant j'ai assez d'eau. Elle, à chaque fois que tu fais un sort, ça va te donner un truc dans ta réserve, donc c'est peut-être pas mal. Ah putain, ouais.
Ça va, heureusement j'ai tanké pour nous. Hein. À chaque fois que je fais un spell, okay. Du coup. Non, bah ouais, normalement quand tu fais un spell, ça va infliger. Là, t'as récupéré un d'énergie ou pas? Non, pas du tout. Mais wesh, mais c'est quoi cette merde? Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Lis sa kappa, bah je lis sa kappa. Inflige 3 dégâts à la cible. Et 1 point d'action en réserve. Non, bah moi j'ai pas. C'est pas l'invocation ? Merci, c'est apparition merci, et début Ken, de tour. Merci Ken. C'est gentil. Oh, mais je me fais laver, hein. 158 HP, non. Ah, mais c'est apparition et début du tour, donc c'est qu'une seule fois. Et c'est si c'est le seul compagnon en jeu. Oui, mais c'est le seul compagnon en jeu. Ouais, mais est-ce que toi t'es pas considéré comme un compagnon ? Tu vois, là, ça l'a fait, là. Ok. Pas pour moi, mais... Mais pour toi. Non, ouais, c'est pour moi, ouais. Ok, un dos. Je téléporte pour que ce soit mon compagnon qui prenne des dégâts. Très, très fort, très fort. Ah. Moi, je peux pas être tapé. On va le gagner, ce donjon, mais ça va être complexe. Hein. Ouais, ça va être très, très complexe. Après, il a plus que 20 HP, donc tu le tues et il reste plus qu'un mec qui te met 19 et t'as 158 HP, donc c'est bon. C'est bon, c'est gagné. C'est gagné, mais c'était la galère, hein, quand même. Oh là là. Ouais, c'était la galère, mon pote. Ouf. Ah oui, je mec. C'était complexe, ça. Putain. Galérien, le galérien du possible. Oh, c'était dur. Prends sa part. Ah ouais. C'est good. À l'attaque. Eh bah dis donc, c'était pas glorieux, hein, mon ami. Bah c'est pas glorieux, c'était dur, hein. Bah oui. Inflige 18 dégâts, mais c'est nul à chier, ça. Oh là là. Ah, c'est x2 par contre, c'était x2. On est toujours dans le donjon, ouais. Putain, j'avoue, moi je dois quitter là après ça. C'est terrible, comment je vais faire? Non mais le donjon est fini, tu peux pas quitter, je crois que tu vas manger plus tard, hein, frère. Ah bah non, là je dois y aller. Hein. Ah mais ça va, t'es en OP, frère. c'est ce qui permet de mettre la nourriture sur la table, hein, donc... 4 heures d'OP quand même. Bah non mais c'est vrai. Oh c'est le boss. Ah c'est vas-y. C'est le boss, attends, c'est cornu le cornu, frère. Attends, par contre, il faut qu'on se prenne du soin, je sais pas, Je vais enlever l'anneau qui met 20% d'attaque et moins 10% de vie, hein. Clairement je vais l'enlever celui-là. C'est énorme, prends-le, hein. Non mais je vais l'enlever pour ce truc-là. Je me dépêche, tac. Ok. Ok, je l'ai monté au max. Je vais prendre ça, vas-y. Je pense que c'est pas mal parce que je vais pouvoir faire un gros dégât. Ah, on peut pas se permettre de partir maintenant alors qu'on a le boss qui arrive, le cornu. On va se faire laver. Allez. Allez! Merde, par contre, j'ai ouvert un coffre et j'ai vu que ça a lancé, j'ai pas pu sectionner. Ah merde, c'est mire. Pif. Non, mais t'inquiète. Est-ce qu'il est tout seul ou pas? Parce que s'il nous casse la gueule. Oh là là. Faut qu'on tue. Après, il fait que 41 dégâts en vrai de vrai, notre troll. Hein. Allô? Par contre, il y a lui en 46, ouais. Bon, bah écoute. Alors, le boss, il déclenche son attaque sur les adversaires adjacents, donc il faut se reculer. En fait, il fait deux attaques. Il fait deux attaques si on est collé à lui. Bordel. Ça va être compliqué, on va tout donner. Tout donner. Et par contre, pourquoi j'ai pas mon l'orbe bleu là? Je comprends pas. Début du combat, ajoute le sort orbe à votre pioche. Je crois que c'était directement dans la main. C'est moins fort du coup. Oh non, j'aurais pas dû l'utiliser maintenant. Ça fait dur, c'est le combat d'une vie, de toute une vie. Ok, je vais tanker un peu là, je pense. Ça va. Ah putain, t'aurais pas dû te mettre là. Bah, j'étais obligé, mec. Je peux te dire que j'étais obligé. Après, ça dépend s'il bouge au prochain tour. Ah oui, il va bouger. Hop.
Il va bouger, je le bouge quoi. Ouais, bien joué. Y'a plus que 111. C'est pas mal. Oh non, le boss arrive, le boss arrive. Oh merde, ce con, il se barre. Oh non, 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 pas lui. Non, oh, faut qu'on court, hein. Qu'on court, parce que vraiment, en plus, il booste tous les mecs à côté, hein. Vraiment qu'on se barre. Oh merde, attends, t'attaques lui, t'attaques pas l'autre. Ouais, mais parce que, attends. Ah, c'est la fin. Ouais, parce que je peux pas bouger en fait. Donc, t'es là, je peux faire que ça. Moi, je vais me faire casser la gueule là, je pense. Prochain tour, j'explose. Ah, j'ai ça, ça peut être pas mal en vrai, ça. Ça signe tout ça. J'ai deux dos, après je peux invoquer. Si je fais ça, je. Ouais, je vais faire ça, ça. Vas-y, mon pote, régale-moi. Je peux le tuer, lui, je pense. Je vais me TP un peu plus loin, moi je vais me casser. En vrai, c'est pas si mal de temps en temps d'avoir la maladie parce que moi ça me permet de faire des combos facilement, mais coûte cher. Bon, moi j'ai pas de combo, moi donc. Tu peux pas invoquer ? Si, si, si. Ah mais faut pas le tuer en manœuvre, c'était le, tu sais, le challenge c'était de le tuer en on dernier. Fout, on s'en fout du challenge gros, on a un boss qui est trop fort là. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Excuse-moi, excuse-moi mec. On en ding dong dong. 187 HP. Oh là 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 là. Oh là bah je c'est bientôt fini pour moi je pense. Il va falloir que tu cours hein frérot. Wouah, ça va être dur. Je tape qui ? Le mec à droite je pense, non ? Bah, il faut surtout que tu te barres en fait. Ouais, essaye de tuer le mec à 43 de vie et barre-toi quoi. Je me suis soigné. Hop, et à chaque fois qu'elle tape, elle fait piocher. Elle fait piocher, ouais, pas mal. Ouais. Pas mal, mais là il va nous mettre une pété le mec. Hop, je mets un peu en fait, le problème c'est qu'au début du tour, il déclenche son attaque sur tous les adversaires qui sont à côté. Donc. Oh putain, oui, d'accord. C'est la merde. Alors attends. Lui, il a 88 HP, 118. Ouais, si tu veux, fais-le attaquer en premier, mon mob, parce que tu pioches un sort. T'auras peut-être un sort que t'as besoin, tu vois. Ouais, mais de toute façon, je dois attaquer au début, moi. J'attaque. Ensuite, je vais faire. Pas aller attaquer en fait. Bon, attends, attends. Non. Wagaga. J'ai pas attaqué, je me suis juste déplacé. Oh, wagaga, wagaga. Oh, puis en plus, j'ai trollé. Oh, j'ai fait n'importe quoi, mec. Non, pas tu veux pas qu'on win ou quoi. C'est la vie, j'ai fait n'importe. Oh, pff. Ouais, c'est nul. Oh, j'ai fait n'importe. Ouais, mais je l'ai poussé sur toi, c'était pas ouf. Hein. Pas zinzin. Ouais, c'était de la merde ce tour, j'ai trollé. Okay. Ah, ça va, il est sur moi. Je vais finir le mec à 56, moi. Ça va, en vrai, on va y arriver, on va y arriver. Il reste plus que le gros boss, il faut se le finir et on est bon. Mon mec, il fait 32 dégâts au cas où. Ok. Il est full vie, il fait 32. Ça marche, alors attends, ça c'est con. J'aurais pu le tuer. Je vais passer sur ça. Ah non, j'ai trop con. Ah, j'ai trollé, putain. Non, c'est pas grave. Je vais faire ça. J'aurais dû faire archer, j'aurais pu me TP et me casser un peu plus loin quoi. Attends. D'abord, on va faire. Ensuite, il meurt pas. Bien joué ça. Bah, tu peux kill le dernier là à gauche, comme ça il joue pas au tour d'après. Et après, on met la max sur le gros. Hein. Je pense qu'on en est bien là. Wagaga! Non, j'ai fait chier. Fume-le, man, fume-le.
réfléchis. Inventer, ouais, c'est chiant. Allez, je t'en supplie. Régale-nous. T'as pas tué celui qui a 5 HP là ? Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Oh là, ce que tu dis. Superbe, superbe ça, madre mia. Mais bon, c'est gagné. Et en plus, il est bloqué, il peut plus rien faire là. Ah, oula, oula. Ah, si, il peut bouger. Oh, en fait. Oula. 42 HP. Ouais. Bah, c'est eh bon, bah, dis donc. T'inquiète. Même si tu meurs, au pire, tu seras en. Ouais. Non, en vrai, je peux me casser. Ouais, bah, barre-toi. Je tape le si tu peux. Me casser en 196, ça. Il est. Attends. Gros. Attends, déjà, on va faire ça. Ok. On va juste faire ça. En 96, je peux peut-être le tuer au prochain tour. Ok, maintenant je peux faire ça. Ça coûte un de moins. Je pars en réserve. Ok. Wagaga! Oh, wagaga! Il est mort là? Non. Non, mec, mais juste là, j'ai fait une masterclass. C'est quand même mieux quand tu peux invoquer des compagnons. Hein. Quand tu pouvais invoquer aucun compagnon, on était un peu. Hop là. Oh, un peu les connards, quoi. Hein. Je me casse. Il fait rien. Ouais. C'est gagné, mec. Attends, il faut. Il y a 73 HP là. Tu le finis, vas-y, tape avec tous les compagnons déjà, ça va te donner des stacks. C'est pas mal, hein, les compagnons qui fait piocher, le compagnon qui donne de la stack. Attends, est-ce que je peux faire. Bah, ça va te faire piocher l'autre si tu l'utilises. Ouais, mais je m'en fous. Ok, excuse-moi. Ah d'accord, waouh, ok bro. Là, il est mort, alors. Un petit spell et c'est fini pour lui. Hein. Voilà, pousse-moi cette merde. Oh non, il va pas le faire, pas autant de pièges d'un coup d'un seul. Oh non, tous les pièges. Meurs. Oh, M5. Non, pas de challenge, pas de challenge réussi. On a gagné, oh, t'as gagné un compagnon de fou. Oh, le compagnon ruelle. Léhur à l'envers. Touche les adversaires autour, confrérie du tofu. Oh non, mais c'est énorme. Le compagnon de Zinzinular, par contre, c'est 6. Ouais, Kaiden, j'ai déjà fait une ou deux fois. Ruel, les amis. Ruel, c'est légendaire? Non. Ouais, si, c'est légendaire. Oh, mec. Oh, viens, on va au magasin. T'as eu deux légendaires, j'en ai eu zéro, moi. Je suis un connard, ou comment ça se passe? J'ai l'impression que t'es un bon connard. Oh, le colporteur, il me donne rien de bien fou. Oh là là. Et le Coliseum est débloqué, mon cher ami. Et la nouvelle île est débloquée. Oh là 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 là, tout est débloqué. Moi j'avais le Coliseum juste avant. Je sais pas pourquoi je l'ai eu avant toi. Bon, okay. C'est peut-être un nombre de quêtes qu'il fallait faire. Alors le magasin. Oh le baron, le baron Sramdi. On va prendre des trucs qu'on n'a pas. J'ai rien acheté, hein, frère. Oh, compagnon encore oh pas légendaire cette fois mais mythique. Coqueline. Je prends ça. Là, il y a du nouveau. Ça, je prends. Force, ça. Putain, il y en a des trucs. Allez, les spells un peu. Que de la demeure. Allez, les bleus, allez. Ça, j'ai pas. Et je vais monter celui-là, je pense. Ouh, je peux monter celui-là avec l'archer. C'est le seul feu que j'utilise. Bah écoute mon cher ami, c'était bien bien cool en vrai. Je me suis bien éclaté. C'était yes, le petit fire. Ah bah oui, ça c'est sûr et certain. Alors attendez, je vais sauvegarder. Le mec matrixé. Bah mon cher Xav, je te dis à très bientôt, merci. Et on se refait la suite pour ceux qui se posent la question. Au minimum en décembre, avec la sortie officielle du jeu. Bien évidemment en compagnie du Xav. Vas-y, à bientôt frérot. Vas-y, bah ciao, bonne app. Ciao, ou bonne app à toi aussi, même si tu vas pas manger de suite, j'imagine, mais exact. Allez, ciao. Salut. Ciao. Il y a un lien pour le jeu, les amis. Si vous voulez télécharger le jeu Steam ou sur Ankama directement, je le rappelle, c'est entièrement gratuit. C'est dans sa phase Early Access. Vous pouvez jouer si vous avez jamais joué à Dofus de votre vie. Peu importe, on s'en fout. Vous pouvez aller tester. C'est en Early Access, donc c'est entièrement gratuit. Il y a du Battle Pass. C'est du très, très, très free-to-play friendly, voire vraiment full free-to-play friendly, puisque ce que vous achetez, c'est du cosmétique. Donc en vrai, c'est très cool. Et ça sortira sur mobile également. Et ça, c'est vraiment cool, puisque c'est un cross-platform, iOS et Android à la sortie en décembre. Donc voilà, un Waven. Moi, j'ai grave kiffé. Premier degré,
J'ai, oh, là, on est plus dans une OP, hein, d'accord, parce que c'est 21h, les gars, techniquement, c'est 2h, enfin, bon, vous avez capté. Mais premier degré, c'était vraiment trop cool. Déjà, j'ai pas vu le temps passer et j'ai retrouvé des vibes trop con. Mais vous savez, quand on a joué avec Lolo et PA et qu'on s'est fait du For the King, même délire, quoi. Aller faire des donjons, est-ce qu'on va mourir, le tour par tour, machin. Je pense qu'encore une fois, si vous avez des potes qui aiment ce style de jeu, jouer à plusieurs, ça change littéralement l'expérience du jeu, selon moi, parce que je pense qu'en solo, tu t'amuses aussi, mais peut-être que c'est moins fun, en tout cas. Là, aller faire des donjons et tutti quanti, très honnêtement, très cool. Et oui, dans le titre, hein, vous avez pu voir marquer le hashtag publicité ici, hein, c'était bien une OP sur une opération commerciale, évidemment. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé pour ceux qui ont testé aussi, mais honnêtement, très cool, et OP ou pas OP, je ne sais pas quand est-ce que se termine l'early access. Mais j'avoue, moi, j'aimerais bien rejouer. J'aimerais bien en refaire un petit peu. À voir. C'est dommage qu'en groupe, si on peut jouer qu'à 3, parce que ça, ça aurait été un bon bail à faire avec les copains. Pour le coup, ça fait plaisir de voir du sang neuf sur un jeu Ankama. Ouais, clairement. Clairement, pour le coup. Et je pense que les fans d'Ankama, en vrai, je vois pas trop ce qui pourrait vous décevoir en soi, même si je connais que très, très peu d'Ophus. Donc là-dessus. Et oui, jusqu'à la sortie, aucun reset. C'est-à-dire que là, le perso que vous montez, bah, vous l'aurez à la sortie, quoi. Donc voilà, écoutez, moi je vous laisse là, je vais aller manger, c'était un très très bon live, je pensais finir plus tôt effectivement, mais on était tellement happé par le donjon et le boss que c'était, bah voilà, c'était très cool, hein. Ça veut dire qu'on s'est bien amusé, effectivement, vous aurez la rediffusion complète sur ma chaîne Rediff, j'irai à la télé, et si vous voulez voir de suite, eh bien si vous êtes sub, vous pouvez aller voir sur Twitch comme d'habitude. Demain, on se retrouve en compagnie de l'immense Zankil from France pour l'ouverture d'une display, flamme obsidienne ou pas, je ne pense pas, parce que ma femme elle veut pas qu'on ouvre la flamme obsidienne, donc on se fera autre chose, en vrai, en termes de display, pour voir si on a la chatte, on sera comme ça, peut-être du point de fusion, peut-être du origine perdue. Bref, ça va être très très cool. Je vous embrasse, merci à tous d'avoir regardé, passez un agréable moment, des bisous. Je vais vous renvoyer, on va raid, vous savez quoi, on va raid le Xav, on va raid Xari directement, parce que je pense pas qu'il coupe son live et qu'il continue. Si vous voulez continuer de voir justement du gameplay, eh ben on va renvoyer vers le Xari, le Xavios là, mesdames et messieurs, on va faire un petit raid comme ça, il se la régale avec son perso, et ça régale. Des bisous tout le monde, passez une agréable soirée, à demain, ciao. On raid, petit raid. Allez, je vous mets sur l'écran, mais on envoie le raid. Allez, bisous.